Bon bah les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes 700. Attendez les gars, je vous jure c'est ouf. Vous êtes 758 à attendre. C'est de pire en pire. Vous êtes des gros fous. Je ne comprends plus les gars. Bon, comment ça va? J'ai passé une journée. Je suis content de moi. Mon écran s'est éteint. Il s'est rallumé. Mon écran s'est éteint et s'est rallumé. Je ne comprends pas. Mon PC est mort. Non c'est bon. Allez bonjour les gars. Mon écran s'est éteint. Attendez les gars, mais j'ai mon lèvre qui s'éteint. J'ai mon écran d'à côté qui s'éteint les gars. Bon bonjour à ceux qui viennent d'arriver les gars. Mais mec, mon écran, mais... Il s'allume, il s'éteint. Oh, comment je fais pour le chat? Les gars, bon, on va faire comme ça, ça devrait fonctionner les gars. Bon, salut Phoenix, salut Louis, salut Pierre, salut Yannis, salut à tous ceux qui viennent d'arriver les gars. Bienvenue à tous sur ce live, on va live encore une fois. Bah, comme d'habitude, hein, tous les dimanches on est un petit peu en live et on continue notre petite aventure sur... Sur les trois fermes, encore une fois, voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est en tendance, donc voilà, merci beaucoup. Salut tout le monde, salut nouveau cast Starview. Oui, oui, bah oui, ça fait quelques jours que je l'ai changé déjà, ouais. Yo mon youtubeur préféré, salut tout le monde les gars, bienvenue à tous. Bienvenue aux 1700 personnes, mais déjà, mais what. Salut, ça va, t'es le meilleur youtubeur. Bah, merci, merci, c'est fou les gars, merci à vous. C'est trop plaisir les gars, bienvenue à tous. Il a coupé les cheveux. Non, pas du tout. Je suis juste peut-être mieux peigné que d'habitude. C'est d'être ça. Non, en vrai, je me... Non, j'arrive. Ouais, t'inquiète, Zero. T'inquiète, t'inquiète. Bon, les amis, vous avez vu la vidéo de... Vous avez vu la vidéo de ce matin. On a fait des gros achats. Des gros, gros achats. Bah, non, et du coup, pour cette vidéo, je suis accompagné de Borom, de LSC et de Nico. Bonjour. Ça bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va. Ça va. Écoute, impeccable, tranquille. Toi. Ben, ça va, ben, ça va. J'ai fait... Mec, j'ai fait 13 km à pied aujourd'hui. Vraiment. Bravo Bastien. Mec, j'ai les pieds en compote. Là, mec, en vrai. Non, voilà, du coup, petite balade. Du coup, au passage, je vous ai mis une petite photo sur Instagram. Vous êtes très nombreux à avoir laissé des commentaires comme quoi je devais aller vendre justement la boîte d'enrubané, ce qui était mon siège. Ah oui. En gros, je vous ai mis cette photo là. Attendez. Ah non, attendez. Hop. Voilà. En gros, je vous ai mis une photo moi sur une boîte d'enrubané. Ouais, Brent. Oula, ça fait de la merde. Bref, voilà, et du coup, il y en a plein qui m'ont dit Starvio, il faut que tu ailles la vendre et tout. Vous êtes déjà plus de 4400 à l'avoir liké. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, parce que j'en ai 27867, donc voilà, merci à vous. Et même l'enrubannage dans la vraie vie, ça coûte cher et c'est cher. Bah oui, c'est cher. Donc voilà. Salut à ceux qui viennent d'arriver, les gars. Alors, Océane. Comment ça, alors, Océane? Alors, Océane? Pourquoi? Que se passe-t-il avec Océane? Mystère. Bah du coup let's go hein. Go sur farmer les gars. Déjà 1500 ouais, pouces bleus ouais, mais oh là là là. Mais mec mon écran s'éteint. Jérémy. Mec mon écran il se coupe, il se remet. Qu'est-ce que c'est que ça? Une patate. Eh bah, c'est comme moi. Ouais, rebranche ton câble. Je me cogne dans 10 minutes, je vais manger moi. Ouais, t'inquiète, je vais commencer à jouer tranquillement, t'inquiète pas. J'arrive dans 10 minutes aussi. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi pourquoi. Rallume ta box. Non, c'est pas ça. Mais mec, arrête. Il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Et non, franchement, heureusement, parce que c'est aujourd'hui que j'ai installé un autre écran. Donc j'ai 4 écrans dans ma gueule. Alors 1, 2, 3, 4. Oh la vache. Eh oh, faut être productif. Il y a de l'orage chez toi. Non, 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 il n'y a pas d'orage. Salut Larissa, comment vas-tu? Comment ça va? C'est bon, t'es plus bourré? Oh la vache, pas vraiment des doses. Il va falloir apparemment se payer par farming. Ah, vous êtes sur live de GFIT. Oh mec, alors je vous ai mis une photo sur Instagram, mais je vais aussi publier sur ma page Facebook. Du coup, attends, synchronisation. C'est qui synchro? C'est Jérémy ça. Borom. Oui, Borom et Jérémy qui synchro. Et du coup, j'ai mis une photo sur Instagram qui disait en gros que j'étais sur la botte. Et très bien, et toi? Et non, 100% sans. Ok. Et il y a un mec qui m'a dit ouais, Starvio, t'es payé par farming, alors pourquoi t'es assis sur une botte narubanée? Grosse merde. Comme ça. Alors, pourquoi t'en as violence, les gars? Donc, du coup, voilà. Du coup, non, déjà, je suis pas payé par farming, sinon je serais content. Mais voilà. Bon, la synchro qui dure 3h30, les gars, vachement trop bien. Merci aux 2700 personnes d'être là, bienvenue à tous, les gars. Et merci pour ton nom, Gégaro, ça fait trop plaisir, merci à toi pour tes abonnements. Bon, mec, la synchro, mais what? Qu'est-ce qu'il a? Salut la forme. Écoute, ça va super bien. Ouais. Nickel, mec. Tout va très bien. Juste mettre pause au live qui ne gère pas. Oh, mec, j'ai installé un logiciel. Je suis le plus heureux du monde. En fait, ça permet d'aller sur. En gros, t'as une souris, un clavier et t'as un autre ordi à côté. Bah, sauf qu'il est à côté. Et du coup, quand tu déplaces ta souris, bah, la souris va sur le PC à côté. Alors que logiquement, c'est pas censé être faisable. Mais c'est trop bien. Du coup, t'as pas besoin d'avoir 12 000 souris. Donc voilà. Remets la mousse du micro. Elle est en lavage. Elle est en lavage. Je l'ai lavé. Ah, enfin on a fini. Enfin, il a plein de petits poils. En vrai, le chat, le micro, quand je m'en sers pas, je le mets un peu plus loin. Et du coup, le chat, il va à côté, il fait bien ses poils là. Du coup, j'ai plein de trucs. Voilà, bon, let's go. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Vous restez en vocal ou pas? Bah oui, je prends un petit peu. Bah, Borom, ton micro, je sais pas qu'est-ce que t'as fait. Je comment, qu'est-ce qu'il a mon micro? Bah, je t'entends pas. Attends, on va juste baisser ça. Et mon poste sur ta frite, et on descend. Les amis, ça, c'est le chant qu'on doit moissonner. C'est le nouveau chant qu'on a. En vrai, on va devoir faire de l'avoine.
Donc malheureusement il est pas fertilisé à 100%, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Donc bah, du coup let's go. Avec ma magnifique moissonneuse qui est ici. Mon micro à quoi? Il va très bien le micro. Ouais, vous avez beaucoup de attends, je vais venir avec ma batteuse aussi. Vas-y, avec la cata grille, vas-y, viens. Bon, du coup, on est parti. En train de manger aussi en même temps. Vas-y, allez, bon appétit. Bah, ça va. Ah, c'est dommage, la zéro. On aurait fait un concours en deux mois. Zéro arrive à 45, donc zéro va pas tarder. Donc, on va commencer la moisson. Let's go, les amis. Salut tout le monde, yo les gars. Salut à tous qui en arrivent, les gars. Oh. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'ai mon écran qui s'éteint. Lag. Tu lag? Moi, je lag pas. Moi, je suis fou. Jérémy. Jérémy, il lag à crever. Ah bon? Mais Jérémy est sur la partie? Bah ouais, mais comment on va faire? Ah yes. Par contre les gars, attendez, parce que du coup ici ici on a du foin. Donc bah ouais, faut qu'on refasse du foin vu qu'on a plus de stock. Donc alors on va lancer la moissonneuse en route les amis. Et après on est parti. Il y a Nico. Regardez Nico avec sa petite bataille. Oh, m'insulte pas, c'est moi. Ah c'est toi? Ah, oui. Pardon. Et pourquoi tu voles pourquoi t'as volé ma moissonneuse? Bah j'ai rien à faire, faut pas ah d'accord. Bah bon, Nico va péter un câble hein, si tu voles sa moissonneuse. Mais d'accord. Oh, pourquoi? Non, bah, il a volé ta Fiat Agri. Merci Dylan, toi, pour te faire convoquer, toi. Salut Staro, fais un nouveau défi à avoir 100 vaches. 1000 vaches. Waouh, ouais. Allez, va voir l'FD. L'FD, il fait ça. Il sait mieux faire que moi. Alors, il y a quoi ton micro? Mais mon micro va trop bien, les gars. Il va juste très bien. C'est juste qu'il y a la mousse que j'ai enlevée. Et en vrai, je trouve qu'il est quand même vachement plus stylé comme ça, le micro. Voilà. Et vous voulez pas dormir pour que je m'achète le 1050? Ah non, trop tard. Ah oui, c'est vrai que t'as 12 000 panneaux solaires. C'est pour ça que ça fait ça. C'est quoi le logiciel? Logiciel, il faut que je. Attends, je vais vous le dire. Le logiciel, attends, les amis. Dit quoi? Aucune chance de gagner en vrai. C'est Input Director. Voilà, c'est Input Director. Vous mettez ça avec adresse IP et tout. Putain. Donc voilà. Salut Zero, don. Ah, il y a un don, merde. Ça a crash. Qui a crash? Non. Bah, moi, ma synchro elle a crash, donc je reviens. Salut Dylan, merci à toi pour ton don, ça fait plaisir. Va voir la photo. Non, les gars, je vais même pas lire vos commentaires, vous êtes fous. Alors, let's go la moissonneuse. Let's go la moisson. Avec notre magnifique 8900 qu'on va mettre en route. Donc j'espère qu'on va quand même essayer de sortir du bon rendement parce que. Ah, là, je suis pas droit. Donc ça devrait le faire. Salut la fin. Mais bah en vrai, ouais, nickel les gars. J'espère que vous aussi. Est-ce que vous avez eu des œufs de Pâques? Moi, oui. Oui. J'ai eu un œuf de Pâques. Voilà. J'ai un œuf et un lapin que j'ai même pas bouffé. Merci pour ton nom, Joanne. Merci beaucoup, mec. Ça fait grave plaisir. Merci à vous. Vous êtes chaud. Hein. Merci pour vos pouces bleus au passage. Allez, on fait péter le like. Accélère le temps, Starvio. J'ai pas vu, mec. Mais mec, j'ai pas vu Zero. Ton commentaire, il est passé tellement vite. Bah écoutez, let's non, go, mais alors. Eux ils seront mûrs parce que c'est un champion qui est dans la tête. Ouais. Alors oui, comment on fait pour avoir tes mods? Sur mon site, stardew.fr, je vous balance le lien si vous voulez. D'ailleurs, je vous ai mis pas mal de mods d'ailleurs. Mélangeuse plaçable, comment ça? Ah ouais, c'est vrai que ça serait une bonne idée, mais sur cette map, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Par contre, faut qu'on aille vendre l'ancienne, parce que je sais pas si vous voyez, en haut, il y a la Kinan qui est à nous, qui est vraiment... Non, pas la Kinan, la Picon qu'on s'est acheté, qui est trop bien, franchement, elle est trop bien. Accélère le temps, car je dois tourner après avec ALSC. Bah, j'ai déjà accéléré le temps, hein. Mes champs sont mûrs, donc j'avancerai pas plus le temps. Merci Laurent d'avoir rejoint la Star Family, bienvenue à toi. Qu'est-ce que qu'il y a un champ de mur, au pire tu vas voir, je vais venir avec mes deux moissonneuses, au moins ton champ va être torché. Ouais, c'est bon, t'inquiète, on a deux moissonneuses. T'inquiète, il y a la mienne qui fait 12m5 et t'inquiète pas. Ça y est, ça y est. À la mienne, on fait le travail que vous faites à deux donc. Non, j'ai... Ah, mais nous on prend 18m à deux. Bah, nous on prend combien au final? Bah, attends, nous on fait 12,5, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle fait 6m la Fiat Agri? Attends, mec, alors là tu parles, non, mais tu toujours fait autant de mètres que toi. Non. La Fiat Agri, elle fait 6m. 12m3 plus 6m1, ça fait plus de 18. Donc, bah, on fait 18m aussi. Donc, voilà. 18m1. Oui, c'est ça. Ils sont de ma Fiat. Non, 18m. 18m7, vu que ça fait 12m5. Non, 12m6 alors. On fait 18m6 alors. Mais on fait comment nous? Mais c'est bon, le temps est avancé, mec. Tout est mûr. Hein. Tout est mûr sur la partie. Donc, on va juste se mettre en route. Toi, c'est juste un champ que t'as acheté qui était déjà au mur. Non, il était pas mûr. Hein. Il était pas mûr. Hein. Et avec mon écran se coupe, les gars, mon écran se coupe. Ouais, mais quand tu l'as acheté, toi, il était déjà en train de pousser. Ah ouais, c'est ça, oui, il était en train de pousser. Regarde, LSC, c'est pas mal le chariot là. On va juste se mettre en route, les gars. Yo les gars, salut à tous, coucou Océane. Est-ce qu'il brillait Océane? J'ai pas vu s'il était là. Bah, du coup, salut à toi, Océane. Ouais, comment mais moi j'ai un truc sur mes boss bats que vous avez pas, vous. Bah, des chenilles. Oh, Zero! Qu'est-ce que vous avez sur vos boss bats? Tu as l'heure, bah, comme d'habitude, les gars. T'as quoi? Des nombres. Des nombres, bah. Ah moi aussi, je peux écrire 12 au sein de moissonneuse, ou 4 ou 12 ou 24. Non, ou 25. Non, ah si. Oh, mais vous, c'est une vieille. Mais nous, les non, c'est pas une vieille. Mais non, mais non. Ah mince, vous aussi, c'est ta barre de coupe a pas besoin de plateau. Ah si, 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 elle a besoin de plateau, celle-là, oui. Si, si, celle-là, elle a besoin. Il y a des roues, mais c'est juste pour la soutenir. Ouais. En fait, elle a rien à faire dans ma ferme. Attends, je vais venir dans votre ferme. Qu'est-ce que Nico? Bah, regarde derrière ta batteuse. Attends, on drive. Attends, je vais l'ouvrir. T'es où? Oh, regardez la petite fête à grille, elle moissonne. Et le petit Nico qui arrive avec sa petite batteuse. En vrai, franchement, on a bien fait de l'acheter. En vrai, moi je l'aime bien. Franchement, les gars,
Elle est propre en vrai, elle est vachement propre. Faudrait les mettre passenger, ça serait stylé par contre. Ah ouais, mec, c'est propre. Allez, je vais prendre un coup de rétro. Bon, nickel, let's go. Moi, ce que j'ai à faire, les gars, j'ai du travail. Il faut qu'on aille nourrir nos animaux. Non, faire du foin. Ça a fini ou ça? Non. Mec, attends, il y a du colza à faire après? Attends, mais il y a quoi à faire? On a du colza. Donc, qu'est-ce qui est mûr? On a donc. Bah oui, on a ce champ-là qui est du colza. On a deux champs de colza à récolter. Mais sinon, au pire, on met. Bah, trop tard maintenant, on a commencé. Je vais t'amener une benne, comme ça on aura la benne. Ouais, prête, une petite benne, ouais. Une pite, mais une grosse, je pense. Hein. on va récupérer le petit Nioland, les gars. Le petit Nioland, ça bug beaucoup. Non, il n'y a pas de bug, les gars, tout va bien. Enfin, alors, s'il y a des bugs, c'est YouTube, encore une fois. Je vous le dis, hein, c'est YouTube parce que malheureusement. Bastien. Ouais. Et si on maçonne tous tes champs, après on peut accélérer le temps, sinon nous on n'a rien à faire. Bah non, mais semez. Bah allez faire roche pas, vous faites faucher. Bah, non, on a rien à faire. Bah non, mais là. Bah au pire, attends, mais non, oui, on peut avancer le temps parce que j'ai. Mais tous mes champs sont mûrs en fait, donc oui, avancer le temps. Vas-y, non, j'ai 69 qui a poussé. Attends, deux secondes. Je vérifie juste un champ. J'ai 69 qui pousse, mais du coup, est-ce. Mauvaise herbe. Ok. Bon, attends, deux secondes alors, parce que je peux raiser des mauvaises herbes alors, 30 secondes. Je fais juste mauvaise herbe et après on peut avancer le temps. Je prends mon petit classe. Pourquoi il y a la sous-soleuse devant? C'est toi Nico qui a mis la sous-soleuse devant? Non. Il y a la sous-soleuse. Par contre, je t'entends vachement bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon micro est loin. Si je suis en train de manger en même temps. Attends, non, mais c'est moi en fait, de mon côté, j'ai baissé le son. Voilà. Ah, allez, une masse. On va prendre celle-là parce que le porc il risque de faire la gueule, les gars. Dans 10 minutes, tu peux accélérer. Mais là, j'avance. Je juste pulvérise mes mauvaises herbes pour le tournesol. Comme ça, on aura du tournesol. Mec, on aura. Nico, on va faire du tournesol. Ouais. Trop bien. Ah oui. D'ailleurs faut qu'on revende la coupe à maïs de la Nioland qui est encore dans la ferme. Bah non, tu peux mettre sur la fête. Bah non, la met sur la fête agré au pire. Ça sera la fête agré qui fera ça. Bizarre, la coupe sera Nioland. Mais non, on peut la mettre couleur classe. On peut la mettre couleur case, tu sais. Tu peux la mettre en rouge au pire. Et bah je vais l'amener à la concession pour la modifier, je ferai ça. Vas-y nice, on fait comme ça. On fait comme ça les gars. Bon, du coup on fait comme ça. Bienvenue aux 4100 personnes les gars. Bienvenue à toute cette démolade. Bienvenue, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu les gars. 4000 pouces bleus, allez dans 5 minutes. Change de pulvée. Ça peut se faire. Manque de batteuse, elle a essayé. En vrai, ouais, hein, on pourrait changer de pulvée, mais maintenant, je sais pas. Il y a Océane, ouais, j'ai vu Océane. Bah, salut Océane. Comment ça va? Bah, en vrai, est-ce qu'on change de batteuse? Batteuse, non, pas de batteuse, de pulvée. De pulvée. Bah, en vrai, c'est vrai qu'il est petit quand même. Hein. Il est petit, traîné. Ouais, mais genre. Je crois qu'il y avait un Blanchard qui était sorti, je crois qu'il était stylé. Ouais, il est propre. Attendez, c'est où ça? Ouais. Ronnie, ouais, oh, bonjour d'ailleurs. Mais ça a pas poussé si. Bonjour. Ouais, pas totalement, mais t'inquiète, on va avancer le temps. Ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien. Jérémy, c'est moi. Ça va super bien. Tournage 2. Attends, oui, Valentin, change de benne. Move, please. Bon, en vrai, non. La benne, elle nous va, non? La benne, non, Nico? Bah, il y a eu le don, j'ai pas vu. Oh non, c'était quoi le don? Les gars, c'était quoi le don, s'il vous plaît? Attends, non. Ben. Attends, non. Victor, comment on fait pour jouer avec toi? Pêche, t'adore. Merci beaucoup, mec. Et bah, du coup, pour l'instant, je joue pas avec vous. Désolé, les gars. Mec, mon écran se coupe. Mon écran, il s'éteint. Et c'est bon, il s'éteint, il se rallume. Oh, mais dommage, les gars. Oh, la parcelle, elle va pas mettre longtemps à la couper. Non, mec, en vrai, avec deux bâtaises. Par contre, il y aura de la paille. Hein. On va avoir masse de paille et masse de foin à faire, les gars. Là, ouais. Donc, ça va être nickel. Attends, prochain défi, c'est quoi actuellement? Bah, il n'y en a pas. Oh, tu vas me rattraper, LSI. Mais LSI, il est avec nous? Il est en train de moissonner avec la classe. Ah, mais avec ma classe? Enfin, ma classe. Ouais. Bon, okay, bah, dans un sens, on paye pas l'ouvrier. Non, mais t'as mieux. Bah, je te paierai pas, Olivier. Ah bon, attends, j'aimerais que tu gueules. Je paierai pas. Si tu veux, au pire, je vendrai. Bon, on verra. Un euro. Quoi, un euro? Comment ça, un euro? Alors, fais du coton. Alors, prochain défi. Vraiment, il y en a beaucoup qui veulent qu'on fasse des pelés. Mais je pense que ça va être impossible. Non, les pelés, ça coûte beaucoup trop cher. Faut que t'achètes cuisine et tout ça. Ouais, mais c'est ça le pire. Les gars, les pelés, ça pourrait être stylé. Mais déjà, de base, j'aime pas le DLC. Pour commencer. Mais je sais pas. Change ta benne. 4200, on bat le record. Bah, on bat le record, les amis, c'est parti. Allez, on monte aux 5000. Hey, j'ai gagné le pari. J'avais dit. Ah non, j'ai dit 5000. Pardon. Non, j'avais dit 5000 personnes. Bon, en vrai, il y a moyen qu'on y arrive, on a déjà 4300 en passant un coup de pulvée quoi. Donc, alors, merci ça, Dylan, fou. Bienvenue à toi. Et change le semoir. Par contre, Nico, dis pas ma technique pour le pulvée. Alors, Nico, pour le semoir, par contre, on pourra en parler. Moi, je comptais prendre le semoir qu'on a en gros, c'est le proto là. Je crois qu'il est mis sur le serveur en plus. En gros, quand je t'ai expliqué, t'as pas compris. Non, tu l'as pas mis. C'est, je crois qu'il n'en est pas mis. Mais en gros, c'est un semoir qui. Ah, mais mon écran s'éteint. Tu peux changer les rangs. Et tu peux changer, ouais, justement, soit tu mets en mode maïs, soit en mode pas maïs, du coup. Bah, du coup, on va le prendre, je pense, on peut le faire, parce qu'on aura deux semoirs pour le prix d'un au final. On sera nickel. On a de l'argent. Merci pour ce live, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous de liker, de faire tout, les gars.
Je t'ai fait un don. Bah, du coup, bah, merci à toi. Voilà, j'espère que j'ai vu ton don. T'as pas amené la benne. Hein? La benne au champ. La benne, ah oui, faut, je peux passer un coup de pulvée. Faut. Attends, bah, j'arrive. J'arrive. Un coup de benne, coup de benne. De toute façon, ouais. Oh, tu vois, il y a le Ford, t'inquiète. Le Ford, il va faire l'affaire. Mon écran s'est éteint. Il y a eu un don, il y a un don. C'est bon. $50 canadiens. Oh mec, merci à toi. Pourquoi il y a des trous dans ton champ? Parce que ouais, c'est la partie qui bug, mais en fait les cultures ils ont vraiment. Non. Par contre, il y a eu un don là, je viens de capter, non? Mais mec, mon écran, mais mec, pourquoi mon écran s'éteint? Pendant les gars, mais il y a eu un don, je crois. Mais ça s'est pas affiché. Il y a un faux contact quelque part. Bon, attends, et moi je finis de manger, je reviens dans 5 minutes. T'inquiète, mec, nos soucis. Attendez les gars, il y a eu un don. Attends, mais j'ai pas rêvé. Oui, il y a un don de $50. Merci Antoine, mec. Joyeux pack. Merci beaucoup pour ton don, mec. Tu gères $50 canadiens. Et merci beaucoup. Bon, je pense que l'alerte va arriver. Hein. Faut juste un peu le temps. Mais l'alerte va arriver. Mais en tout cas, mais GG à toi, mec. Tu gères vraiment. Merci à toi. Du coup, pour les cultures qui sont parties, elles y sont. T'inquiète pas. Pour la benne, on va laisser la benne là. Nico, tu veux que je vienne. Bon, et Nico est parti. Ah, faut qu'il mette la vis. Nico, mets la vis. Nico est mort. Attendez les gars. Regardez-moi ça, comment ça travaille dur. Ah, il est là, il écoute. Merci Nico. Hop là. Voilà. Bah, je viens de vider au pire LSC. Ouais. C'est nickel. Don de 2000 euros. Non. Salut Starvol, je suis trop content. Je peux enfin envoyer des messages dans le chat. Et liker tes vidéos, sinon. Merci beaucoup, mec Arthur. Et ben, bon, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça ne coûte rien. Ouais. C'est 350 chevaux le tracteur hein, pour le défi du million. Oui. Ah, t'as le million? Bah oui, ça fait vidéo, depuis l'épisode qu'il demande million. Ah ok. Ah ouais, t'as un million. Mais ouais, mais mec, 1 300 000 euros. Oh mec, c'est ouf. Ouais, mais on s'est déjà donné l'argent là. Ah pour le tracteur, ok. Ouais. Ok. Du coup, on va du coup, oui. C'était 350 chevaux elle, pour le défi, ouais. Et nous, c'était quoi? Nous, c'était 50 000 euros, mais bon. Tu es super gentil. Merci beaucoup à Al Kirix. Ron, je suis désolé, ton don de 50 $ canadiens n'est pas passé. Enfin, il s'affiche pas, mais du coup, gros merci à toi. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut le refaire. Non, j'ai pas pourquoi. Okay. Bienvenue à tous, vous êtes 4500. Oula. Vous êtes 4500, bienvenue à tous. Petite buse, hein. Petite buse. Mec, non, mais regarde le tracteur que j'ai, mec. C'est déjà. C'est tellement pas réel le truc. Allez, vide-moi ça. Regardez-moi. Bon, si, hein. Ça a combien de chevaux? Mec, il fait 90 chevaux, je pense. Même pas. C'est rien, ça, pour tirer une benne. Bah, pour tirer une benne, au plat, ça va, quoi. Au plat, tout le monde peut tirer une benne, quoi. Attends, arrête-toi. Regardez-moi ça, c'est ensemble. Magnifique, les gars. Tu peux te dire, c'est quoi la map, s'il te plaît? C'est Ellerbach, les gars. Coupe l'arbre de la parcelle qui te gêne. Ah ouais, vas-y. Cet arbre-là, là, qui me fait chier depuis des épisodes et des épisodes. Ah bah, on va le dégager. Pourtant, ta musique est un peu basse. C'est quoi la map? Bon, allez, ça coupe. Wow, t'as foutu un coup de buse dans l'arbre, je crois, mec. Non. Un million d'euros pour le prochain don. Sinon, t'as la facture. Je laisse l'arbre par terre, on ira le vendre dès qu'on pourra, les gars. Je le mets sur le côté. Comme ça, on pourra bien le shooter 12 fois avant d'aller le vendre. Nico, c'est pas le malin. Mec, on a déjà récolté 16 000. Ah, par terre celui-là. Ah ouais. Ouais, mec, en vrai, ouais. Mais ça fait plaisir. Voilà, moi, je laisse tracteur ici. Pour nous, t'auras un panneau solaire alors. Comment c'est un panneau solaire? Mais non, c'est parce qu'il me dit, fais gaffe à la bus, sinon je l'ai fait facturer, je lui dis fais gaffe, comme toi t'auras un panneau solaire à la place alors. Bienvenue à tous les gars, vous êtes 4500. Est-ce qu'on va battre le record ce soir? Je ne sais pas les gars, en vrai c'est possible, hein, mais merci à vous de être là. Je kiffe tes vidéos. Du coup, comment ça se passe notre confinement? Les gars, demain, mon stream deck, je vous le dis quelque chose, mon stream deck va être replein parce qu'il y a monsieur. Mes chers compatriotes. Il y a Macron qui parle, du coup en vrai. On sait pas ce qu'il va dire, hein, mais à mon avis, désolé de dire que ça va pas être fou. Mais, enfin, je pense, hein, pour moi, ça va être pas. Ils vont pas dire, hey, tous dehors, tous à poil, on fait la fête. Non, je pense qu'il y a. Ah, mais non, on pas après le confinement, tout le monde va sortir dehors, ça sera encore toujours. Ouais, mais le confinement n'est pas terminé déjà. Donc, du coup, bah, c'est parti, hein, go faire des vidéos, les gars. Du coup, bah, demain, dès qu'il parlera. Range-toi. Au pire, je sais, je vais faire en live. Range-toi. Je ferai en live sur ma chaîne secondaire, comme ça, je verrai ce qu'il fait. Ce qu'il dit, comme ça, je pourrais mettre les bruitages directement dessus. Non, je sais pas, on verra ça. Tu veux 1 000 $? Écoute, pourquoi pas. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait une vidéo placement de produit qui va pas tarder à arriver pour un jeu mobile Ring, je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh. Du coup, bah, je vais en faire un parce que bah, je veux vous préparer des choses bien sympas. Du coup, monnaie, les gars. Non, en vrai, clairement, parce qu'en vrai, je dois acheter des objectifs qui vaut 900 balles et c'est cher. Quoi? Est-ce que tu veux 1000 pesos? Le truc a l'air sympa, donc voilà. Ouais. Attends, Océane a parlé, qu'est-ce qu'elle a dit Océane? Bonne soirée à toutes. Ouais, salut Océane, je vais finir mes devoirs, amuse-toi bien Bastien. Bah t'inquiète. Mais quel enfoiré, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Oh mec, vous êtes tapé dedans. Je l'ai doublé.
Ah, tu l'as doublé, mais mec, c'est. Ok. Bon, contre, alors. C'est pas tout, mais il nous faut. Bah, attends, mais du coup, on peut avancer le temps quand vous voulez, du coup. Vu que pour l'instant, oh, c'est bon. Hein. Bah, attends, je vais arranger mon pulvé. Ouais, mais on peut avancer le temps pour qu'ils puissent commencer à motionner déjà de leur côté. J'ai envie de passer à mes belles mosbottes, moi. Vas-y, apparemment, le problème c'est qu'il faut que j'aille vider ça. Attendez, deux secondes. Fais le plein. Oui, mais le problème. Non, c'est pas Red Legend, les gars. C'est un autre jeu, Red Legend, j'ai déjà fait. C'est NordVPN. Non, c'est pas NordVPN. Avec NordVPN. Non, c'est pas ça. Mais voilà. Alors, déjà, ça, on va le ranger ici, ça sert à rien. Bah, go avancer le temps, du coup, les gars. Comme ça, on finit la moisson de nuit, à part si c'est fini. Oui. Oui. Croissance rapide. Oui. Alors, je pourrais récupérer ma batteuse, merci à tous. Voilà. Hop. Bah, de toute façon, Miko, tu pars dans le champ de colza. Elle est où la parcelle de colza? Bah, il y a une parcelle de colza qui est derrière les vaches, le 58, et moi je vais aller faire la 33. Oh, bah, je vais y aller comme ça. Hein. Donc, vas-y, let's go. Moi j'y vais comme ça aussi. En avant, les amis. Bah, du coup, l'avoine, ce qu'on en fait. Ouais, ça va vite. Ça va tellement vite. Pour moi, je ferai mon écran fait que se couper, les gars. Je vous jure que je sais pas pourquoi. Hein. J'espère que mon écran est pas mort parce que ça va quoi. Oh, ça va être bien ça. Allez, on met ici à colza. Nice. Attends, levez ces rabatteurs, je vais pas avoir des rabatteurs sous là. Oh non, il y avait des mauvaises herbes dans ce champ là. Oh, j'ai le seum. Oh non. Oh, les éparpilleurs. Ça, c'est fou. Oh ouais, mec. Stylé. Bon, bah, du coup, le colza va rapporter, mais clairement de la merde. Bon, du coup, le champ, on va le faire en entier. Hein. On va essayer de faire le champ en entier, les amis. Comme ça, ça sera fait. Bon, le champ, on fait deux allers-retours et c'est terminé. J'ai loupé quoi, les gens? Ça commence bien. T'as loupé quoi? T'as loupé le début. Hein. Bah, 20 minutes de live tranquillement, voilà. Merci pour vos 4700. Vous êtes 4700, c'est énorme. Voilà, merci à vous. Oh, moisson de nuit, les amis. Oh, ça va être propre. Oh, ça va être propre. En vue intérieure, les amis, moisson de nuit. J'espère que ça pixelise pas trop le live, les gars. Hop. En vrai, au volant, non, c'est tellement bien en volant, les gars, je vous jure. Oh, au volant. Oh, j'adore avec le volant. Hop, t'as poussé la palette. Hop, ça baisse. Magnifique. Bon, c'est pas très fluide par contre. Par contre, y a une fauche d'herbe là dans les champs, dans le fond. Si t'accélères. Ouais, ça va repousser. Ah ouais. Bon, au pire, on fait deux coupes de fauche. Hein. C'est pas gênant, au pire. Non. Enfin, ça sert à rien. Non, mais au pire, c'est pas grave, on aura du foin. Hein. C'est pas gênant. Hein. On aura du foin à avoir. Pour rien. Les gens disent bug. Moi, j'ai zéro image perdue, donc pour l'instant, il y a pas de bug en vrai. Ça agrandit le champ. Ah oui. C'est pas bête ça, d'agrandir le champ. Ah. Discord est mort. Ah. Non. Ouais, il s'est passé un truc. Si, j'ai changé de channel et ça va mieux. Mais ça a coupé, je vous entendais plus du tout. Ah ouais. Moi aussi. Ouais. Ah d'accord. D'accord, si vous voulez. Merci aux 4500 personnes. Mec, ça va être de nuit, mec. Attends, j'arrive dans la fenêtre de nuit. Oh, ça va être grand. Mais attends, il y a le tapis qui est allumé. Oh, mec, il y a le tapis de barre de coupe qui est allumé. Attends, je vais le lever. Merci. Oh, mais c'est tellement stylé. Oh la vache, ah bah oui. Ah, je savais pas du tout. Eh, t'as pas ça sur la fête à gris, moi je te le dis. Hein. Ah, c'est propre. Alors, oui, c'est moi qui ai fait. La fête à gris, on va sur la lune. Moi je sais, moi j'ai ça sur ce moins de 15 mètres, moi les lumières. Ah, c'est propre. Oh, regardez-moi ça, cette moisson de nuit. Magnifique. Bug, arrêtez de dire bug quand même. Ça bug de ouf, vraiment ça bug de ouf. Nico, coupe au bol. Non, mais moi j'ai pas arrêté avec ça, mais c'est pas possible. Alors lui, pourquoi coupe au bol? Lui, il a carrément un nid de poule sur la tête. C'est pas une poule là, c'est un nid de cigogne qui est sur la tête. Ouais, carrément. Un nid de cigogne. Par contre, on pourrait dormir effectivement. Attends, je vais juste voir la fête à gris. Comment ça donne de nuit? Attends, c'est pas où, on est où là? Alors là, c'est la ferme, là, c'est les serres. On est derrière le bâtiment des serres. Donc Nico devrait être là. Ah ouais. Ouais, enfin, ça moissonne quoi. Hello, on y voit comme un poule. Mouais. 6 km/h, bon, de la montée. Ok, il est trop beau notre classe. Attends, du coup, accepter, je dodo. Oh non, palette de laine. Oh non. Faut enlever la laine. Attendez, je vais enlever la laine et après on dodo. Tu sais, Nico, je gagne combien par heure? Moi-même. De quoi? Tu sais que je gagne combien par heure? Ah, on y va mieux. Je sais plus. Mais tu gagnes 10 000. Combien tu gagnes par heure? 3 000. Ah, ah ouais? 3 000, 3 002, ouais. Très bien, d'accord. Dans les gars, on fait dodo. Même dans 40... la ferme de Stervio, tu gagnerais 3 000 par heure, tu finirais l'épisode avec 0. Mais mec, arrête, je dépense pas en ce moment. Bon, un peu quand même, on s'est acheté deux moissonneuses, mais. Gros bug. Bah ouais, bah faites avec. Vas-y, monnaie. Alors, enfin, la mélangeuse, ouais. Voilà. Monnaie, vous avez fait quoi? Vous avez combien d'argent là? Mec, en une nuit, vous avez tellement. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même se placer de notre côté des panneaux solaires. Genre dans le petit carré ici là. Je me dis que ça peut le faire. Tu sais combien on a fait? Bah, la journée dimanche, 49 200 et aujourd'hui 25 200. Ah ouais. On est passé de 67 000 à 128 000. Ah ouais, c'est ouf, mec. Attendez, je vais regarder si on va pas acheter des panneaux solaires. Juste un petit panneau pour décoller. Enfin, pour décorer. Non, pas ça. Comment ça rapporte? Pour apporter de l'argent. Non, mais si, vas-y, mec. Celui-là rapporte 150 euros. Ah, mais ça va!
Il vaut 20 000. Allez, go. Vas-y, les gars, j'en place un. 1, 2, 3. Voilà. Ou un peut-être un deuxième. Non, non, ouais, un seul, pour commencer. Ouais, ouais, après, c'est trop cheaté. Bah, on va en parler de. Ah, le mec. Le mec, c'est trop cheaté. Il gagne 1 million d'euros toutes les 10 minutes. Oh. Et oh, y'a pas de way. Ça, c'est. Et on les a gagnés. Alors, chut, on les a pas achetés. D'accord. Ah ouais. Oui, oui. Tu veux louer, moi j'achète 40 éoliennes, hein, pas de problème. Oui, d'accord. Ah, ok. Ah non, c'est pas celui-là. C'était. C'est pareil. C'était celui-là. Ok. C'est pas la même ambiance quand même. Le ok et le ok. Non. Alors, c'est pas tout, mais du coup, la moissonneuse, on a pas fini. On va finir notre petit champ. Hop. Oh, bientôt les 5000 vues. C'est bientôt les 5000 vues. 5000 visios. Bienvenue à tous, les gars. Vous êtes des fous. Regardez-moi ça, cette petite moisson. Magnifique. Hop là. Et sans tout au volant. Pourquoi tu n'as pas un champ de panneaux? Parce que ça devrait être trop cheaté. Enfin, genre, le but c'est quand même pas de cheater la partie. Déjà, on a, déjà, on a les rabbits, on a les panneaux solaires. Les rabbits. les rabbits. Oui. Vend d'avoir de coupe à maïs de la New Land. Bah, du coup, non. Parce qu'on va la mettre en mode fête agri. Enfin, en mode case. En gros, tu peux la modifier en mode case. Et bah, ça fera l'affaire au final. Donc, on va faire comme ça. Les chevaux. Bah, les chevaux, on les fera courir à la fin du live. Comme d'habitude avec Borum s'il est encore vivant. Enfin, s'il est pas parti, c'est encore vivant. Je suis encore vivant. Non, je vais mourir d'ici là. Non, on va éviter. C'est prévu. Bon, du coup, est-ce que je vais t'aider pour finir le champ, Nico ou pas? Parce que j'ai bientôt fini moi. Bah, non, j'ai bientôt fini aussi. Enfin, je suis à la moitié, mais ça va. Ouais, par contre, il y a une botte là. Il y a une botte qui a pas été ramassée dans le champ. Bon, c'est peut-être moi qui l'ai oublié, comme d'habitude. Ouais, t'es vrai, il est caché derrière un buisson. Ah, d'accord. Merci pour vos 4000 likes les gars, n'hésitez pas à aller, vos 3000 likes, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et d'aller checker ma photo Insta. Vous en avez mis une sur voilà, sur un petit truc d'enrubané, pas si vous voyez. Non, vous voyez pas parce que c'est vert, mais voilà, c'est de l'enrubané. 4000, combien de likes? 4700. Allez, est-ce qu'on fait les 5000 likes ce soir les gars? En vrai, si y a jamais 400 personnes qui veulent se décider à aller sur Insta. Oh la vache. Quoi? Moi je commenterais ça qu'elle BG. Bah, il y a GFED qui a dit c'est triste parce que je sais pas si. C'est triste. Pas qu'est-ce que tu m'as jeté dessus. Enfin bon. Par contre, il faut une benne. Ah! Il va falloir aller. En vrai, t'aurais dû mettre comme phrase quand t'attends que les prix remontent avant de revendre l'enrubané. Ah oui, t'es assez sur la botte. Ah, j'avoue. J'avoue, les gars, ça pourrait être 5000 vues. Non, on est à 4850. En fait, il y a le compteur de visio là-haut qui d'ailleurs n'est pas à jour. Mais mec, mon écran fait que friser et s'éteindre, se rallumer. Je ne comprends pas. Oh non. Ah, son câble. J'espère que c'est que le câble. Hein. Bah, j'espère. Parce que sinon on est un peu dans la chiasse molle. Hop, on va s'arrêter là. T'as le pognon quoi, ah ouais mec, avec tout le soja qui est prêt. Ah, vous avez fait que du soja, mais mec vous êtes plus. Et en fait vous devez des tout prendre deux voleurs là, les deux mecs que je loue. Par contre j'appelle pas les vendre avec le Fiat. Ah t'as retrouvé le Ford? Le Fiat? Non. Ouais. Je vais aller vendre avec le classe dans lequel on prend. Le classe ou pas? Non, le classe ou le New Land. Dites-moi dans le chat vite avant que je change. Classe ou New Land? Allez, 19. Mince, je l'avais caché, mais j'ai pas dû. J'ai pas bah, dû il était vachement caché, j'ai switch, je l'ai vu en face, je fais oh, il est là. Ah, moi j'avais dit caché chez moi alors. J'ai juste baissé un peu la musique. J'ai dit baisser la musique. Ah. New Land, très bien. Non, il y a du classe. Ok, ça part sur du classe. Limite, donne la presse et prends les. Bah, du coup, je vais. Ah, si, classe. Bah, pendant quelques secondes, je voyais plus votre commentaire. Vu que forcément, l'écran il pète. Et je vais presser et toi, va moissonner au pire. Bah, du coup, là c'est full moisson pour tout le monde, c'est ça? Tout le monde moissonne en fait. Ouais. Yes. Ouais, je peux. Mais nous, on a bientôt fini, non? Bah, en vrai, mec, en vendant tout ce qu'on peut vendre, je pense qu'on peut monter à 400 000 euros ce soir. Il y a moyen, vraiment, il y a moyen. Oui. Avec 18 000 d'avoine, un peu de colza, il y a des transferts à récolter derrière. Donc ça devrait le faire. Nico et enfin Borum, vous restez en channel ou vous allez dans votre channel? Bah moi je reste hush avec toi. Non, non Nico oui, non, mais Nico tu restes, ouais, mais Borum, enfin votre équipe quoi. Ça dépend, si on doit parler on ira dans notre channel si tu veux. D'accord. Nico, bah trop tard du coup j'ai pris le classe. Bon je vais aller vendre ça, vous savez qu'on vend le plus cher parce que les gars la thune va tomber. Comme ce que je dis à chaque fois, il peut y en être fauché. 700 euros. Bon bah les gars let's go, c'est où? C'est à Bewa, donc c'est bien là-bas. Allez let's go, avoine. Quoi avoine? Bah oui, c'est de l'avoine, oui je sais. J'ai dit que c'était du soja, c'est de l'avoine. Oui c'est de l'avoine les gars, c'est bien de l'avoine. Cheveux. Tu regardes pas pour tes cheveux? Ah. Bah mec, ah. Bon au pire je vends tout et je vais en laisser genre 300 ou 500 dans la benne comme ça sera bon. Ouais c'est bon du coup c'est bon. Je vais aller vendre ma Kidan. Et au pire on va refaire une coupe de foche. Comme ça sera bon. Merci Clément, garde l'avoine pour les chevaux. Ah bah du coup je vais en garder, ouais. Je vais en garder un petit peu. J'ai pas tout vidé.
Je vais essayer d'en garder un. Tu vois, au pire, j'envoie en mode l'avoine, si tu veux. Bah, d'accord, mais non. Pas demander 1100 euros la tonne, moi. Alors, par contre, comment on passe là? Ah! Bon, on va passer par là. Pas grave, j'écrase quelques trucs, mais je change à personne. Donc, ce n'est pas gênant. Allez! Ça sort de nulle part. Ça, c'était notre champ qui était à nous avant, les gars. Il est plus à nous, celui-là. Oh. Je me rappelle quand on était avec l'agneau. Oh, ok, qu'est-ce que tu fais chez moi, toi, voleur là? Oh, c'est toi. Allez, tout le monde se voit les trucs, magnifique, les gars. Allez, la thune qui tombe, regarde sur Insta. Bah, j'irai voir après, les gars, après le live. De là. Bug. Non, tape, bug. Tu es d'accord pour un don de 100. Je vais pas dire non, c'est logique. Non, gardez un travail, non, vraiment. 13 000 euros de plus. Bon, bah, c'est pas fou, hein. 13 000 euros pour tout le champ. Mais mec, c'est à chier. 13 000 euros pour tout le champ. Non, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas ouf, hein. Bah, c'est normal, je trouve qu'il y a mieux quand même. Toi, tu vends toujours. J'ai pas gradé d'avoine. Ah, si tu veux, je t'en vends. Oh non, j'ai pas gardé d'avoine. Oh non, j'ai le seum. T'es sûr qu'il en reste pas dans les silos, il me semblait, pourtant. Pour moi, il y en a non, mais peut-être. Je sais pas, on va t'écouter. Non, je crois pas qu'il y en ait des silos. Regarde si jamais. Peut-être qu'il y a 10 kilos qui restent. Non, mais je crois que j'avais laissé un tas par terre. Non, en vrai, j'avais laissé un tas par terre, donc il devrait. Wow. Il devrait. Ah, c'est à vous le tas. Désolé, je vais ramasser. Hein? Mais non, c'est devant les chevaux, hein, donc c'est possible que tu ramasses. Enfin, peut-être. Tu les as vraiment ramassés? Bah ouais, il me fallait le million. J'ai ramassé le mec, il y avait 10 kilos de. Il y avait 10 kilos. Non, bah, du coup, le cheval, il a pas de cheval, hein. Enfin, le cheval, du coup, il va manger de la terre, c'est pas grave. Il y aura que ça. Je peux pas leur donner de l'herbe, c'est nul quand même. Bah, du foin, si, on peut donner du foin aux chevaux. Mais en botte. Ouais, du foin. Ouais. Ton écran est garanti par le fabricant. Bah, le problème, c'est que j'en ai acheté les trois même, donc s'il y en a qui crame, en général, ça. Non, mais c'est le câble, hein, à mon avis, c'est le câble. Comparé à ça, cet après-midi, j'ai touché. Ça déconne. Filature. Oh go. Attends, j'arrête le temps. Go à les ventes de la laine. 4200, c'est tout. Ouais, enfin, la laine, on doit en avoir deux. Avec ça. Bon, voilà, coûte combien? Je l'ai acheté 160. Il est en réduction sur Amazon. Mais du coup, je l'ai pris sans le vide vitesse. Ça sert complètement rien. Enfin, ça sert rien, quoi. En vrai, ouais, regrouper les champs, ça peut se faire. Hein. Franchement, on pourra. Ouais, bah, tu sais quoi, on va peut-être même le faire maintenant. Ah, j'arrive pile quand Nico a fini. C'est magnifique. Alors, elle est bien ou pas, du coup, la moissonneuse? Moi je l'aime, hein. Moi je vis dedans, hein, d'ailleurs, il y a tout. Très bien, bah du coup, à partir de maintenant, tu travailleras dedans tout le temps. tu sèmeras. Je vais déchaumer avec. T'as une accroche par derrière, tu vas même accrocher la benne si tu veux. Oui, au moins. Attends, je termine quand même parce que. Vas-y, je te laisse terminer ton petit champ. Bon, volant, c'est, du coup, c'est le G900 en volant. Ça bug, c'est un review. Bah, attends, je vais couper mon retour, mais normalement, ça bug, hein. c'est YouTube. Hein. Je ne peux pas y faire autrement, les gars. Je suis désolé, vraiment. Vas-y, récupère le petit bout qui reste. Je vais m'approcher. Ah, pas de bug. Il y en a qui dit qu'il y a des bugs. Moi j'ai mon retour, il y a pas de bug. Merci Thomas, mec, merci beaucoup pour ton don. Oh, tu gères. Merci pour tes 10 balles. Salut, ça va? Bah écoute, oui, ça va très bien. Fiat agri. Oh, lève le rabatteur. Mais ils sont à fond là. Bah baisse. Ah ouais. Voilà, merci. Tu mets la caméra dedans. Du coup, Nico, est-ce que ça te dit qu'on agrandisse du coup le champ 33? Le 33 vers le 56. Après, on pourra acheter le 32, mais ça fait vraiment une grosse zone après. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait. Oh, si, il faut le 32, le 33 et le 56 qu'on fasse une énorme parcelle là, parce que. Ah ouais, t'es sûr? On joue plein après pour ça. Ouais, mais ça. Non, en vrai, mais ça va devrait être gros, hein. Enfin, je sais pas. Attends, t'as vu la batteuse qu'on a? Franchement. C'est vrai. Vous avez vu le semoir que vous avez? Non, mais ça veut dire qu'il faut couper tous les autres qui sont ici, hein. Mais ça va en vrai, hein. Le semoir, on se relaie, c'est pas grave. D'accord. Bah, dites-le dans le chat, qu'est-ce que vous voulez? On a grandi ou pas là? On va faire des tours d'alternance pour le soir. Pourquoi j'ai pas levé ma barre de coupe? Bon, on va essayer du DLC, le mode il fonctionne pas du coup, yes. C'est lui qui moissonne à côté là. Ah, Jérémy qui passe comme une balle. Il va où comme ça? Il va commencer en bas. Allez, on range tout ça. Tu vois, ils disent tous d'agrandir dans le chat. Ok, mais du coup on agrandit que ce champ là. Attends, du coup, est-ce qu'on achète le champ d'herbe là? Dites-moi dans le chat. Ouais. Oui. Du coup, on le prend ou pas le champ d'herbe? Bah, si vous voulez, on le prendra. Enfin, on le prend, mais après, ça fait. Alors, on laisse des bandes herbées. Mais non. Mais mec, ça va par trop. Enfin, je sais pas, non, j'en sais rien. Mais non, sinon, non, ce qu'on fait. Non, en vrai, par contre, ce qu'on peut faire, les gars, c'est que par contre, on peut agrandir le champ, mais en laissant les arbres. Comme ça, ça laisse la faune et la flore. Les Américains qui ça, oui, voilà. Comme ça, on est des gens bien. On est des gens. La faune et la flore. Mais mec. Mais on tourne autour, c'est carrément stylé. Ça fait stylé. Comme ça, on se bouffe, l'arbre, on pète la barre de coupe. Comme ça va être nickel. Bien sûr. Interview. Est-ce que tu veux la paille? Non. Est-ce que tu peux mettre mon cliché, s'il te plaît?
Ton cliché. Ça commence par un... Ouais, ça commence par un N. I. Ah tu parles de... Voilà. Je voilà. Pas plus. Oh, voilà. D'ailleurs, du coup, normalement, il n'y a plus d'écho. J'ai résolu le problème, il n'y a plus d'écho, logiquement. Donc voilà, c'est cool. Yes. Enfin, le bois. Non, non, les... bah non. Le petit bois, oui. Le petit bois, on va aller le vendre. Par contre, là, on va attaquer la presse, je pense, les gars. On va partir presser. Et après, on va faire le foin. Faut presser, le foin, etc. Donc, il y a du taf. Et je vais peut-être aller vendre de la laine, vu qu'on est en forte demande. Le problème, c'est que comment on range nos batteuses dans les bâtiments, vu que nos bâtiments ne sont pas trop adaptés. Ah ouais, mais moi, je sais où ranger la mienne. Bah, si, la batteuse, tu la prends là où elle était. Tu la ranges là où elle était. Elle était où? What? Je vais la ranger sinon, laisse tomber. Bon, je mets jamais là sur le côté, devant la porte, à côté du clébard. D'ailleurs, le clébard, faut peut-être te nourrir. Hein. Ça fait 10 jours qu'on l'a pas nourri, je pense qu'il est en train de bouffer sa galère. Ça va faire 15 épisodes qu'on l'a pas nourri. Ah non, arrêtez de suivre. Allez, suis-moi. T'as pas faim? Ouais, je vois la balle. Attends, hop. Allez, on rapide la gamelle. Et voilà. Bon, du coup, la moissonneuse, elle est rangée ici. Même pas besoin de la laver, elle est déjà propre. On va du coup. Ah, mais si, il y a le tournesol! Le tournesol! La fête à grille! Je vais aller faire ça du coup. Je vais aller faire ça. Bah, je viens de te dire, je vais aller changer la coupe. Enfin, je vais aller. Ah, je vais le faire. Que... Bon, bah d'accord. Bon, comme tu veux, vas-y. Bah, vas-y. Je te passe le New Land, comme ça tu peux commencer à aller presser avec le New Land. Attends, je t'emmène la batteuse. Vas-y. Alors, mais du coup, je te laisse le New Land à la presse. Là, tu peux commencer à. Bah, après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'avoir nos bâtiments, ça peut se faire. Non? Moi, hein? Je dis. Il nous fera un nouveau bâtiment, genre par derrière. Merde. Là. Alors, les gars, je vous demande en commentaire. Est-ce qu'on achète un nouveau bâtiment? Genre, on le met. Hein? Ouais, je sais pas, ça va faire bizarre là. Non, en fait, là, ça ferait bizarre en plein milieu ici, non? Non, bah, du coup, je pense qu'on va mettre un nouveau bâtiment, les amis. Genre, peut-être sur le côté là, non? Je sais pas comment on peut faire. Non, en vrai, non. La route ici va se continuer, je pense. Et il y aura un nouveau bâtiment sur le côté là, peut-être. Ouais, je sais pas comment on peut faire. Oui, bah oui, toi, bah, tu oui. Tu veux mettre un nouveau bâtiment. Mais mec, on a pas de place. Faut un bâtiment de stockage. Mais juste pour les batteuses, quoi, non? Enfin, je pense. Non bah, je sais pas, le gros bâtiment du fond, là, il est encore vachement vite, non? Ah ouais, mais pour les batteuses, c'est plutôt pour les stockages des bottes, non? Attends, je vais regarder qu'est-ce qu'on a de beau. Les bottes, on a l'autre bâtiment derrière, dans l'élevage. Ah, je sais pas. Dites-le dans les commentaires, au pire. Ouais, faut regarder. Mais là, je sais pas. En fait, il faudrait un bâtiment qui s'ouvre des deux côtés, genre à l'avant et à l'arrière, comme ça on traverse, on se fout l'abri et on ressort tranquille. Ah ouais, mec, ça c'est beaucoup trop gros par contre. Ouais, lui non plus. Bah, je sais pas, vous dites oui, il y a qui dit à la place des moutons. Ah oui, à la place des moutons. C'est vrai que les moutons n'ont plus rien dans les moutons. Ah ouais, c'est pas bête ça. Bon, bah écoutez, faut voir. Après. Vas-y, la batteuse, c'est bon, elle est prête. Hein. Je te la laisse là dans la ferme. Ça ressemble à quoi ça? Vas-y, nice, ouais. Sinon, on en fout. Ouais, j'avoue, les gars. Oh, mais elle passera jamais la batteuse là. Ah, mais les gars, un bâtiment ouvert. Ça c'est trop petit. Ça c'est un atelier, il est sympa, mais il est. Bah, ça c'est un bâtiment ouvert. Oh, mec. Quoi? J'ai trouvé un truc. Je sais pas si c'est. Ça va, c'est quand même gros, mec. Ah ouais, mais c'est beaucoup trop gros. Ah, mais là c'est beaucoup trop gros. Non, ça va cacher le chemin. Comment on fait? Surtout que la batteuse elle rentre jamais là-dedans. Surtout que si elle rentre. Bah, non. Allez, mec. Il est trop petit ton bâtiment. Ah, mais tu regardes pas le bon alors, c'est qu'il y a eu décalage. Ah oui, dans le grand, oui, ah oui, d'accord, oui, d'accord, oui, là je comprends. Ah bah là, après, il faut un bâtiment qui soit ouvert en fait, c'est ça le problème. Il n'y en a pas qui sont ouverts. Sinon, on peut créer le bâtiment avec nos, tu sais, les objets de décoration là, tu sais que j'avais vu. Avec juste les abris, mais je crois que ça va être trop petit pour les batteuses. Bon, au pire, on essaiera de voir ça. Pour l'instant, je vais prendre un fête à gris. Je vais aller chercher ma barre de coupe. Tu peux prendre deux balles, tu peux aller commencer à les presser. Ouais. Bah attends, mais du coup, moi je vais au concessionnaire, comme ça je vais changer la couleur. Je vais mettre en mode classe, enfin la mode case. Donc le mode est sur mon site si vous le voulez, hein. Sur la page des trois fermes, vous le trouvez plus facilement. Let's go. La verda. Elle est propre, je trouve qu'elle est propre. Par contre, pourquoi j'arrive pas à lever et baisser la barre de couple hein? Il y avait un mode, il a été enlevé ou pas le mode? Bah je sais pas si, il baisse la couple. Elle est élevée, hein, on dirait pas, mais. Oui, elle est élevée. Ah, Zero. Zero qui rejoint. Ouais, Zero. Tu as un atelier. Attends, je reviens. Ah oui, mais j'ai un atelier. Bah je vais à la ferme, je pars au concessionnaire. Ça fera un petit trajet comme ça. T'as loupé un don. Attends, mais les dons en dollars canadiens ne passent pas, les gars. Merci beaucoup, Gégaro, pour ton don. Fais une rencontre avec LFD Stervio. Bah, c'est prévu en fait, mais on l'a jamais fait. Bah, mec, merci beaucoup pour ton don. Vraiment, je suis désolé, les alertes avec les dollars canadiens ne passent pas. Je sais, comprends pas. Normalement, ça passe, mais je comprends pas. Bah, du coup, merci à toi en tout cas. Mais déçu que ça marche pas. Vends pas l'avoine. Alors, t'as du retard, je pense, parce qu'on l'a vendu déjà. Vends la mélangeuse. Ah oui. Donc, attends, je vais commencer la moisson de tournesol. Il faut lui apporter la benne. Après, on va vendre la mélangeuse. Il y a de la laine à vendre, d'autant qu'il y a la forte demande. Et après, on part sur du foin et paille. Et après, on verra ce qu'il y a à faire.
3800 pouces bleus, bientôt les gars, bientôt, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous êtes 4800, c'est énorme, merci à vous d'être là. C'est long, bah les synchros sont longs là, c'est vrai que les synchros sont hyper longs. C'est farming quoi, on peut pas y faire autrement. Ah voilà, c'est la vie. Alors qu'est-ce que ça donne du coup en vue intérieure? Ah, c'est pas la classe hein. Mec, c'est quoi ce levier là, on dirait que... T'as vu le levier, il est éclaté au sol. Ah bah mec, oui, il a été refait en carton. Donc. Bizarre. Ouais, mais... Récupère 50 000 du défi. Ah non, parce que les 50 000 du défi, on l'a quand on arrive au million. Aïe. Ah bah j'ai cassé avoir de coupe. Donc pour l'instant, non. Change de couleur. On est loin de l'avoir. Oui, t'inquiète, j'ai juste changé la couleur, ouais. Accroche la mélangeuse et la bonne sonneuse. J'aurais pu. Mais je sais pas sur cette coupe si tu peux changer la couleur. Si. Ah si, tu veux. Merde. Hop. Tu fais ça. Tu te mets là, tu fais R, tu fais configurer, et là tu peux la mettre du coup en mode. Merci beaucoup Léo, bienvenue à toi dans la Stier Family. Et là tu la mets en mode, bah y'a que case, mais du coup ça fera la couleur un peu mieux. Et en plus c'est 7000€. Mec, c'est 7000€. Bah ça m'étonne. Bah non, c'est un peu normal quoi, enfin je trouve. Bah. Mec, c'est cher. Bon, bah 7000€, de toute façon on est pété de thunes. Voilà. Bon bah du coup on est parti, let's go au travail. Mec, en vrai, elle est jolie quand même. La Fiat Agri, elle est sympa. Elle est sur avec mon la site, coupe, ça fait bien. Bien avec la coupe. Et la barre de coupe, ouais, franchement, ouais, franchement, oui, ça, le rouge passe. Il est un peu rouge, bah, rouge classe, hein, rouge case, mais en vrai, ça passe, hein, c'est pas trop gênant. Donc ça va le faire. Oui, j'ai un panneau solaire. Non, pas un gros panneau solaire non plus. Calmez-vous, un gros panneau solaire, vous êtes malade. Ah oui, ça, c'est bien. Bah mec, il vaut 200 000. En vrai, on pourrait s'en acheter un, mais le but, c'est que, ouais. De quoi? D'acheter un gros panneau solaire. Bah pourquoi pas. J'en ai acheté un petit qui rapporte 160. En vrai, t'en achètes 4, mais alors, en vrai, ça vaut plus le coup d'en acheter 4 petits que un seul gros en fait. Donc, bah, on investit au fur et à mesure. Au pire, on fera ça au fur et à mesure. Je pense que le prochain épisode, on achètera un de plus. Alors, le toit se déplie comment, par contre? Alors, oui, je déplie le toit en roulant, et alors, ça fait quoi? Hop. Ouais, ce mec, ça fait vraiment les vieilles trucs de moissonneuse là. Alors, dépliement de ça, ça veut rien. Prends les deux petits panneaux solaires. Non, mais en vrai, non, parce que les deux petits, en vrai, ils rapportent plus. Un seul gros, c'est 200 000 balles pour commencer. Donc déjà ça calme. Attendez. Non, c'est où? Attends, point d'eau. Voilà. En gros, lui il rapporte 150€ par heure, il vaut 20000€. Lui il rapporte 500€ par heure, il coûte 212000€. Donc c'est énorme en vrai. Hein. Donc en vrai, ça vaut plus le coup de prendre lui. Même s'il coûte plus cher à l'entretien, c'est vrai. Mais bon, ça devrait faire l'affaire. Allez, let's go! En avant le tournesol. C'est juste pour nous qu'on fait le tournesol, mais what's up? Ça dit que maintenant 7500€, c'est un peu décalage. Bon bah voilà, du coup on met l'ouvrier parce que forcément vous me connaissez les gars. Moi la moisson ça fait 12 000. Non, en vrai j'aime bien, mais en live. Attends, juste se mettre droit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas la moisson? Si, mais en live c'est pas le meilleur truc à faire quoi. C'est à moi toujours à dépenser, à me dire il veut tout acheter. Oui, je sais. Bastien, tu es joli sur Insta sous ta bonne rubanée. Bah merci, c'est ça comme un compliment on va dire. L'ouvrier a fait son travail. Pourquoi il bug l'ouvrier là? L'ouvrier il veut pas. Je crois qu'il veut que je travaille. Oui, je vais vendre. Ne vous inquiétez pas, la meilleure chose, je vais la vendre, les gars. Bienvenue pour. Merci aux 4000 likes en tout cas. Merci à vous, ça fait grave plaisir. Et mon écran qui vient de se rééteindre, c'est magnifique. Ah, il vient de se rallumer. Ah, j'adore, hein. J'adore. Bizarre, ça. Je crois que j'espère vraiment que c'est abîmer, le câble. Ça peut abîmer hein, si c'est le câble. Hein. Il n'a pas apprécié l'écran. Non, bah il apprécie pas. Moi j'apprécie pas d'un confiné, c'est pareil. H. Ah, là il veut bien. Ah, il se rééteint, il se rallume. La mélangeuse. Lui. Alors attends, parce que lui, du coup, c'est la Kinan. Les animaux, ils ont faim ou pas? Ah! Vache! Waouh. Mistral. Oh là 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 là! En plus, il manque de l'avoine. Est-ce qu'il en reste par terre? Il en reste par terre, heureusement. Bon, je vais arranger la picon, déjà pour commencer. Il faut qu'on redonne de la paille, je crois. Mais de la paille, il y en a à côté. Attendez, venez, on va pailler au pire. Non, on ira pailler après, les gars. T'as oublié un champ de colza derrière la stabule à vache? Non, je l'ai moissonné. Non, il l'a moissonné, t'inquiète. Oui. Moi, les gars. Bienvenue à toi, Antoine. T'as rejoint en plus dans Star Family Premium. Merci à toi, mec. Tu gères. C'est le grade au-dessus. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec la presse? Ah non, c'est l'abeille. C'est la presse. Non, je crois que t'avais la presse dans le champ de colza. Je fais, oui, problème là. De la paille de colza. Mais on va en faire un maximum de paille là parce qu'il en reste plein dans son plateau. Ouais. Ça va être sympa ça. Alors, le problème, c'est qu'on se gare comment? Parce qu'il y aura une. Alors, un côté c'est paille. Toi, en rubané, il n'y en a pas. On n'a pas de rubané. Donc, au pire, on s'en fout. Non. On va se mettre là. Regardez-moi. Et la paille, on la vend ou on la garde? Bah non, bah là faut la garder parce qu'on veut. Bah oui, mec, faut la garder. Il nous reste une botte de paille pour tous nos animaux. Hein. Donc il faut qu'on la garde, mec. Merci Adrien pour avoir fait ton don de 2 balles. Toujours au top tes vidéos. Merci à toi, mec. Tu gères. Bon, je sais pas comment on va se faire la Kinan. On va la vendre peut-être 40 000€, 35 000€. Aïe.
Mais du coup, merci à Thomas pour ton nom, ça fait grave plaisir, les gars. En silage d'herbe. Bah, ouais. Bah, dans tous les cas, le silo. Ah non, il reste de la paille là, j'ai rien dit, il reste de la paille ici. Il reste de la paille là. T'as d'iridium mélangeuse. Ma d'iridium. Comment ça, ma d'iridium, c'est comme ma d'iridium. Tu t'es trompé, je pense. Parce que ça veut rien dire. Tu pourrais faire des blogs à la fin. Alors, c'est prévu de faire des blogs, mais chez moi, actuellement, il se passe pas non plus grand chose. Mon père veut semer le tournesol, mais bah, il pleut pas, donc ça c'est nickel, on peut pas semer le tournesol. Bah on fait les melons, bah ça c'est pas hyper intéressant parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus donc vous savez ce qui se passe quoi. Et dès que mon père aura le Valtra, je referai une vidéo de découverte de la ferme. Je pense que je serai travaillé un peu mieux que l'ancienne parce qu'il y a quelques trucs qui ont changé, alors pas beaucoup mais quelques trucs. Donc j'essaierai de vous faire quelques petites vidéos bien sympas. En vrai je pense que ça va plutôt être une vidéo pas chiante mais je vais essayer de vous montrer plus longtemps. Donc peut-être la vidéo va bien durer 40 minutes, ça fera une bonne grosse vidéo. Et au moins ça vous kiffez, voilà. Alors 28 000 € de mélangeuse, nickel. Ah non, je l'ai réparé. Bon bah du coup, 28 403 de mélangeuse. Attendez, hop. Vendre, c'est parti. Oui, de l'argent. Ça rembourse les panneaux solaires. Au moins, on aura remboursé. En vrai, j'avoue. 20 plus, mais largement même. On aura largement remboursé les panneaux solaires. Je sais, c'est une masse. Bon, on a déjà assez de masse, les gars. Mec, on a 355 000 €, c'est ouf. En plus, avec toutes les bottes, puis tout le lait. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller vendre un peu de laine. Non, Nico. Même ouais, si il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Attends, parce que j'ai de la paille là ici. Qu'est-ce que j'en fais de cette paille, moi? Est-ce qu'il faut payer les animaux? Je vais la presser. Non, mais j'ai de la paille. Non. Au pire, je le fais dans le champ, c'est pas grave. Sur le plateau, tu le mets en tas dans le champ, s'il te plaît. Ouais, bah là, je vais le ranger. Ce que je voulais faire. Il y a une botte de foin, il faut que je la vire de dedans. T'inquiète. Ah ouais, mais ça va, ça bosse bien là. Ça fait des bottes pas mal. Alors. Ouais, mais on a pas tant que ça, je trouve, par rapport à la parcelle, la grandeur. Ouais. Bah, de toute façon, la parcelle elle était fertilisée à 50% à peine. Hein. Donc c'était pas. Ouais, c'est ça. Attends, je voulais faire quoi déjà? Oui, alors oui, non. Vendre la laine, oui, j'y arrivais. Donc on va aller vendre la laine, les gars. Bienvenue à tous, les gars. T'as raté quoi? T'as raté le début, 46 minutes de live, tranquillement. On fait notre petite vie. Voilà, du coup, je serai là demain, nouvelle vidéo. On sait qu'il s'est passé aussi pas mal de choses dans la série des paysans français. Donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas. En fait, vendre de la laine, mec, le plus qu'on a, ouais, ça sert pas grand chose. Par contre, il faut qu'on cure nos animaux. Ah ouais, mais il faut qu'on cure à mort là. Bon, en plus, non, elle était pas peine. Ah non, elle était pas peine à 100%. Le DLC sort. Oula, le DLC 3 Vest est déjà sorti depuis une semaine. Mais d'accord. Ouais, le DLC sort. Attends, je vais m'avancer un tout petit peu. Vend le lait. Ça dépend si on a beaucoup de lait. Le lait. 28 000 de lait. Bah ok, ça partira en full vente de lait. Attends, ça on va le laisser là. Ah non, je voulais le laisser là. Bon, c'est pas grave. Ça bug. Tu parles beaucoup trop vite et tu finis pas très vite. D'accord. C'est vrai. Mais il y en a qui arrivent à me suivre, donc ça c'est cool. Ça va, sur 5 000 personnes, je pense qu'il y en a quand même... Hein? Là j'ai une coupure, je t'ai pas entendu. Parce que je parle trop vite, ça. J'ai cassé Discord. Merci beaucoup Ethan, prends le même plateau que toi, que Zero autoload la laine. Il est le même que nous Zero, non? Je sais pas. Oh non. Bah il me semble. Zero a pas le même que nous, plus de son. Comment ça plus de son? Arrête. Comment ça, Zero a quel plateau? J'avoue les gars, il a quoi comme plateau Zero? Tu sais Nico ce qu'il y a comme plateau? Je crois que si c'est le même que le nôtre, c'est une littorale. Bah oui, mais mec, il l'a acheté dans le live, c'est un truc noir là. Ah, ah oui, pour la laine ça peut être pas mal. Ah ouais, j'avoue que pour la laine ça peut être bien. Bah mais la littorale il est bien, moi je l'aime bien. Puis au pire, la laine pour le peu qu'on va avoir maintenant, vu qu'on a vendu pas mal de moutons, franchement je trouve que ça vaut pas trop le coup d'en acheter un nouveau quoi. Le frigiel. Ouais, il a Zero, il a le figuel là. Pas le frigiel, non. Le figuel. On va arriver. Là. Hop là. Bon, on va aller vendre ça du coup. Attends, parce qu'ils disent fortement dans la filature, mais la filature c'est pas chez nous. Donc actuellement la laine vaut cher ou pas? 1056. Attends, Balsail, dites-moi que c'est chez moi s'il vous plaît celui-là. Ce point il faut que ce soit chez moi. Oh non, c'est chez Zero. Bon, au pire on va vendre déjà ce qu'on a. Même dans tous les cas pour ce qu'on a. Cochon. En vrai, des cochons, ça me tente bien parce que. Bah non, j'en fais jamais. Et en vrai, on dirait pas, mais ça rapporte quand même pas mal les moutons parce que bah, t'en achètes genre 5-6. T'attends un petit peu, ça se reproduit et tu vas en revendre et ben t'es pété tout quoi. Enfin Zero il fait, c'est les paysans français, Zero il fait ça et il se met vachement bien. À chaque fois il vend 6 ou 7 000 € de cochons. Donc et puis dans le farming j'en fais jamais vraiment. Poules. Bah mais mec les poules on avait au début, on les a vendues. Est-ce qu'on refait des poules? Oh non, enfin ouais je sais pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bâtiment Indus. Ah si des poules, il y a des gros bâtiments de poules hein, si ça existe. Ah bon? Ah ouais. Si ça existe, mais je sais pas si ça vaut le coup d'en faire. Poule. Vous voulez vraiment qu'on fasse des poules? Genre vraiment, ça vous... Vraiment, vous avez tellement envie.
Bon, bah écoutez, on va voir. Allez, ouais, ça recharge. Wouh. Je charge mes petites bottes. Comme ça, on va les stocker. Cochon. Bah du coup, alors plutôt. Alors, bah du coup, non, dites-moi, plutôt poule ou cochon alors. Dites-moi dans le chat là. Il y en a qui disent poule, il y en a qui disent cochon. Je sais pas du tout. Comme ça, on peut faire un petit défi de cochon. Non, mais le problème, c'est que le défi de cochon, ça sert à rien. Ouais, tu dois revendre tant de cochons. Bah, c'est nul. Après, ce qui serait bien, c'est que pour les nourrir, il faudrait du maïs grain, il faudrait du tournesol. Non, il faudrait des betteraves, je crois, il me semble. Cochon. Ok, bon, ça. Bon, d'accord, c'est cochon. Ok, cochon. Bon, bah, du coup, ce sera des cochons. Bon, on essaiera de voir qu'on en fera. Comme ça, ça nous fera. On aura tout. Et peut-être qu'on reterminera par des moutons. Par des poules. Parce que, bah, les poules, c'est sympa, quoi. Mine de rien. Ah non. C'est quand même sympa. Ah, passe. Merci. Ok, les gars. On essaiera de voir ça. Merci, vous êtes encore très nombreux, les gars. C'est ouf. Hein. Merci d'être là. Ça fait grave plaisir. Pelé. Ouais. 32, 33, 34 bottes. Ça va me compléter le plateau. Ah, ça lag. Pourquoi ça lag comme ça? Ça, c'est la cause. Ça, c'est la cause chez Starview. Les. Oui, le lait. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le lait. Pourquoi il y a un trou là? Il y a un trou dans le plateau. Je sais pas si tu vois, il y a... Ah, et sur le côté, ouais, on voit pas de bottes, ouais. Bah, je crois que c'est un bug, hein. 37, 38, 39, 40. Ouais, c'est un bug. Ah, mais il y a aussi le Bouddha, bah, les vendre. Oh là là, tu vois, les vendre tout ça. 38, 39. On peut acheter le champ 32 là. Ah, tu veux l'acheter? Ça, je vais. Bah oui, puis après, comme ça, je mets un coup de charrue et puis on laisse le bosquet dans le milieu. Ça pourrait faire sympa, non? On l'achète ou pas, les gars? Ah ouais. Ah, moi, je suis chaud. Hein. Comme ça, après, moi, je vais. On a une charrue ou pas? On a la tousseleuse, donc oui, ça fait effet. Ah, bah nickel. Bah, bon, du coup, les gars, oui. Un coup de tousseleuse. On fait les ça deux. Oui, achète. Ouais, bon. Oui. 42 000 euros, c'est acheté. Allez, ça y est. Merci. Voilà, comme bah, ça, c'est fait, ça. Les amis. Je vais finir là de ramasser la paille et puis je vais faire ça. Vas-y. Ah, bah d'accord, on aura acheté un nouveau champ, c'était pas prévu, mais d'accord, très bien. Bah, j'adore ce live, hein. Chaque fois qu'on commence en live, on sait pas ce qu'on va faire. Au final, c'est pas incroyable. Par contre, là. Est-ce qu'on ferait pas une coupe de fauche dedans avant parce que l'herbe est haute? C'est ce que je pensais. Oui, c'est ce que je pensais. Ça du gâchis sinon. Ouais, je vais faire ça. On va faire une coupe de fauche alors, comme ça, ça sera bon. En rubané ou foin? Ouais, bah en rubané. On a du foin, on a largement assez, donc en rubané, ouais. Ça marche. Okay. Merci beaucoup Thomas, continue comme ça. Merci beaucoup pour ton don, mec. Tu gères. Merci à toi pour tes 20 balles, Thomas. Merci beaucoup. Voilà. Alors, faut le changer ce télescope là, comme ça, je vais redonner au pire à bouffer au mouton. au chevaux, je veux dire. Récupérer ça, le petit télescope. J'ai de l'ensilage. Ah, bah l'ensilage, on va le redonner. Sondage. Non, mais les gars, le sondage, c'était certain. Hein. Tout le monde est en mode. Oui, achète-le. Puis si jamais vous avez dit non, bah dans tous les cas, on voulait. En fait, au début, on se l'a acheté. Ou alors, on voulait se l'acheter. Puis au final, la partie, elle a bugué. Et quand on a recommencé, on l'a pas acheté. Donc, bon. On va passer par là. Du coup, tu vas refaucher, Nico, quand t'as fini de presser? Ouais, attends. Je suis en train de pousser les bottes. Ça, je viens derrière toi. Je viens en dîner. Et après, hop. Hop. En avant. Et nous le foin là au caisson? Non, c'est au fond, dans le petit trou là qu'il y a. Le petit trou? Au fond, dans le bâtiment. Ah. Bon, j'arrive pas à la Ah oui, d'accord. C'était la botte de foin qu'il y avait dans la paille. J'aime pas, mais normalement, la botte va pas s'enlever. Hein. Enfin, si tu regardes la botte, la capacité a dû se vider. La botte, elle fait 4000 de base, donc s'il y a moyen, c'est que c'est bon. Je peux donner 4000 euros. Mais vas-y, là, sera prêt. Je m'en fous des dons, les gars, clairement. Plaisir, mais c'est pas obligatoire. Oh non, de quoi j'ai dit, je m'en fous des gens, c'est pas obligatoire. Hop. Ah, j'arrive pas à choper le bout d'avoine qui reste là. Ah, c'est bon là. Tu veux que je le presse? Qu'est-ce que tu veux presser? Bah, je sais pas, tu fais quoi là? Bah, ah, c'est de l'avoine. Ouais, ah, je sais pas. Merci beaucoup Clément. Tu as deux balles rondes de paille dans le bâtiment près des chevaux. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, merci à toi. Merci pour tes 10 balles oui, aussi. Je voulais te le dire pendant le tournage le jour, c'est vrai. Bon, mais vraiment, j'arrive pas à récupérer les deux bouts d'avoine là par terre. C'est un problème. Bon, c'est pas grave, au pire. Bon, les chevaux mangés, vous avez 857 d'avoine, avec ça, vous avez pas. Voilà. Bon, j'ai pas envie d'ouvrir la porte. Est-ce que vous pensez que ça va assez loin? Y'a quoi là? Est-ce que vous pensez que ça va assez loin? Non. Pas assez loin. Allez, ouvre. Je vais la laisser. Ouvre. Bah, ouvre-toi. J'arrive pas à ouvrir la porte. Pourquoi? Mais mec, attends, je suis à 2 FPS. Pourquoi? Parce que je suis trop près. Là, mec, je ne vais pas ouvrir la porte. Aide-moi. Alors ça, c'est fou. Essaye de l'ouvrir, s'il te plaît. C'est bon. Ah, c'est bon là? Ouais, c'est bon, mais je sais pas pourquoi ça voulait pas. Alors, allez, chez vous, bougez de là parce que j'en ai bouffé. Allez, à table. Non, je vais par terre, c'était pas, c'est pas ce trigger là. Bravo, Bastien. Bon, allez, voilà. Je vais mettre la presse là. Y a pas d'autres endroits à presser là? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah là, on a tout fait. Hein. Merci beaucoup, Romain. Tu devrais pas changer ton épandeur à fumier.
Si, oui, 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 je sais, je te ouais, il est tout petit. Il est encore plein d'ailleurs, il est derrière. Là, bah, il faut le vider alors avant de le. Bah, de toute façon, on va peut-être le vider dans la parcelle là si on fertilise à fond. Ouais, 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 t'inquiète. Waouh! What, Thomas? Mais mec, mais t'es un fou! Mais Thomas! Quoi? Mais 50 balles! Mais Thomas! Mec, merci beaucoup, mais mec, vraiment merci à vous pour tout, mais. Vous êtes des malades, vraiment, mais merci beaucoup. 50 balles, c'est pareil en plus, hein, merci à vous. 50 balles, c'est un tour de karting, quoi. Genre, c'est 3 tours de karting. Donc, Bon, merci à toi, mec, merci beaucoup. Je veux du GG pour Thomas, mec. Merci, enfin, pour Thomas, même pour tout le monde d'ailleurs, pas pour Thomas. 50 balles, voilà. C'est 10 kebabs quand même. Mec, 50 balles, c'est beaucoup de McFlurry en plus, donc t'inquiète. Ne regrettez pas les dons, ça servira à s'acheter des McFlurry là, dès que le. Alors là, les gars. Non, en vrai, c'est pour investir dans pas mal de matos et. Et ben voilà, vraiment ça fait quand même plaisir de fou. Donc merci à vous. Et puis ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne peuvent pas, un pouce bleu. Voilà, vous savez pas à quel point ça nous aide en plus tellement. Donc voilà, les pouces bleus c'est la vie aussi. Attends, je vais juste enlever cette botte là. Donc voilà, ça, en gros là ça veut dire je vais arriver aux 5000 likes dans 10 minutes. Non, je rigole. Attendez, la musique est. Hop, voilà. Alors, on va essayer de vider nos bottes sans tout foutre par terre. Je dis bien, on va essayer. Parce que ma technique. Attends, non, alors les gars. J'ai une technique, vous allez pas comprendre, mais vraiment, vous allez faire waouh, Stervio, tu es un débile. Non, attendez. ODD, c'est quand il y a des sables, les gars. D'ailleurs, faut vraiment que je change cette musique. Les gars. ODD, mec, c'était en 2002. Ah oh, ouais, elle est insupportable. En 2002. ODD. Alors, attends. Oh, U. Oula. C'est normal, hein. Enfin, on voit pas. D'ailleurs, c'est marrant, tu la mets, mais elle est pas copyright, cette musique. Si, elle est copyright, mais. Oula. Mais mec, c'est bon ou pas? Les bottes bougent un peu à l'intérieur. C'est les copyrights, mais vu qu'elle est que quelques secondes, c'est pas grave. Donc voilà. D'accord. Allez, c'est parti. Je vais ramasser le reste des bottes qu'il y a et après je vais t'aider Nico, t'inquiète pas. Je vais aider mon cher Nico. Mais Valentin qui donne 15 balles. Merci beaucoup Valentin. Vraiment, mais. Fou. Oh, comment t'es sorti de l'affaire, mec? Ah oui, je suis sorti vite. Ouais, il y a pas de souci. Moi, je veux de ma meilleure vie. Mais mec, au travail, hein, on n'est pas là pour chômer. Mec, cet après-midi, mec, il y avait tellement de gens qui bossaient. Il y avait une faucheuse, un endaineur derrière le mec qui pressait, un rubané. Enfin, ça chômait pas. Ça ne chômait pas. Il y avait plein de gens se promener cet après-midi. Voilà, ouais, mec, moi aussi, j'ai croisé plein de gens en se promenant. Bah, je suis allé me promener, mais bon, c'est dans une forêt. On sait qu'il y a personne. Si j'ai croisé du monde d'ailleurs. Mais bon, on a juste fait. Salut, au revoir. Oui. Mais voilà. En tout cas, merci à vous pour vos dons. En tout cas, merci beaucoup. Mais vraiment, ça fait plaisir. Vous savez pas à quel point. Alors attendez, parce qu'il reste une botte ici. On va la récupérer. Change de dot. Ah non. Mais Mathieu. Mais mec, mais. Mathieu qui fait encore un don. Enfin, qui fait un. Mais Mathieu qui a déjà fait un don. Tu fais un don de 21 balles. Merci Mathieu. Pouah. Merci beaucoup, mec. 50 balles. Ça va faire un champ vachement bien quand même. Mais oui, c'est ouf. Avec le petit bouton, ça va être trop stylé. Ouais, ça va être pas mal, mec. Merci beaucoup pour. Qui ça? Mataflo, parce que mon écran s'est éteint. Heureusement que je donne un troisième. Enfin, un quatrième, du coup. Merci beaucoup pour ton don, mec. Merci beaucoup pour. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je le dis 50 fois. Mais ton écran, vraiment... il s'éteint dès que tu fais une secousse sur ton bureau ou pas? Non. Oui, c'est comme ça. Non, il s'éteint quand il a envie, quoi. C'est super bizarre. Si non, mais c'est le cas. Cet après-midi, je l'ai trifouillé. J'ai voulu nettoyer un peu le bureau. Voilà, je voulais nettoyer. Faut pas nettoyer, en fait, c'est tout. Je nettoie, mais voilà, bien sûr, c'est toujours ma faute. Et là, pam dans l'arme, magnifique. Je viens de t'aider, merci, vous êtes encore 4500. Et du coup, merci pour les 4000. Alors, les likes sont buggés, hein. Les likes sont buggés, on a 4500 likes, qui est juste fou, mais qu'on a jamais fait autant. 4500 likes en même pas une heure. C'est quand même énorme en vrai. Oh là là. Oh là là. Si, ça va faire une heure. Ça va faire 58 minutes. Ah, ça va vite le temps. Tu lèches plus longtemps ou pas ce soir? Ce soir en vrai, bah, je fais 2h50. 3h de live comme d'habitude, on change pas les habitudes. Bah, de toute façon, demain, moi je travaille pas. Bah moi demain, ma vidéo demain est tournée. Donc El Pepito qui fait un don de people. Merci beaucoup El Pepito, comment on peut jouer avec toi? El Pepito 45, merci beaucoup. Tu as El Pepito. Non, c'est pas El Pepito, c'est El Pepito. Bah merci à toi, mec, merci beaucoup. Alors, oh non, j'ai cassé le tas qui était derrière moi. Mais mec, mais Thomas, attends. Les dons ça se finit pas là les gars, il y a des dons partout. Thomas qui donne 30 balles, merci beaucoup Thomas. Mais mec, merci vraiment. Non mais mec, vraiment, mais je dis merci mais vous savez pas à quel point ça fait vraiment trop plaisir, hein. Et j'en fais pas trop mais c'est ouf, hein. Enfin, vous donnez de l'argent à un mec qui sait pas jouer à farming en plus. Il va faire une syncope. Non, c'est vraiment faux. Je suis pas en PLS, j'ai déjà été en PLS mais je résiste. Ah maintenant. Ouais, je me souviens une fois, oh là là. Mec, des fois je me rappelle. J'ai rien joué. Il y a un mois, 400 balles je crois. 400 balles. Ouais, mais c'est où? Oh, même ça, ce que j'avais dit les gars, mon avion pour revenir de Paris, c'est 400 euros le billet.
Et le mec m'avait fait, bah tiens, tu pourras faire. Il m'avait fait un don de 400 balles, il m'avait fait, tiens, tu pourras payer ton billet. Et du coup, j'ai pu revenir en avion. Mais le mec était fou, quoi, c'était énorme. Est-ce qu'il faudrait pas ramener la benne par hasard? Oui, alors le colza. J'arrive, Nico, hein, mais je m'occupe des champs. Oh, t'inquiète, t'inquiète pas. Il faut qu'on aille faire le plein de celui-là aussi. Tu vas faire comme énergie. J'ai vu qu'il a eu pas mal de dons aussi. 3000 balles! Mais non! Un truc. De quoi, Marlon a eu 3000 balles! Oh bah, de qui? Marlon énergie. Est-ce qu'il a eu 3000 balles? Ben yeah, voilà, oui. Moi aussi je fais des vidéos et des. Hein? Hein? Non mais. Bah non, mais je demande pas les dons, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quand on en a. Colza, bah on va aller le vendre, hein. De toute façon, il y a que ça à faire. Tu vois le colza au sol, tu sais, quand ça fait des résidus au sol. Ouais. Et bah, si tu passes la faucheuse dessus, écran, ça l'enlève. Ah c'est ouais? C'est bizarre? Ok. Ouais, je savais pas. Mais je savais tu pas. Tu verras derrière. Ok. J'ai l'écran qui est éteint. Oh, 50. Mais quoi? Mais mec, c'est pas possible! Mais vous avez quoi? Vous avez eu. Il y a eu la paye qui est tombée ou quoi? Merci beaucoup, Gigaro, pour tes 50 dollars canadiens, mec. Oh là là, merci à tous. Combien 50 dollars canadiens en euros? Ben, envie de savoir. 50 ouais. dollars. Canadiens. Canadiens en euros. Ça fait 32,75. Ça fait 32,75€. D'accord. Ben voilà. Merci en tout cas. Merci à toi, Gigaro. Je passe ton pseudo, Gérard. GG. Jérémy, Jérôme, Gertrude, non Gertrude c'est quand j'ai. Cogitan. Non, j'ai zéro image perdue et ça c'est rare. Mais en tout cas, merci pour tout. Hein. C'est rare que la barre, vous savez, la barre en haut qui dit les dons et les membres et tout, elle soit pleine. Il y a un ou deux, tu sais. Mais là, il s'est rempli à fond, donc voilà, merci à vous. Voilà, vous êtes des malades. Défi de blé. Ah, blé mature, en vrai, ouais. Oh wow, c'est passé, mais c'est passé limite. Marlon a eu 3600€. Ah ouais, mais. Tu veux que je refasse une coupe de fauche dans l'autre parcelle à côté? Coupe de fauche, franchement, tu pourrais. Non, mais non, enfin, si tu veux, mais si, il faudra le faner par contre. Hein. Donc voilà. Ah. GG qui donne 10 balles, 10 CHF, c'est quoi ça? Merci à toi, mec. CHF. C'est les francs suisses, c'est suisse, je crois. Ah, bienvenue à toi, le suisse. Merci je à toi. Crois, je dis peut-être une connerie, mais je crois que je ça. Crois. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour tes 10 euros, enfin 10 francs suisses, je sais pas ce que ça fait, mais merci beaucoup. Salut la team, je vous adore et bonjour à toi, Nico. Bah voilà, Nico. Bonjour. Attends, du coup, c'est quand même 10 CHF. Ça fait 9 euros. Bah, c'est à peu près pareil en fait. C'est 9,47€. Ok. Ouais, c'est quasiment pareil. Bah, franchement, mais je veux des GG ou GG à tous. Le problème, c'est que je vais en oublier, donc voilà. El Pepito qui refait un don, mec. What? El Pepito qui donne. Nico, c'est quoi ton Insta? Zinico, Z-E-N-I-K-2-O-H. Merci à toi, merci beaucoup, je veux déjà. Merci à vous les gars. Il y a des dons en fait qui n'apparaissent pas en rouge dans le chat parce que c'est des dons via PayPal donc c'est différent. Mais voilà, du coup, merci à vous. Vous êtes des malades. Ah, bon, prends l'argent du défi du million. Mais non, parce que le million on l'a pas encore atteint donc on va pas le prendre pour l'instant. GGGG, voilà, ça vous dit. Les gens vous disent GG. En tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier déjà de base pour vous parce que vous êtes très nombreux de base. Qu'il y ait des dons ou non, en fait, c'est juste fou. Donc voilà, merci. Bon, je suis reparti, je refauche un mec. Mais qu'est-ce gros qu'il y a désolé, il y a 10 balles de plus. Merci à vous, mal. Merci beaucoup Pierre-Alexis. Salut à toi, tu as un joli prénom en tout cas. Est-ce qu'on t'appelle PA? Merci à toi, mec, pour ton nom. Oh la vache! Quoi? Il y a eu un bug, ça a fait un tas de d'herbes énormes. Il m'a fait peur. Merci beaucoup en tout cas. Et Marc Adam qui fait 10 balles. Mais gros, c'est pas possible. Tu pètes mon écran, il s'éteint. C'est bon, Starvo, tu es le meilleur. Merci beaucoup Marc Adam. Mais vraiment, mais waouh. Ouais, c'est bon, c'est ton écran. Ma montre, il y a écrit quoi? Il y a écrit PayPal sur ma montre. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Oh, ça va. Bah, ça va, ça, on dit merci quoi. Ah, attends, du coup, je voulais dire quoi? Nico, je vais t'aider, t'inquiète pas, mais juste qu'il y a eu des. Oui, t'inquiète pas. Je suis resté Keblo au concession pendant quelques secondes, du coup, là. J'en ai oublié un. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi pour tes 2,29€. Merci à toi. T'as oublié un don de plus? Allez, encore, merci à toi, tu gères. Merci beaucoup. Comment tu fais pour les peupliers? Comment ça, les peupliers? Pour placer les peupliers? Bah, tu mets des modes et tu mets des peupliers, et voilà quoi. Merci beaucoup, Adrien. Avec tous ces dons, Stavo va avoir un nouveau PC. Un PC, ça vaut vachement cher un PC, mais ça, franchement ça contribuera, vous inquiétez pas. Et ça contribuera surtout à acheter un nouvel objectif et une nouvelle caméra. Ça c'est sûr. C'est ce que je fais, moi. Je crois que j'ai loupé un nouveau PC.
Je participe au concours sur Top Achat sur Insta. Ah ouais. Par contre, GG, tu m'as refait un don de 0,95 francs suisse, si je me trompe pas. Du coup, désolé, il est pas passé, mais merci à toi. C'est grave. Mais mec, j'ai même pas fini de te dire merci pour mon don, qu'il y en a déjà un nouveau. Mais gros, mais. En fait, Starlou va faire un live juste pour dire merci. C'est ça. Merci beaucoup, Gwendoline. Bienvenue à toi. Et ben, merci pour vos dons, en tout cas. Mais merci. Nico, alors je vais venir en déné. T'inquiète pas, ça va aller. Vends la moto. Attends, dans 30 secondes, tu remercies quelqu'un. Donc, Dans 10 secondes, je dis merci à quelqu'un, je le sens. Attention. Allez, ça part en full merci aujourd'hui. Merci El Pepito. Merci El Pepito pour tes 10 balles. Allez, un dernier bisou. Merci à toi, mec. Merci pour tout ce que t'as fait, tous tes dons. Et merci de voir mes lives, d'être sur mes lives et tout, quoi. Et merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Et Pierre-Alexis qui refait un don, et c'est parti Alexis. Merci, oui on appelle PA. D'accord PA, mais du coup merci à toi. Et Romain qui fait encore un autre. Mais mec, merci Romain pour tes 2€. Merci à toi, ça fait grave plaisir. Ça n'en finit plus. Est-ce qu'elle a encore un autre à dire merci? Non? C'est bon? Allez, une petite pause. Allez, une petite pause pour commencer. Ah non! Pierre-Alexis. Ah non, c'est bon, non, c'est un don qui arrive après. Est-ce qu'on peut te parler sur Snap? Non, Snap, j'ai bloqué les messages les gars. Parce que sinon c'est trop compliqué. Et c'est plutôt un compte perso, donc voilà. Pourquoi vous voulez qu'on change de Ben? What? 500€? Ah, mais c'est le tournesol? Ah, je crois que c'était un don. Oh, bah non, c'est pas un don de 500 balles, putain. Oh, mais mec, El Pepito qui rejoint la Star Family Plus en plus. Merci à toi, mec, El Pepito. J'ai jamais dit autant merci dans un live. Merci beaucoup d'avoir rejoint la Star Family. Ça fait grave plaisir en plus. Ça fait, ben voilà, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Et encore un don, Gégaro qui fait un don de 10$ canadiens. Merci à toi, mec. Merci à toi. Mec, c'est ouf. Est-ce que vous voulez que Nico soit payé? Nico sera payé si vous voulez. Si voilà. Non, merci vraiment, mais. Oh là là. Voilà, merci à vous. C'est la moindre des choses de dire merci parce qu'il y en a qui voient des dons qui disent pas merci. Alors qu'il y en a beaucoup trop, bah voilà. Là, ça va, j'y arrive. Hein. J'y arrive. Change la classe, vous êtes mais quoi, ça change la classe? Vous êtes malade ou quoi? On va pas changer la classe, les gars. Non, non, non. Et Romain, bienvenue à toi dans la Star Family. Bienvenue beaucoup. Bienvenue beaucoup. Bienvenue à toi. Bienvenue beaucoup. Bienvenue beaucoup. Merci à toi d'avoir rejoint la Star Family, ça fait grave plaisir. Bon, mec, on a du rendement niveau tournesol par contre. Hein. Ah ouais, niveau tournesol. Ouais, puis là, je suis en train de faire une deuxième coupe d'herbe là, c'est pareil. Allez, un là, dernier parce que c'est ça. Toi. Merci Mathieu, merci beaucoup. Bah, en tout cas, voilà, merci à tous les gens qui ont fait des dons et qui vont continuer à en faire parce que je vous sens chaud. Franchement, ce soir, alors non, je vous incite pas, mais voilà, merci à vous. Mais un peu quand même, tu vois. Non, non, merci à vous, merci à vous en tout cas. Ça fait grave plaisir. Thomas qui donne 30 balles. Thomas, mais Thomas. Thomas qui donne 30 balles. Merci à tous, vraiment. Mais vous imaginez pas à quel point ça fait. Genre, je dis merci, mais en vrai, je me rends pas compte. Hein. C'est à la fin de l'aide que j'ai fait. Attends, mais il y a eu 30 balles, plus 50 balles, plus 30. Plus... Merci en tout cas pour tes, 10... pour tes 30 balles, pardon. Et merci Valentin qui donne 15 balles. Ça n'a jamais arrivé. Je vous jure, c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu autant de dons. Vraiment. C'est ouf. Mais mec, c'est ouf. Et Pierre-Alexis qui rejoint mec, je kiffe ton prénom par contre. Pierre-Alexis qui rejoint Star Family Plus, bienvenue à toi. Et Valentin aussi qui rejoint, bienvenue à toi Valentin. Et allez, je veux du bienvenu. Les gars dans le chat, on dit bienvenue à tous ceux qui se sub. Les gars, parce que bah quand même hein, ODD, bien sûr. Voilà d'où vient la musique ODD. Attends, je remets l'ouvrier, je vais aller faire mon engrenage, hein, parce que Nico, voilà. Ça change quoi là, Star Family, en gros t'as un badge à côté de ton prénom et t'as des smileys. Et ben quand tu mets un message dans le live, en gros, ben, mon écran s'éteint. Ben voilà, quoi, ça va servir les dons. Je vais pouvoir m'acheter un écran ou un câble. Donc en gros, vous avez votre pseudo, il est en vert et tout. Enfin, genre en vrai, c'est stylé. Et ben voilà, vous avez des trucs en plus, quoi. Nico, merci Nico. Encore un don. Merci qui Nico de la team qui fait un don. Merci à toi. Oh, c'est encore un fou Bastien. Oh mec, c'est ouf. Merci à toi. C'est encore un don. What the fuck, c'est fou Bastien. Bastien. Merci Bastien. À toi. Mais mec, mon écran. Avec la 5 du sud. Hugo qui rejoint la Star Family, merci à toi. Oula, que fait l'ouvrier? Que fait l'ouvrier? Attendez. Merci beaucoup Hugo. Attends, on a combien de subs? On a 168. Mais mec, c'est le record de la chaîne. Merci à vous. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Vous êtes fous, vous êtes des malades. Je n'arrive plus à jouer. Non, il m'en faut plus oui. Pour pouvoir réussir à jouer. Le pulvé. Alors le pulvé, on essaiera. Il faut payer pour rejoindre. Ouais, ben là, oui, le fait de rejoindre, c'est un abonnement en fait. Voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne normalement. Mais justement, ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez rejoindre. Mais mec, j'ai Garo qui fait un don de 20$ canadiens. C'est toi le meilleur Servio. Servio, il m'a appelé Servio. Ah, le meilleur Servio. Il a dit le meuleur. Le meuleur, je suis un meuleur, Servio. Et bien, Nico, merci à toi, mec. Mais écoute, merci à toi, j'ai pas m'acheter une nouvelle meuleuse grâce à toi. Non, merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas. Et bah désolé vu que c'est $2 en... Merci Thomas. Thomas qui donne 10 balles. Bah non mais vraiment vous vous rendez compte ce que vous donnez mec. Oh là là. Merci à toi mec. Merci beaucoup. Et Jojoel qui donne 2€ du coup mais avec des stickers du coup pareil ça ne ça s'affiche pas. Mais voilà du coup merci à vous de donner. C'est ouf. Bastien. 25 balles de David. Mais attends. Mec, David. Merci beaucoup David. Merci Bastien. Vraiment. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gros problème. What? En fait, je t'explique. Mais... j'ai fauché. Regarde, j'arrête pas. Ah mais oui. Je sais pourquoi. Parce que la parcelle, elle est complètement elle est en foin. Et non, du coup, vu que j'ai fauché, ça fait un tas énorme. Ah oui, parce qu'en fait, en farming, on peut pas avoir genre du foin et de là par-dessus. Du coup, oh, puis ça continue. Mec, on fait quoi? Je sais pas, avance, fais un truc. Mais je peux pas, je suis bloqué, j'avance. Mais là, je sors de la parcelle. Désactive pas. Mais t'inquiète, vas-y, mais t'inquiète, ça va faire encore plus d'herbe. Mec, on va je vais dans la parcelle là. Mec, on va faire plein de rubanés, les gars, allez voir. Merci beaucoup, Pierre Alexis. Je suis dégoûté au salon à Tarbes. J'ai pas regardé tes stories Insta et je t'ai loupé alors que t'es passé juste à mon stand à l'entrée. Ah, désolé. Ah, je suis désolé. J'ai essayé de plus, je suis resté vraiment longtemps. Mais écoute, désolé à toi, mais. T'inquiète, on se verra un jour. Merci en tout cas pour ton don. Et merci Valentin d'avoir rejoint la Star Family. Et merci Mendez d'avoir fait un don de 5 balles. Salut à la team. Ben voilà, salut à toi, mec. Du coup, ça marche pas là? Ah non, ça a fini en créé. Non, c'est bon, c'est fini. Ah, y'a Zéro qui arrive par derrière. Merci Valentin d'avoir fait un don. Merci beaucoup. Enfin, d'avoir rejoint la famille, mec. On est 169 subs. Ça n'a jamais existé sur ma chaîne. On n'a jamais été autant d'abonnés. Les subs, c'est en haut, il y a le compteur en haut. C'est ouf, les gars. Merci à tous. Vous êtes 4500 encore à regarder ce stream de qualité ou alors, pas. Alors, ça, c'est pas. Fou. Désolé de faire un live de si mauvaise qualité à dire que merci et du coup rien dire. Mais voilà, merci à vous en tout cas. Merci Grégory qui fait un don de 1€. Par tes émotions. Merci à vous. je dis merci quoi, c'est quand même. Ah mais c'est cool. Comment on fait pour rejoindre la Star Family? T'as un bouton, justement t'as un bouton rejoindre en fait. T'as pour t'abonner, t'as un bouton s'abonner, t'as un bouton rejoindre. Du coup merci pour Grégory pour ton don. Donc voilà ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. Voilà c'est un abonnement. Enfin vous choisissez soit c'est 1€, soit c'est 4€. Enfin bref, on s'en fout, faites comme vous voulez, vous cliquez, vous voyez. Bah du coup Marlon a eu 3000 balles. C'est ouf. Hein. Voilà, merci en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Comment on récolte les peupliers? Merci qui? Merci à ceux qui ont fait des dons. J'ai pris une photo avec toi au salon. Il y avait Jérémy, Océane et Zero. Ah oui, d'accord, c'était à Paris. Bah ouais, c'était le samedi du coup, je me rappelle. Oh. Et je devais y aller le dimanche et les gens et le salon était annulé à cause du coronavirus. Voilà, merci à vous. J'avais tellement le seum et on a fait tellement le con dans la chambre que voilà, c'était assez marrant. C'est quoi toutes les serres les serres derrière la maison? Il y a juste deux serres. C'est juste des serres pour la thune quoi. Ouais, deux épisodes de retard. Bravo, tu es en retard. Non mais t'es gâté, c'est... Ah, je pense que j'ai pas entendu moi, mec. Je ne sais pas entendu. Il faut que les autres live El Matteo, j'ai pas compris. Mais d'accord. Comment on fait pour faire un don de 1000€? T'appuies sur le bouton de dollar quoi. Voilà, et tu mets ce que tu veux. Hop là, en tout cas, merci à vous. Voilà, c'est bon, j'ai le temps de respirer, ça s'est calmé là, ça y est. Ça y est, maintenant on reprend les choses normales. Je vais en donner le champ à côté au passage. Ah bon, faut pas que je sois. Ah attends, mais le problème c'est que ça va être mélangé, il y aura le foin qui va être mélangé. Merci Jojo, le portier 2€, merci à toi mec, merci à toi. Comment. Non mais. Encore. Attends, merci. Comment on fait un, du blé immature? Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Jojo d'avoir fait un don. C'est Jojo ou GG? Bon, ouais, merci en tout cas, ça fait grave plaisir. Et du blé mature, bah, tu dois. Et merci, ouais, c'est ça, Jojo, merci à toi. Tu dois. Tu prends du blé, tu le fais pousser à moitié, et après tu l'ensiles quoi. Non, tu le fauches. Et tu le fauches, c'est ça, je crois, il me semble. Ou alors, faut que le blé soit poussé à 100%, je sais plus trop exactement. J'ai pas le bouton rejoindre. Bah, si, pourtant, t'as. Bah, y a un bouton rejoindre en fait. Mais c'est pas grave au pire, c'est pas grave. Gardez vos sous. T'inquiète, merci à moi en tout cas. Stavo, t'as testé Belgique Profonde? J'ai testé, j'ai testé. Mais à date de Belgique Profonde, attends, mais les gars, c'est lui Belgique Profonde. Donc c'est quoi les serres derrière la maison? T'as vu apparemment la ferme Limousine, elle risque de sortir sur FS19, il y a un abonné qui me disait hier. Oh nice. Ça serait incroyable. Bah ouais, moi j'ai pas vraiment trop joué dessus moi cette map. Hein. Mais c'est la meilleure map que j'ai jamais vue sur le jeu, franchement. Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment, niveau détail. Tu vois, c'est vraiment le genre de map qu'il aurait fallu faire sur les 3 fermes. Ou sur LJE à l'époque. Prochain farming ou prochaine 3 fermes? Bon, mec, les Andins. Ah bah là, oui, complètement, je signe. Les Andins vont être énormes, mec, ici. Oh là là.
ODD, merci beaucoup à toi. Merci le fou du 53. Bienvenue dans la Star Family. Bienvenue beaucoup. Merci. Merci. Bah, pourquoi bienvenue beaucoup? Ça veut rien dire. Merci à toi en tout cas. Et salut Biscotte. Comment vas-tu? Comment ça va Biscotte? Refais un business tour. Bah ouais. Non, j'en ferai. Non, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je fais du farming. C'est tranquille. Mais en vrai, il y a plein de gens qui me demandent, mais Starvio, pourquoi tu fais. Enfin, des gens qui ne connaissent pas trop ma chaîne, qui savent que j'ai une chaîne YouTube, et qui disent à chaque fois, mais Starvio, pourquoi? Enfin, pourquoi? Déjà, pourquoi Starvio? Mais non, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi? What? Oula! Ouais. Attends, il y a un problème. Mon nom de Zener, il. Merci Gwendoline pour ton nom. Ça va bien toi? Ouais, ça va nickel. Attends, il y a mon. Pourquoi? Attends, mais. Attends. Quoi? Je le baisse. What? Attends, mais en fait, il s'est. Il voulait pas, il s'est babé à 100%, je comprends pas. Dans un Zener. Il y avait des toupies aux extrémités. Ah ouais, c'est bizarre. Faut appeler le mécano là parce que c'est chaud. Ah bah, on pourra le payer avec les dons. Et dans l'élite, était en train de la crise cardiaque vendredi. Ah ouais, bah en même temps, tu m'étonnes, mec, c'est normal. Hein. Enfin, nous on est. Enfin, moi je suis pas prêt quoi, genre je veux dire, t'imagines, t'as de la. Comme ça, oh. Bon. Lève et arrête. Non mais c'est bon, du coup, je vais baisser. C'était un bug. C'est qui les SAR à côté? Mais quel c'est là, bah, c'est nous. Bah oui, c'est nous, c'est à nous. De quoi vous parlez? Bah oui, c'est à nous. Voilà, merci. Bédan, n'hésitez pas à liker les gars, on est bientôt à 5000 likes. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Donc voilà, ça ferait grave plaisir. Et voilà, ça soutient. Sur Insta, on peut écrire. Par contre, mais, bonjour. Alors, ouais, bon. Oui. Ouais. Je pense dans le chat, les serres, je pense que c'est les nôtres qui demandent. Ah, hein, où ça? Il y a des serres. On a posé quelques serres. Ah ouais, attends, où ça? Attends, merci beaucoup, je veux voir. Epic Golf, à chaque live, c'est encore mieux, tu gères. Merci beaucoup. Bah, là où on est, là, actuellement. Là. Mon traiteur. Attends. Merci pour. Non, putain, mec. On est à côté de votre champ. Merci Anthony pour ton don. Merci à toi. Et merci Gégaro. Attends, deux secondes, mec, il faut que je dise merci au don. Merci Gégaro pour ton don de 10$ canadien, encore une fois. Et tu peux me rencontrer. Bah, écoute, bah, si tu viens du. Attends, si tu viens d'un dollar canadien, c'est que tu viens du Canada, donc ça va être compliqué. Mais oui, t'inquiète, je viendrai au Canada un jour, peut-être. Oh la vache! Oh Bastien, tu verras ce qu'ils ont fait. Mais où? Oh, ça déconne sec là! Ah oui! Où ça? Ah bah juste derrière chez nous! Oh la vache! Et les gars, ça rigole pas, c'est une sacrée entreprise! Attends, ah, bah oui. Je viens voir ça. Merci beaucoup, oh, FGravity82. Et vous êtes où en fait? Ah ouais! Vous êtes où? Alors là, mon gars, bah la chance 76 à côté du 56, l'autre côté. Ah, c'est là, attends, j'arrive. Je move le collègue. J'arrive! Bon, ouais! Wow. T'as what vu, mon gars? Mais t'as ah vu, ouais, mais là vous êtes chaud là! Ah ouais! Ah ouais! Oh les gars! Ah ouais! Oh, ah oui! Vous avez même pensé à un pot, ils ont même passé un pot de décoration ici. Bon, dans le 67, on fout 55 serres. Vous avez niqué le fossé, passage? Vous avez mis un chadouf? Ouais, en plus, il y a tout à la. Ah ouais, mec, c'est sympa par contre. Mais attends, mais ça, vous êtes au con que ça. Attends, mais ça, après, ça rapporte. Non, en vrai, c'est pas de la triche parce que ça rapporte pas beaucoup non plus. Pierrot, merci à toi Pierrot, bienvenue à Borom. Ben voilà, Borom, t'es un bienvenu de. Ben il est parti. Mais merci à toi Pierrot 33. Et bah attends, je vais lui dire. Attends, Borom. Oui. T'as un bonjour de Pierrot 33, voilà. Eh ben salut à toi. Voilà. Nickel. Voilà, c'est bon, je lui dis merci. Enfin, je lui dis bienvenue. Bon ben en vrai, t'as franchement ils ont bien fait. Il est en train de déblayer la route avec son Bobcat. Il est où? À côté de moi là, je suis prêt. Ça me tue. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je sais pas, mais il est trop drôle. Petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné, les gars. Oh non. Oups. Bah oui, oups. Oh non. Ah. Ah. Il a niqué son Bobcat. Merci beaucoup, alors, Edouard. Ça, c'est fou. Bienvenue à toi dans la Star Family. Ça fait grave plaisir. Oh là là. Fou. Oh là là, merci à toi Guy aussi pour ton. Mais mec, merci beaucoup Guy. Coucou, ça veut bon live. Merci à toi. Ça fait hyper plaisir. Et mais mec, Gégaro. Mais attends, mais. Gégaro. Attends, est-ce que vous voyez un petit peu les. Attends, ceux qui voient la redis, faut perdre ceux qui peuvent. Est-ce que vous voyez. Mais c'est ça tout le temps. Il y a tout le temps écrit des trucs, des dons partout. Du coup, attends, du coup merci à toi, mec, Gégaro. J'espère que je dis bien le pseudo. C'est à vous, je peux te rencontrer. Bah, du coup, oui. Oui. Au pire, les gars, ce qu'on fera, les gars, tout à l'heure. J'irai sur Discord et ceux qui voudront me parler, vous me parlerez. Voilà, comme ça, c'est même s'il y a des gens qui ont fait des dons ou non, vous pourrez venir me parler. Excellent.
j'essaierai de faire ça. Bon, je resterai pas trop longtemps, mais en vrai, je reste des fois bien une demi-heure et on attend de parler. Alors, des fois, je vous mute hein, parce que sinon, ça part trop en couille. Et... Enfin, voilà, le micro, il y a des micros qui partent de partout, que ça parle. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, tout le monde était mute et on démutait un par un pour voir. Ouais, mais c'était cool, il y en a qui venaient du Québec, il y en a qui venaient un peu partout. Du Québec, comment j'ai fait l'accent. Donc, non, mais c'était ouf. Tu vas sur la chaîne de Gaël des fois carrément. En vrai, mais moi j'aime trop. C'est... Alors, clairement, mes meilleurs youtubeurs agri. En vrai, vous le direz, hein, les gars. Si, vous le direz à Gaël. En vrai, mes meilleurs youtubeurs agri, ça reste Gaël. En vrai, en première position, je dirais Gaël quand même. Parce que j'aime. Avant, j'aimais bon, comme ça, mais je connaissais pas trop. Il y a Gaël, il y a Alex, il y a David. Alex Project Center aussi. Et c'est tout. J'aime que. Ah bah, Thierry, j'aime bien aussi, mais c'est. C'est pas pareil quoi, j'aime... Après les jeunes intelligents aussi, mais je regarde pas forcément. Mais voilà, c'est trop... Moi c'est Gaël que je préfère le plus. Et je... enfin, ils sont grave sympas tous quoi, donc... Je connais mais, pas du tout Gaël. Ben moi non plus. J'ai vu... J'ai juste rencontré David, mais vite fait au Simba, on s'est juste vu et dit bonjour de loin. Et après, et Alex, réacteur Vienne, que j'ai rencontré Océane. Comment ça Océane? Oui, Océane, mais c'est pas une réacteur, enfin... Océane c'est plus une pote qu'une youtubeuse quoi. Même si c'est. Oui, c'est vrai. Et Etienne. Etienne aussi, Etienne aussi. En fait tout le monde quoi. Ouais, je connais Etienne. Mais Etienne je regarde mais pas trop, un peu, mais voilà. Bah j'ai fini là. J'ai fait ça comme de la main. Merci beaucoup Matt pour ton don. Merci à toi. Tu mens. Et oui, j'ai laissé aussi. Mais je regarde en fait j'ai laissé aussi, mais je regarde. Oh le tas. Et attends si Bastien revient là, on fait quoi avec le tas? Ah tu veux que j'en aime le tas? Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme tu veux. Ah, j'en sais rien, moi, c'est parce qu'on tu connais pas la chaîne YouTube JLC 2000. Oui, je connais. Si alors, tu fais des petits andins. Bah, je vais essayer de passer dessus, mais ça va quand même faire un grand. Attendez, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Waouh! Oh, ouais. Wow. Attends, mais ça en fait disparaître, je crois, non? Oh non, attends, bah, je vais passer avec la presse alors, à la limite. Oh, ça va sortir vite avec la presse, non? Bah, on dirait qu'il y en a moins, non? Je sais non, pas. Ça l'étale, c'est tout. Ça doit l'étaler, je pense. Mais mec, non, ouais. ça s'enlève. Par contre, en fait. si je passe avec la presse, ça va faire quoi? Attends. Hop. Voilà. Hop là, vas-y, essaie de voir. Essaie de passer. Vas-y, ça va sortir vite, hein, regarde. Ouais, ça va. Oh, si, ça sort tout. ça sort tellement vite. Prends le magnéto. Ouais. Oh là là. Oh, je vais faire plusieurs alertes. Ouais, essaie de faire comme tu peux, ouais, de faire comme tu veux. Il y a d'autres chiens à en donner ou pas? Non, c'est tout. Faut juste maintenant que tu viennes avec l'enrubaneuse. Ah si, t'es pas. Y'a pas le champ là-haut là-bas? Derrière? Je sais pas du tout. Si, y'a du foin. Si bon, au pire, j'ai pas fait de double coupe. Ouais, mais au pire, c'est pas grave. Attends, mais je vais en donner plus tard. Je vais changer un peu d'activité là, je vais ramasser mes bottes. Ah non, faut enrubaner. Ah oui, il faut enrubaner. Bah oui, faut enrubaner. Oh, mais ça va être long à faire en vidéo, ça non, tu penses pas? Bah. Les gars, est-ce que j'enrubane ou je presse? Dites-moi en commentaire. Comme vous voulez. Sinon, Nico va enrubaner ou Nico finit de presser. À vous de décider dans les commentaires. Ah, sinon tu finis de presser. Merci, bienvenue à toi, Adriou. Bienvenue à toi dans la Star Family. Attends, on est combien? On est 173 subs. Ça n'a jamais été vu. Presse, ok, bah du coup, Nico. Vas-y, merci. Prends-la, tiens. Attends, mec, moi jamais. Ici, il restera des bottes pour enrubaner. Allez. Donc je viendrai avec l'enrubaneuse à direct. Oh, comment ça sort? Oh, ça sort bien. Je vais chercher ça. On va essayer de ramasser un petit peu ce qui reste. Ok, du coup, je presse. Bon, les gars, calmez-vous. Je presse. Du coup, est-ce que vous kiffez ces lives? Du coup, désolé d'avoir dit merci pendant 12 minutes, parce que. Enfin, d'avoir dit merci pendant 3 heures. Mais voilà. Incroyable. D'avoir fait que ça pendant le live, mais voilà, je dis merci quand même aux gens. Parce que ça avait plaisir. Et encore, mais attends, mais là, il n'y a pas. Attends, vous voyez pas, mais en gros, il y a la barre en haut. Membre, don. Il disait que ça. Merci à vous. Tes lives sont nickel. Ah, merci à vous en tout cas. Bah, j'essaie de faire le maximum, hein. Donc, là, justement, en plus, bah, les dons vont servir à acheter du matos. Voilà, parce que mon écran s'éteint là, ça m'énerve. Bon, après un câble ça vaut 2€, mais voilà. Bon, nickel, on va presser ça. Comme un nouveau stream deck, du coup. Bah, du coup, mon stream deck il va partir chez Nico et moi je vais acheter le stream deck XL un peu plus gros. Comme ça, je pourrais faire encore plus de bruitage et ça va être bien. Et Pandeur a fini. Ah oui! Bah, avec la rubanée qu'on va vendre, on essaiera de s'en acheter un nouveau. Quoique, il va falloir d'abord le vider, donc il va falloir qu'on aille prendre un petit peu d'abord. Mais voilà. Et le tournesol, il a fini le champ ou pas? Faut aller checker le tournesol aussi, je sais pas où c'est qu'on en est de ça. Hein. Je sais pas du tout. Ah oui, j'ai oublié la petite 5000 likes. On a 5000 pouces bleus. Merci à vous d'avoir liké. Merci, bienvenue. Et voilà tout quoi. Alors le problème, c'est que je pense qu'on va pas pouvoir presser. Ah ouais, mais attends, je vais vider ma presse. Sinon, ça va faire des bottes. Ça va faire pas de l'herbe. Lait, oui, le lait. Attendez, le problème, c'est que comment. Est-ce que je peux presser dans le champ du voisin? Je crois pas que je vais pouvoir le faire.
On va dire je suis seul. Ah là ouais, comment on fait? Oh non. Il faut qu'il m'octroie les droits, je crois. Même pas, ça fonctionne pas ça. T'as changé de micro? Non. Je suis toujours le même. Non, c'est juste que t'as plus la mousse au bout. J'ai plus la mousse. La mousse. Bon bah c'est pas grave. Comment on fait pour récupérer par contre là? Parce que Nico il va y... pas Nico mais il va passer un coup de charrue, ça va disparaître quoi. Ouais, bon. Pourquoi les gens disent le lait? Il y a du lait à vendre. Mais oui, il y a du lait à vendre. Ah ouais, merci Guy pour ton don. Et du coup, bonsoir à toute la team et go PLS. Non, en vrai, ça va. Salut Guy. En vrai, PLS, bon, ça va. En vrai, j'étais juste choqué d'avoir tout ça. J'étais en mode, oh, calmez-vous. Mais ça. Ouais, en vrai, du coup, prochain achat, épandeur à fumier, gros pulvé. Peut-être changer de benne, mais ça suffit quoi. On la remplit même pas à fond à 100%, donc ça suffit. Hein, pas la peine d'avoir une autre benne. Bah en vrai des serres, je sais pas si on peut en faire. Il y a deux veines en plus donc ça. Mais toutes les serres qu'ils ont mis, oh là là, ils s'en foutent. Ah ouais, ça me... je suis jaloux. Bah ouais mais... Non en vrai ce qu'on peut faire, on va essayer peut-être mettre des panneaux solaires. Oui, genre 4 ou 5 panneaux solaires les amis. Comme ça, ça nous rapporte quand même pas mal d'argent. Non après on va pas forcément perdre des panneaux, pas forcément des serres, il y a quoi qui rapporte de l'argent sur la partie? Et qui est pas cheaté non plus mais... Des rabbits. Des rabbits? Non mais pas des rabbits mais... Attends je regarde. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Salut Alex, bah justement, allez, je parlais de toi Alex. Plus de sous. Ils ont plus de sous. C'est aux yens, cabane. Pourquoi ils ont plus de sous? Ils ont acheté quoi encore eux? What? Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont moins 34 000 euros. 34 euros. Attends, merci à toi, il y a eu un don de 5 euros. Attends, il va passer je pense. Tu veux un don? Allez go Jérém. Merci Clément pour ton câble d'ordinateur. Merci à toi. Merci à toi. Il y a un truc d'abeille? Non, c'est un truc de lapin. Ah ouais, des ruches. Ah ouais, des ruches. Des ruches, bah ouais, des bon, du coup, merci pour ton don, Nicolas, il me semble. Nicolas, je sais pas. Oui, c'est ça, du coup, merci à toi pour tes 5 euros. T'inquiète, ça va pouvoir acheter un nouveau câble ordi. Un nouveau câble, bah après, c'est bon. Eh, t'as vu qu'il y avait. Ah, c'est 120 000 par contre. Il y a une centrale solaire qui rapporte 420 euros de l'heure. Après, ça devient cheaté, non? Enfin, je sais pas. Ouais, mais 420 euros de l'heure, ça va encore. Greenhouse. Ça prend combien, les gars, est-ce que vous savez à quoi ça sert ça? Bio Milk Buying Station. C'est pour acheter du lait bio. Ou peut-être vendre du lait bio, peut-être. Du coup, on le vendrait plus cher, peut-être, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut vendre le lait plus cher avec ça? Je sais pas du tout comment ça marche. Après, qu'est-ce qu'il rapporte? Des mini panneaux solaires. Ouais. Il y a une ruche. Ouais, mais c'est 16 euros de l'heure, c'est vraiment nul. 125 euros, ceux-là? Mais mec, en fait, ils vont se faire tellement de thunes. 125 euros, une serre. T'en fous 10, mec, c'était bon, hein. Ah ouais, et l'éolienne, à 1000 euros par heure l'éolienne. Ah mais ils vont être tellement bien. Oh là là. Et ça rapporte combien ça? 15 euros, 20 euros, ouais c'est pas beaucoup. Et par jour ils sont 70 000 euros. Ouais mais par jour, le mec il est juste avancé. Ça brasse du fric. Hein. Oh là là. Oui tu le vends plus cher. Ah c'est ça du coup. Ah ouais. Ouais, mais des ruches, non mais les ruches ça rapporte pas, ça rapporte vraiment pas. Nous ça nous arrange. Ils ont dit quoi? Ça nous arrange car? Je sais pas, ils voulaient faire un don. Ma chaîne secondaire c'est Star Wars 3.0 les gars. Ouais, Jérémy va être payé du coup. Mec, les bots, j'ai pas le jeu, ça fera toujours rien ça. Joue à Fortnite. Alors, non. Si en vrai, sur Fortnite, je peux faire que les blind tests. Ça, c'est le seul truc que j'aime sur Fortnite. Parce que le jeu de base, nul. Ah, moi, il me passionne pas. Je préfère après, si on pouvait faire des blind tests en farming. Mais mec, ça serait trop bien de faire des blind tests en farming. Oh, mec, les gars. Mais tu veux faire un blind test comment? Bah, mec, il fait une map. Avec genre, je sais pas moi, j'en sais rien moi, des murs ou j'en sais rien. Plus t'avances, t'as un son et tu vas ben comme dans Fortnite, tu vas à droite pour un son, tu vas à gauche pour l'autre son. Et si tu perds, la trappe, il y a une trappe qui s'ouvre, j'en sais rien, ou t'es bloqué, ou j'en sais rien. Wow. Oh mec, les gars, faut trouver ça. Les gars, mec, un blind test dans Farming serait tellement bien. Je vais faire des vidéos de tous les jours, mec. Nouveau blind test qui est sorti, c'est parti. Non, bref, ça serait marrant. Bon, du coup, j'ai fini de presser, je crois. Il me reste quelques bouts à des endroits. Je suis en train de finir l'enrubané, tu pourras venir le chercher d'ailleurs. Ouais, comme ça on pourra aller le vendre. Aïe. Ouais, grave. De toute façon, je vais faire l'enrubané dans les peu de bottes qu'il y a là-bas. Ouais. C'est quand tu changes le tracteur? Je ne sais pas. T'as fini l'herbe? Vu que je fais. Vu qu'il reste encore du foin dans la presse. Non, il y en a encore là, mec, il y a encore un énorme tas là. Et dans le champ, oui, mais je vais pas le ramasser vu qu'il est chez Jérémy. Donc j'ai pas l'espace. Ah ouais, mais non. Ah bah si, on octroie les droits. Ouais, mais ça change pas le terrain. On peut utiliser leur matériel, mais pour le terrain ça marche pas. Genre là, ça marche pas. Ça veut dire que limite il faudrait qu'il nous le. Parce que là, du coup, il va se faire qu'il pousse avec la lame. Ouais. Ah si, avec la lame, ça peut. Ah oui, avec une lame, ça peut fonctionner, je pense.
Mais on a une lame. Je vais aller le voir, je vais lui demander. Je vais lui demander. Ouais. Pour les oublis qu'il y a, c'est pas très gênant, les gars. On ramassera le reste plus tard. Bon, voilà, du coup. Attends, père, je vais laisser le tracteur là pour justement vous presser, comme ça on aura de quoi faire. Je vais laisser ça ici. Je vais récupérer le plateau. Le plateau, on va le choper avec quoi? Ah, elle est pleine, la moissonneuse. Oh non. Le petit Ford, au travail. On va récupérer. Ah, mais on a la... Ah, oui, on a. Attends, les gars, on a la Le Butch et on a la Gilibert. Donc, en fait, on a déjà deux bennes. Ça suffit largement. Oui, moi je pensais qu'on avait qu'une benne en fait, mais pas du tout. Pas du tout, les gars. Bon, en tout cas, merci, vous êtes encore très nombreux, c'est ouf. Merci d'être là. Faut que tu rachètes la serre à oignon chaque nuit, 19h, 6h. Ah. 100 000 euros par nuit. Toutes les 30 secondes. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, la serre à oignon. C'est quoi ça, la serre à oignon? Oh, mec, moi t'as acheté une serre à oignon. C'est où ça? Alors, ça, c'est concombre. Pardon. Alors, il y a du concombre, oignon. Lettuce, stevie, non, cauliflower, melon, salade. C'est où la serre à oignon? C'est quoi ça? Tomato? Non. Il n'y a pas de serre à oignon. Dans décoration? Non, c'est pas là. Dans quoi c'est, les gars? Vous savez dans quoi c'est, ce qui rapporte de la thune? Dans cabane, ferme? Non, je sais pas où c'est. Oh, c'est ça. Je sais pas, c'est ceux qui savent où c'est qu'il y en a. Dites-moi. Je peux faire un Monopoly. Non, en vrai, ce soir, je fais juste live. Je fais un live de. Là, on a 1h30 de live, je vais encore faire 1h, je pense. Bon, ça fera 2h30 de live. Comme ça, on sera nickel. Ah! Ah! Ça bug. Par contre, mais attends, mais c'est ouf, ils ont acheté le champ, ils ont fait allez, go en place et on se barre. Oh là là, les fous. C'est de quoi? Mais mec, leur serre, c'est énorme en vrai. Ah, ils sont 150 euros par serre apparemment. Ouais, c'est ça. 150 euros par serre, donc ça va rapporter tellement d'argent. C'est oui. Ouf! C'est quand tu changes le tracteur? Pour l'instant, je change pas. Hein. Pour l'instant, les amis, on reste. Merci Guy, merci beaucoup. Bravo pour tes 200 000 abonnés et n'oublie pas le lait. Ouais, t'inquiète pas. Merci à toi pour ton nom Guy, pour tes 6 euros. Merci. Va voir le tournesol au fait. J'y suis là justement, je vais vider la moissonneuse du calais plein. Ah. Donc voilà. Ah. Puis l'arbre ramasse. Merci pour vos dons. Mec, ça, c'est ouf. Je vais reprendre tout à l'heure. Un don. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Du coup, on va vider. Hein. On va vider. Je vais prendre le petit plateau avec le. Lui, hein. C'est lui qui a le plateau. Tu vas chercher l'enrubané ribané? Ouais, j'arrive. Du coup, je ramène le foin d'abord. Ah, d'accord. Ouais, le foin, tu ramasses d'abord le foin? Ouais, après l'enrubané. D'accord, ouais, très bien. De toute façon, Jérémy, il arrive à pousser le tas. Ah, nice, ok. Puis moi, je finis les bottes là. Il y a des bottes d'enrubané dans le foin en fait. Ouais, ok. Voilà. Bienvenue à Tomel. Bienvenue à toi dans la Ster Family Premium. On a 174 subs. C'est ouf. Après, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut pas se désabonner non plus. Les gens se s'abonnent, mais ils restent abonnés un mois, puis après ils se désabonnent. Du coup, non. Il faut se réabonner. Comme ça, vous êtes abonné tout le temps, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les subs, vous avez des badges qui se mettent au fur et à mesure des mois. Du coup, si vous désabonnez, vous ne pourrez pas upgrader niveau des badges, ça repart à zéro. Enfin, non, ça repart pas à zéro, mais du coup, ça, quand vous reprenez, ça s'arrête, quoi. Du coup, n'hésitez pas à. Ne pas. Vous avez compris. Allô? Salut! Ouais, salut. Yo. Salut. Du coup, Esther, t'as vu les achats un peu de Jérémy? Non. Oui, on a vu. Ah oui, les serres, ouais. T'en penses quoi des 6 serres? C'est cool. C'est pas cheaté, tu trouves? Mec, vous avez acheté des éoliennes et tout. Une éolienne? Non, on a pas cheaté ça, on a pas acheté. On a gagné, c'est toi qui as choisi. Mais tu trouves pas que c'est. Parce que les clapas lapins, c'est combien qu'on peut en avoir du coup max maintenant? C'était 2 à la base. Ah non, là, quand le lapin, on bouge pas. Les capes à lapin, on fait. Parce que les serres, il faut travailler pour avoir de l'argent. Les capes à lapin, tu l'achètes et ça vaut de la thune direct. D'accord, ok. J'avais un petit doute, d'accord. Et t'as vu la presse qu'on a acheté? Non. On a acheté une presse quadrant, la classe. Ok. Mais par contre, on a moins 18 euros. Non, on a moins 130 euros, je crois. Là, vous avez pas un prêt à la banque? Non. Ah. Il va falloir faire des travail là parce que l'argent, il. Mais c'est l'argent, 75 000 euros à l'heure. Combien? 75 000 euros à l'heure, donc c'est bon. Ah ouais. La journée, pardon. Mais non, c'est que on a acheté la presse, mais le problème, on a plus de sous. D'accord. Alors comment on fait pour mes bottes là, les amis? Il s'éclate, Borom. Punaise, il est vraiment dans son monde là. Borom, il fait quoi? il est en train d'alimenter ses petites serres, tranquille. Ah, Jérémy. Je vais ramener mon foin, je reviendrai pour chercher le reste. Attends, ce qui est cheaté, c'est de ramasser des bottes comme ça. Oui, c'est c'est vrai. Ouais, mais bon, voilà quoi. Du coup, on n'était pas. En fait, je parlais de toi, Alex. Je disais que t'étais un youtubeur nul. Non, j'rigole. Non, en vrai, je disais que c'était sympa. J'ai dit que t'étais mon meilleur youtubeur. Non, je dis le meilleur, c'était Gaël.
Ça se fait pas. Non, en vrai, Gaël, je l'aime bien. Et après, il y a toi. Enfin, j'ai pas envie de mettre une liste non plus, quoi. Mais en vrai, je vous aime tous, quoi. D'ailleurs, j'ai regardé ta vidéo ce matin. Non, pas ce matin. C'était quand tu mettais de l'engrais. Bah, si, c'est ça. C'est ce matin, je crois, la vidéo. Je crois que c'était ce matin. Oh non, il y a de l'air, il y a du foin là. Ah ah. Bon, bref, du coup, là, je l'ai montré à mon père. Il a fait, bah, dis donc, il avance. C'est bon. Tu vas quoi plus tard? Bah, je sais pas. Pour l'instant, je fais YouTube et après, on verra. Peut-être que YouTube. Après, je serai animateur chez Energy. Voilà, go chez Energy. Stavio, j'ai une question. Ouais. Est-ce que si c'est possible, est-ce que par exemple, si un jour on a encore plus d'argent, est-ce que c'est possible de racheter une éolienne ou on est bridé aussi en éolienne? Ah non, une éolienne, mec. Si on achète avec notre argent. Non. Merci beaucoup, Damien, pour tes 20 balles. Bonsoir, Stavio, je kiffe tes vidéos et tous tes lives. Bonsoir à toute l'équipe de la team. Bah, bienvenue à toi, Damien. Et ben salut à toi et merci pour tes 20 balles en tout cas. Et du coup les panneaux solaires c'est bridé à combien aussi? Bah on mec non mais attends mais commencez pas à vouloir acheter mec le jeu c'est de l'agricole hein, on n'est pas là pour être une usine hein. Ah mais oui non mais tu m'as compris mais c'est que vu qu'on a avec Jérémy je crois que maintenant il va faire 60 000 euros la journée toi avec les serres tout ça. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire. C'est que les panneaux solaires sont pardon les deux on en a un gros nous là. On peut en acheter c'est deux max les panneaux solaires on va dire. Des gros comme vous avez? Ouais, on dit c'est 2 max, comme les clapets. Alors on dit c'est 2 max. Ok, d'accord. Et bien, bien, merci. Ok, donc ça veut dire tout de suite qu'on va s'en acheter un nouveau. Merci beaucoup pour ton don, Aurélie. Merci beaucoup. J'ai loupé un don, par contre, je suis désolé. J'ai pas vu du tout, c'était un petit don, mais même en tout cas, bah, bref, ça peut être gros, désolé. Merci beaucoup, Aurélie. Salut, Star Wars, je t'adore et je m'appelle Swan, j'ai 10 ans. Bah, merci à toi. Bah, du coup, par contre, on sait jamais, mais ne fais pas de don et le compte de tes parents, ça serait sympa. Il y a marqué Aurélie, j'espère que ta mère est au courant. Voilà, au cas où. S'il te plaît. Non, mais vraiment, fais pas des doigts et les comptes aux parents parce que vraiment, ça se fait tellement pas et j'ai pas. Non, non. Merci Mathis, super télé, continue comme ça. Merci beaucoup Mathis pour tes 1€. Merci à toi. Attends, du coup, hein, bah, du coup les gars, on en met un. Go panneau solaire, on en met un deuxième. On en met un deuxième là. Voilà, regardez-moi ça. Bienvenue Erwan dans la Star Family. On est à 175. En vrai, en réalité, on n'est pas à 175 parce qu'en fait, j'ai pas remis le compteur à jour. On est en réalité, les amis, à combien de subs? Je pense qu'on est à 170 subs, peut-être. Non, peut-être pas, quand même. On est pile à 170 subs, les gars. À pile, les gars. Donc, il y a 5 subs qui sont faux, parce que, bah, du coup, les gens se désabonnent. Les gens se désabonnent, mais du coup, bah... Attendez, comment on décharge ça? Mais, du coup, ça, le compteur ne fait que faire plus. Enfin, tu vois, il ajoute, il enlève pas. Voilà, donc là, c'est bon. Nickel. Et Erwan qui du coup a modifié son truc en Star Family Plus. Merci à toi Erwan. Merci beaucoup, merci à toi. Allez go, du coup on est parti. Bah du coup direction je vais chercher l'enribané Nico du coup. Ouais, dans l'eau il y aura une botte de paille et une botte de foin. Mais tu t'en fous, tu iras tout vendre. D'accord. Moi, je vais penser à un truc. Je vais venir avec la sous-soleuse. Vu que l'argent tombe à flot, est-ce que le 25 et le 24, enfin le 25 ou le 24 on pourrait pas se l'acheter plus tard? Ou le 30. Moi, de toute façon, je te dirai jamais non pour acheter des parcelles. Hein. Ouais. Moi, je suis vraiment dans l'optique du t'achètes plus de parcelles et bah plus tu produis en fait, c'est plus tu gagnes. Donc, Mais le truc d'acheter, enfin le truc qu'ils ont fait là, acheter panneaux solaires, acheter serre, bon quelques-unes ça va, mais faut pas en acheter qu'à 50. Quoi, parce après, j'ai plus d'intérêt de jouer. Enfin, je trouve. Bah le truc c'est que s'ils font rien et qu'ils sont milliardaires, oui, ils peuvent, hein, parce que bon, le jeu est conçu pour. Mais bon, le but c'est quand même d'avoir des défis et de travailler pour avoir l'argent. Mais après ils ont raison, mais pas trop, faut pas, enfin dire, en vrai ils ont mis beaucoup de serre là, faut pas mettre trop non plus quoi. Nous on en a mis deux pour faire style. Après t'as plus la passion de jouer, tu gagnes de l'argent sans rien faire. Donc parce que là Zero actuellement vraiment ce qu'ils veulent c'est juste avoir de l'argent en avançant le temps quoi, ils veulent juste ça en fait. Mais faut pas quoi. Du coup voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, si j'ai raison ou pas, mais le but c'est que là et même si on a un plateau d'autolode et qu'on va vite, on travaille quoi. Fait pas juste aller, on place des trucs, on fait tant fois 120 et hop, l'argent tombe. Ah, attends, avant de prendre celle-là, faut que je la rubane encore. Il y en a encore une que je dois rubane. Et après, Tony, là où il y a de l'autre côté. Prends la botte de foin parce que ça sert à rien. Ah bah merde. Ah. Bah non, mais c'est pas grave, tu la fous. Ah bon, ça va poser problème. Ouais, ça va être mélangé, j'ai envie de faire des tas qui sont pas mélangés. Ouais, j'ai raison. Ah, tu veux la garder, l'enrubanée, tu veux pas la vendre? Attends, Dylan disait, faut pire, pas que ça coûte moins de 2000 euros. L'enrubanée, la première. Je sais pas, mais au pire, c'est pas grave, si je veux la vendre, ça vendra plus une botte de foin, c'est pas. Oui, c'est pour ça. Regarde le commentaire de tiens. Baptiste. Merde, je peux. Vas-y. Allez, nice. T'as fini du coup? Ouais, c'est bon là. Bah, est-ce qu'on peut attaquer de faire. Ouais. Bah, non, mais du coup, bah, mettons ce champ, va falloir qu'on le fasse un coup de lisier. Bah, non, de toute façon, il faudrait. Au pire, ce qu'on fait,
un qui est au lisier, un qui est au fumier, en épant dans le gros champ là, tout ce champ là, en épant au max. Attends, avant je devais labourer vite fait. Mais même s'il n'est pas labouré, c'est pas grave, c'est. Parce qu'au pire on met du lisier et on laboure après. Bah je croyais que justement fallait que tu fasses de labour avant de mettre du lisier, non? Ah bah ok. Bah les gars, attends, il laboure et on met du lisier, ou alors on met du lisier et il laboure. Ah, je sais pas, parce que tu laboures, ça va pas. Enfin, je suis pas sûr. Bah on s'en fout, c'est. Enfin, non, ça, bah, ça s'enlève pas en tout cas. Enfin, ce que tu mets ne s'enlève pas, ça c'est certain. Lisier et labour. Lisier, labour. 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 Don. Labour avant le lisier, tu vois. Il y a un don, désolé si j'ai loupé. Oh non. Lisier, labour. Lisier, labour. Labour après labour, lisier. Labour. Non, il y a beaucoup de lisier, labour. Hein. Il y a beaucoup de lisier, labour. Bah ouais, je vois plus de labour, lisier. Bah pas moi. Oh, pff, comme tu veux, vas-y. Bah du coup attends, mais par contre on fait dans toute parcelle hein. Donc ça veut dire que toi tu prends les pendeurs à fumier, moi je prends les pendeurs à lisier et on est go. Ok. Ouais. Ou au contraire, peu importe hein, c'est comme tu veux. Non, bah, je vais chercher les pendeurs à fumier. S'il faut faire du fumier, on en fera. Au pire les pendeurs à fumier faut le vider et dès qu'il est vide faudra le changer. Mais on le changera en vidéo, je préfère. Ça aurait été bien. Il est petit hein, moi je le trouve. Ouais il est petit, ouais il est petit. Même le soit lisier hein, il est petit hein. Lisier et labour, ouais c'est ça, lisier et labour. Il est plein là. Ouais. Ouais, bah vas-y, je te laisse. Enfin, il y en a qui disent lisier, mais lisier ou pas lisier, on s'en fout. Hein. C'est farming, c'est pareil. Est-ce qu'il est désactivé? Turn on off. Voilà, comme ça, parce que sinon ça va choper mes bots qui sont dans le bâtiment à côté. Ça serait un peu bête. Voilà. Bah, Y. Hop là. Tu vas mettre fumier plus lisier dans la parcelle. Bah. Ouais. D'accord. Bah, non, mais que du lisier. Mais pour être à deux, faire plus vite, cumuler fumier. Ah, oui, donc... d'accord. Il faut faire, oui, on fait tout, on fait toute la parcelle, tout. Eh bah c'est bon, là je suis parti. Eh bah c'est parti. Ça épand vraiment pas large, hein, putain. Ah ouais? Ah ouais, le fumier c'est une cata. Ah mais il faut le changer alors. Oh là là, c'est quoi cette cuve là qui vient, la Borom? Une cuve? Oh là là là. Ils ont dû acheter une cuve à eau énorme, j'en suis sûr. Oh, voilà. Mais alors mon gars. Ah non, il avait déjà cette cuve, il avait déjà. Alors cuve à eau énorme, ouais, il avait déjà. Mais même. Oui, je vais. Elle est énorme quand même. Je vais devoir nettoyer mon tracteur et nettoyer ma cuve à lisier aussi parce qu'elle est dégueulasse. Ouais, il y a pas de la chaux à mettre au passage aussi? Tant qu'à faire. Attendez. Je sais pas. Ah, mais mec, il va falloir labourer le 32, 33, 56, 67, 67. Ouais, bah avec la sous-soleuse, ça va aller vite là. Il y a le. Attends, qui a besoin de chaux? Le 33 a besoin de chaux et le 58. Est-ce que j'irai pas mettre un peu de. Ouais, bon. Ouais, bah je vais attendre. Déjà, je vais mettre ça. Et après on sera bon les gars. Merci en tout cas d'être encore nombreux, d'être encore 4200 à regarder ce que je fais, c'est ouf. Et merci à tous, voilà. Merci. Du coup, je sais pas au courant, mais est-ce que du coup tu as fait un don avec le compte de ta mère sans casser au courant ou quoi? Au cas où, je demande. On va éviter. Hop. Salut Gégaro, merci pour tes 2 dollars canadiens. Bah je le dis parce que ouais, mon fils il vous a donné de l'argent, vous avez pas honte? Oui, non, hein. Arrêtez. Non mais j'ai déjà reçu des trucs comme ça, genre en mode redonnez l'argent, sinon j'ai porté plainte. J'étais en mode rendez l'argent aux abonnés. Enfin les dons super chat, je peux pas redonner l'argent. Enfin, ça, là, quand le don super chat, je peux pas faire de. Enfin les gens ne peuvent pas le récupérer en fait, ils peuvent pas annuler leur truc parce que c'est comme ça. Oh mec c'est en ça va beaucoup mieux là. Ah ouais mec c'est en. Et mec mon écran il fait encore que se couper, c'est pas possible ça. Vraiment j'espère que c'est le câble qui déconne parce que là voilà. Ça serait chaud. Bah si c'est le câble ça va. Mais enfin c'est ça, oui. Attends, est-ce que du coup ça fait double là? Ah ouais, ça doit faire double là de fertilisation. Ah mais c'est déjà fertilisé celui-là. Oh j'en ai partout. Ah attends mais ça va être double fertilisation là ça veut dire. Attends mais t'es où là Nico? Bah, je suis en train de remplir mon épandeur, ça se vide vite. Hein. Ah ouais déjà, ouais. Ah bah ouais, c'est une cata, hein. Je fais un aller-retour, c'est bon, il est vide. Ah ouais, d'accord. Je regarde en cachette, c'est pas bien. Pas trop bien, en cachette, c'est bon, t'as pas école devant. Tranquille. Life tomatoes, ça fait crade. Oui, bah je le laverai quand il sera terminé, quoi. On va pas le laver pour le refoutre de la merde dessus. Et oui. Bah du coup, ne repasse pas sur ce que je suis passé. Même si c'est pas à 100%, c'est pas grave, on passera un coup de pulvée une fois terminé. Ouais, t'inquiète pas. Juste manière de bah, que le champ soit déjà. Ouais, il y a déjà tout ça quoi. Il t'a posé une question avec son don, 3 vents que tu lui réponds pas. Oh merde. Qui ça? Oh non. J'aime pas ne pas répondre aux gens. Comment on fait Discord? C'est arrivé. Oh désolé Gégaro, merci à toi pour ton don. Merci. Comment on rejoint Discord? Enfin, pour aller sur Discord, bah tu me rejoins.
Et si tu veux me parler, bah, c'est que quand j'y suis. Donc bah, j'y suis pas tout le temps, mais j'essaie d'y être au maximum. Donc voilà. Bon, ni comme toi. Le Discord est en description hein, si vous voulez. Le 78, vous voulez qu'on achète? Allez, go acheter le 78 maintenant. Attendez, 78, c'est lequel celui-là? C'est lequel, 78? Mais non, ah non! Ah oui, le 78, il faut aussi. Bah, 78, on l'a déjà? Non, non, le 78, c'est bon. Hein. Il est nickel. Ouais. Non, le 78, c'est bon. Oh, bon, si on achète le 76 à côté d'eux, ça les enclave, ça serait trop drôle. Ils pourraient pas s'agrandir, eux. Ouais, j'avoue. Viens, on fait ça, mec. Lequel, le 76? Oh, celui qui est à côté d'eux. Comme ça, en plus. On pourra acheter le 77 après, ça pourrait faire une grosse parcelle. Mais en plus, il y a une petite parcelle. Merde. Il y a une petite parcelle plus, d'herbe à côté. Pas... Tu vois pas? Elle a combien? Elle est à 26 000, mec. C'est tellement pas cher. C'est. 26 000. Oh, ouais, après, mais après ils vont agrandir dans la parcelle au-dessus, entre la 75 et celle qu'il a. Bon, c'est vite ça. Ah ouais. Du coup, le 25, attends, regardez le 25. Je sais pas. Parce que j'ai peur qu'ils investissent après, tu sais, c'est surtout ils vont. Non, mais mec, non, ils vont pas. Attends, je vais leur dire directement qu'ils ont pas le droit de mettre plus de serre sans ça devient trop JD. Comme ça. Allô? Bah, oui. Ciel. Oui. Vous mettez pas plus de serre, Borom et Jérémy? Non. Il y en a bien assez de 6. Non, okay. Parce qu'après, ça devient trop JD. Hein. Oui, non, mais on savait, on ne pouvait pas en mettre plus. D'accord. Nickel. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète. Puis là, je vais voir 12 serres qui vont apparaître. Non, t'inquiète. Attends, du coup, le 25. 3 éoliennes chez Zero, bim. Le 25, on n'a pas assez d'argent. Ah, si, on a assez d'argent. Ouais, après, on a quand même la moissonneuse qui est adéquate. Mais ça fait beaucoup quand même. On a les deux batteuses. Ouais, c'est vrai. Le 25 serait sympa. Tu fais du soja, tu te remets bien. T'as fini ou pas de... Ah non, pas du tout. Oula, non. Et tu sais que t'es pas en plus large que moi, donc voilà. Non. Si. Le 76. Attendez, regardez, mais c'est ce que vous m'en dites. Là. 76, c'est lequel celui-là? Bah, en vrai, je sais pas quelle est l'utilité. Parce que non, pour autre, on l'agrandit pas parce qu'il y a un fossé en plein milieu, donc on peut pas. Le 76, on peut se l'acheter, mais. Après, le but, c'est d'avoir quand même le plus de champs possible. Hein. C'est vrai que le but de la série, c'est que c'est d'avoir le plus de propriétés. Ça sera la fin de la série va être comme ça, quoi. Même si je n'ai pas envie que ce soit la fin parce que j'ai pas envie d'arrêter cette série. Mais. Le 25. Mais pourquoi le 25? Il est nul, non? Le 25? Bah non, les gens veulent que j'achète le 25. Ah. Mais on va y faire quoi dedans? Attends, non, le 25, c'est... Ah non, mais c'est celui-là. Ah, d'accord, celui-là, ouais. Le 25. Mais le 25 et le 24, t'as qu'à faire. Hein. Comme ça, on aura les deux... Ah ouais, on aura les plus gros champs de la map en train. Ça va être... Ah, je fais des oublis. Ça va être bien, ça. Non, mais on, les achats, on les fera en... En vidéo, les gars, les gros achats. Bon, les pendeurs, on pourrait le changer. Quoi, on peut le faire. Non, on fera plus tard. Là, on travaille pour l'instant. En vidéo, on fera des achats. En vidéo, du coup, on pourra acheter un gros champ. Bah, de toute façon, ça va nous faire de l'argent. Parce que déjà, tout sera. Il y aura de la moisson à faire. Hein. Dans tous les cas, il y aura que de la moisson à faire, je pense, dans la prochaine vidéo. Je pense, parce que c'est mieux hein, d'avoir de la grosse moisson à faire. Le tournesol sera terminé, donc ce sera nickel. Le 70, le 76, le 103. Mec, ça baisse trop vite dans le pendeur à fumier, c'est un enfer. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ah bah, tu pourrais mettre le mode, tu peux choisir combien tu vas mettre dedans, ça serait sympa. Il est trop petit, hein. Ah ouais. Bah ouais. C'est la vie. Le lait. Eh oui, le lait. Et le lait. On va gagner de l'argent avec le lait. Mais mec, ce qu'il a, cet écran, il s'éteint, il sera lui. Bah non, arrêtez. J'en ai con cassé. Non, c'est le câble, mais pourtant, je crois que c'est à cause de moi parce que je l'ai touché cet après-midi. J'ai fait du nettoyage, j'ai fait j'ai poussé l'écran. Mais bon, voilà, c'est la vie. Du coup, tu fais la partie? Ouais, tu fais la partie. Bon, moi, je finis celle-là. Oui. T'aurais pas mis Laura prêter ce plan à Pichou? Non, mais vous êtes sérieux, là? Alors là, allez, ces mecs, là, bien vous faire. Alors là, mec. Ouais, j'avoue, mais alors toi, mon gars. On a acheté une tronçonneuse. T'as qu'à vendre, tu vois, une botte t'as de qu'à vendre tes cheveux là. Hein okay, mais t'en as rubané, mec, t'en as rubané. Ah non? Mais non, mais t'inquiète. Ah non, des moutons qui rapportent, donc voilà. Mais c'est pour ça que je rigole, mais là, la semaine prochaine, c'est bon, ça faut juste avancer le temps, c'est tout. Bon, mais c'est X-Girl. T'as envie de faire autre chose, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit, Zero? T'es en vidéo? Rien. Non, j'ai dit, Nico, il est en vidéo, il fait. Ah oui, il fait. Non. Zero. Je peux te terminer. Non, la tienne c'est lui, pardon. Oh, on va se calmer. Zero. Tu t'appelles quoi?
Moins 323 euros, gars. Oh là là, c'est quoi ce désastre là? Et après, ça insulte les mers. L'éolienne est en train de s'effondrer là, c'est normal. Il m'a insulté. Non, je rigole. Ah, c'est laissé de monter dessus. Pourquoi coupe au bol? Mais Nico, il se passe quoi avec toi là? Mais je sais pas, tout le monde m'appelle comme ça là, c'est quoi? Ouais. Attends, il y a des mecs qui m'ont envoyé 5000 euros, c'est qui m'a envoyé 5000 euros? C'est vous? Ah non. Ah non. Ah bah, j'ai gagné 5000€. On est pas assez généreux, nous. Ah bah, ouais, je comprends. Ouais. Bah oui. Mais pourquoi ils disent tous coupe au bol, ça se fait pas? Mais arrête, mec! Mais arrêtez. Lui, c'est vraiment le pire. Je ne sais pas. Bon, alors, faites des achats en vidéo, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Et Pandora, t'as combien d'argent, Ster? 330 000. Ouais, t'es riche. Chacun son tour? 15 mètres. Oh, y'a lui, mec. Oh, mais mec, lui. Y'a lui. 15 000, 18 000, 24 mètres? Oh mec. De quoi? 24 mètres celui-là. Attends, celui qu'on a, c'est lequel celui qu'on a? Et Pandora fumier? Ouais, c'est le Sodimac. Non, c'est lequel qu'on a? Non, c'est lui. Il dépense sur 15 mètres celui qu'on peut acheter. Il dépense sur 24 mètres. Ah ouais, ce serait bien. Et il fait après il fait que 18 000. Ah ouais, il fait 18 000 par contre, il est pas très gros. Mais il dépense vachement large par contre. Oh. Ah ouais, attendez, les chevaux. Attends, on va regarder. Le pichon, non, le pichon il dépense pas sur 24 mètres, c'est. Non. Il faut un truc qui est hyper large avec une grosse capacité. T'as fait tout le lisier ou pas? Comment ça? Bah, je suis dans le dépendeur là, je vais finir ce que j'ai à faire et après on va être. Bah, tu veux commencer à labourer, je pense. Hein. Commencer à labourer. Ah ouais. Vas-y, passe alors. Un coup de sous-soleuse, comme ça on sera bon. Yes. Les dépendeurs, je vais. Soit il y en a en mode des sympas et je vais essayer d'en prendre. Verse toi les 50 000 euros. Mais les gars, non, les 50 000 euros, c'est qu'on atteint le million. On est encore les seuls à pas avoir atteint le million, les gars. Donc voilà. En vrai, les achats, j'avoue qu'on... Un jour, mais... Voilà, un jour. Au pire, on gagne que 50 000 euros. Donc, je veux dire, même si on atteint dans 10 épisodes, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, voilà. Les chevaux. Moi, j'avoue, 50 000 euros, c'est un plateau dans Ubané. Les chevaux. Bien, mais quoi. Les chevaux, comment ça? Qu'est-ce qu'ils sont, les chevaux? Les chevaux, ils font leur vie, quoi, non? Je sais pas. Enfin, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez avec les chevaux? Il reste juste ça à épandre. Bah, nickel. Fais plus d'achats en live. Bah, ouais. Le but, oui. C'est marqué on avance. Non, mais oui, c'est vrai que c'est mieux de voir des achats en live. Alors, attends, et déjà, on est où là pour reprendre? Je sais pas si classe il va tirer. Ouais. Ah, oui, là, ce soleil, il tirera. Ouais, si. Merci beaucoup, Rémi. Achète le gros épandeur, vu vos champs. Ouais, mais le problème, c'est qu'il épande pas large. Donc, après, on aura une grosse capacité. Mais ça va pas épandre large. Tu parles de lui là? Le brochard. Le brochard, il est pas que sur 15 mètres, hein, donc c'est pas ouf. Hein. Ok, je vais prendre le New Holland pour la sous-soleuse. Ouais, il galère. Ah ouais, de ouf. En même temps, ça monte. Je suis attends, il y a un don. Oh, mais j'ai pas vu 5 km. Attendez. Rémi Thibauda. Achète le gros épandeur. Ah, non, attends. Oui, c'est ça. J'ai pas vu le don, les gars, je suis désolé. C'est quoi le don du coup? Oui, le gros épandeur, oui, c'est ça. Ah. Il y a plusieurs dons, ouais. Bah du coup merci à pour vos dons les gars, je suis désolé si j'ai déjà oublié des fois. Mais faut que je laisse que les alertes durent plus longtemps, sinon ça, les petits dons en fait ils partent direct. On peut pas les regarder. Attends bah du coup un épandeur, j'ai pas quoi prendre moi. Après on prend il y a encore un plein l'autre épandeur, hein. Faut finir de l'épandre. Ouais, pour le vendre comme ça. Bah je le vendrai en vidéo. Hein. En vidéo on le vendra. Hop là, voilà, bah du coup on a terminé. Bon il reste un bout encore, là mais... Y a encore la Fiat Agri à voir aussi. Ouais, attends, bah, je vais vider mon épandeur dans le champ 67. Hein. C'est pas grave, je vais juste le vider. Comme ça, je passe un coup de Karcher et on sera bon. Après, il faut épandre dans tout. En fait, le but serait d'épandre dans tous les champs. C'est vrai que ça, c'est le mieux. Bah ouais, c'est vrai qu'il faut épandre dans tous les champs. Après, c'est vrai que si on achète un nouveau, au pire, les gars, on va s'en acheter un nouveau. Hein. Je pense, les gars, c'est ce qu'on va faire. Mais le mieux, c'est lisier ou fumier. Parce que le fumier, faut le charger. Le lisier, tu fais R, ça se remplit quoi. Donc, est-ce qu'en épandeur à lisier, il n'y a pas des hyper larges? Des gros trucs qui balancent là partout en l'air là. Ah, y'a que des enfouisseurs. Oh non. 30 mètres! Ah ouais, mec! Bah, mec, on prend lui! Un 30 mètres là. 14. 9 mètres. Mec, y'a un 30 mètres qui est nickel, hein. Un 30 mètres, bon, après il vaut 200 000 euros, pas de frais. Mais. Ah ouais, mec! Mais c'est du lisier, mais ça peut être pas mal, franchement, les gars. Après, il est énorme, hein. L'épandeur, ouais, par contre, ça, si on achète ce truc, ça sera vraiment en vidéo, les gars. 165 000 euros, t'en fous 30 000, ça dépend sur 30 mètres. T'étais trop bien là avec ça.
Oh non, ça vide par terre. Oh non. Non, mais j'achète pas maintenant. Mais par contre, en vrai, ouais. Raid. On se fait raid. Par DG2. Bah, bienvenue. Bah, merci pour ton raid, en tout cas. Merci à toi. Raid DG2. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. DG2 Damien, j'ai vu un truc comme ça. Raid DG2. Attends, on va aller voir qui c'est. On va aller voir qui c'est. Qui c'est que cette personne-là. Attendez, on va regarder qui me raid. Je vais quand même regarder qui me raid, quand même. Alors, DG2. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, mais c'est quoi en fait? Damien Gaming. Gaming. Ah, c'est Damien Gaming 24 officiel. Alors, regardez ça. DG2. Ah. C'est lui? Est-ce qu'il me regarde? Oui, Red Starview. Enfin, les gars, on va les faire plaisir. Les gars, dans le chat, les gars, allez tous écrire ça son live Starview ou alors quelque chose. Vas-y, go les gars. On répond le Red, vous allez voir, on va répondre Red. On est chaud quand même. On est chaud. Ils sont chauds. Nous aussi, on est chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Son chat va partir en couille, mec. Nico, ça va, mec? Ça voilà, là on dit re, voilà. Agriculteur 60, salut Nathan. Salut. Oh, attendez, les gars, j'ai du mal à lire. Salut. Ah, bah, ça arrête, tiens pas tout, tiens pas tout lire. Agriculteur 23. Ah, bah, t'arrêtes ça, veut le stream? Salut, non, non, non. Sarah, salut le fermeur du salut, 42. Sarah. Oh, 48 personnes. Oh, non, Sarah. 161. Ma team, on est 100, ah, on est en fait il m'arrête et je lui réponds, mais du coup il est fou. Salut, salut Léo, salut Bastien, salut Alex. Il est pas prêt, je crois. Salut, il est pas au courant qu'on le raid, oh, il croit qu'on attends, est. Attends. Je suis pas bien, frère. Attends, on va faire... Merci Starvio, merci. De rien, mec. Auto. De rien, merci pour ton raid. Oh putain. Comme toi, comme toi. Je suis pas bien, frère. D'accord, frère. Attendez. Voilà. Bon bah désolé, okay. J'enlève à finir. Bah, non, voilà, c'était un petit raid bien sympa. Bon, on ira raid à la fin hein, si vous voulez. Du coup, on est de retour parce qu'on est là pour faire du farming. On ira raid, oui. On ira raid des gens à la fin, les gars. Vous irez, on essaiera de voir. Oh, quand j'ai eu un coup de lag là. Oh ah ouais. Ah ouais. Oh non, j'ai labouré le chemin. Non, non. Au pire, on s'en fout du chemin, non. Non, t'as pas labouré. Non, attends, mec. Qu'est-ce que t'as fait? Ah mec. T'as labouré le chemin. T'es où? Je suis là, mais j'ai eu un coup de lag. Bah non, ça va, t'as pas... Non, c'est bon. Bon, un peu quand ah même. Ouais, ah oui, d'accord. Wow, au pire, on s'en fout, comme ça, il est prendre... Ah bah si, si, faut le laisser, parce que sinon, il va enrouler dans notre champ. Si, il laisse le chemin, mec. Ah, je suis dans la merde. Bah, je vais ressemer en herbe, comme ça, on... Ça refera plus de chemin. Non, mais laisse le chemin, après, il y aura pas de chemin, ça... Non, mais personne m'en fout, attends. Attends. Fais normal, je vais remettre un petit peu d'herbe pour faire style que, genre, on a pas oublié. Oui. Il y a plus de chemin. Peinture. Mettre un petit peu d'herbe là, ça fera plaisir. Oh, je laboure toute la parcelle, mec. Hein. Bon, on va faire des rendements de malade là-dedans. Ah, t'es chaud, toi. Ouais, j'avoue. Oh, je vais en sortir des quintaux là-dedans. Vas-y, allez en avant. Allez-moi ça, je répare tes conneries maintenant. Ça va. Voilà. Bon, bah, il faudra écrire. Voilà, c'est la vie. Merci beaucoup, Gégaro. Comment rejoindre ton Discord, Stavo? Il y a un lien en description. Tu cliques dessus et puis ça se connecte directement. Borom, ils ont fait un achat là? Je sais pas, ils ont fait un achat. Ah, ouais, il y a une éolienne. Non, je rigole, t'sais. Mec, t'as fait peur, j'ai fait vraiment. J'ai fait une syncope. Ah, j'ai fait le claquer là. Il y a un parc éolien là. Arrête tes conneries. Il y a mon écran qui reclaque, c'est magnifique. Par contre, du coup, on va faire quoi là? Le lisier, c'est fini. Y a quoi à faire là? Bah, si, il va falloir faire quoi là? Attends, je suis... Ah, si, le lait. J'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié le lait, les gars. T'es quand sur Discord? Putain, calme-toi. Pas encore. Calmez-vous, bah du coup encore moins. Non mais à la fin du live je reviendrai, je reste dessus. Mais on est pas à la fin les gars, on est à combien de temps là? On a 1h58, on va essayer de continuer encore une bonne petite demi-heure, au moins quand même. Ah, oui. Ah non, j'ai de l'eau. Ah, j'ai de l'eau, faut la vider. Damien 24, il a les larmes aux yeux. Tu lui as tellement fait plaisir. Ah ouais? Oh, attends, je vais le voir. Il s'attendait pas que j'allais le revoir. Bah attends, mais autant, je vais le revoir. Un petit bout de chou. Comment il dit ça? Mais il chale pas là. Oh, il pleure! Non! Vous voyez pas, mais j'ai les larmes là qui coulent. Mec, il pleure! Oh non! Je me souviens pas du lien. En plus, on habite pas loin, Starvio et moi. Non! GG Damien, merci la communauté, on t'a aidé tout. Merci. Ah, mais... Oh non! Damien, mettez des cœurs dans le chat! Je vais pleurer. Mais oui, frère, mais j'ai. Merde. Un jour, on m'a dit t'arriveras à rien dans ta vie, et là je vois oh non, c'est trop touchant. Qu'il y a des gens qui sont bien,
Je mettais les gars des cœurs dans ça, des cœurs. Mettez plein de cœurs. Je sais pas quoi dire en fait. Oh non. Oh c'est trop touchant. Abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Ah, j'ai des musiques qui. Les gars, des cœurs dans le chat. Attends, je remets le lien de sa chaîne. Allez sur son live, vous mettez des cœurs. Mais pas ici, sur son live à lui. Non, je rigole. Oh là là. Oh non, mec, Mibiki pleure à mort. Merci la communauté. Ah, c'est ça, farming, les gars. C'est farming, ça. Ça crée des liens, c'est carrément cool. Mais combien d'abonnés? Il a 1590 abonnés. Il est trop con. Ah, il est trop chiant. Actuellement sur son live. Les gars, mec, on est avec toi. Ah oui. Les gars, je veux que des messages positifs. Abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Que des messages positifs. Les 2000 abonnés. En plus, ouais, ça serait sympa. Ah, ça serait incroyable. Starvio, on habite pas loin en plus. Bah, viens chez moi. Merci Starvio d'être abonné. Non, mais c'est ouf. On habite pas loin, poteau. Autre. 300 personnes. Oh, ça nous est 300. Ouais, ah oui, je t'ai ramené un peu de monde, c'est vrai. Ouais, c'est 300 personnes sont en live. En fait, je me range les. Abonnez-vous, les gars, faites lui péter les 2000 abonnés. En vrai, ça serait bien qu'ils montent un niveau abonné. Ça serait incroyable en vrai. Attends, on n'est pas fini farming. 1,75. En vrai, les gars, les 3000, ça peut arriver. Hein. Les 2000 abonnés. Les 2000, pardon. Attendez, les gars, faut mettre le compteur. Oh là, il va être trop content. Attendez, les gars, mais c'est mettre le compteur de sa chaîne. Je vais aller voir la chaîne de le fermer. Ah, c'est génial. Les gars, vous abonnez à sa chaîne, je veux qu'il vraiment qu'il. Ah, zéro. Je veux qu'il monte à. Merci, Kian. Au 2000 quoi, ça serait cool, ça lui ferait plaisir, je pense. Par contre, pourquoi ça s'affiche pas? Putain, ça chiant ça. Damien Gaming 24 officiel. Attendez, ça bug. C'est incroyable. C'est ouf. Ça bug, ça, mais. Fait, ouais. 1,76. Allez, on s'abonne. 1,84 encore... les gars, faut vraiment 1,84, ouais. 2000 abonnés. Allez, go, 2000. J'en mets le lien. Je vous remets le lien de sa chaîne, vous vous abonnez, les gars, vraiment. Allez, let's go. 1,89. Tu peux me faire passer les 3000 abonnés. Oh, les gars, je suis là en vrai. Non, je fais pas des pubs comme ça, mais lui, ça. Voilà, c'est touchant là. Oh, c'est méga cool. On m'a toujours dévalorisé. 1,95. Encore 50 abonnés, les gars. Allez, 50 abonnés, on y est. En plus, il. Oh, 1,99. Merci, courage. Oh, 2000. Je pense qu'il y a 2000. Je pense qu'il y a 2000. Super le. Ouais, c'est bon, il y a 2010 même. Allez, GG 2000, mec. GG 2000. GG 2000 dans le chat. Allez, mon gars, GG. Vous inquiétez pas, on revient sur farming, les gars, mais juste parce que voilà. Mec, il pleure et tout. De quoi un K9? On n'est pas un K9, si? Non, non, 2000. Un K9, les gars. Oh là là. 2012, mec, il a plus de 2000 abonnés. 2120. Il est trop content. On est au 2K. On est au 2K. Il y a 2000 personnes qui me regardent. Actuellement, 4000. Merci. Non, il y a 200 personnes qui se regardent. Oui, et plus mon live qui retransmet son live, bah. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a 2100 personnes. 2140 personnes qui me regardent. C'est incroyable. GG. Tu vois, attends, je vois juste ce qu'il fait sur sa chaîne, voir un petit peu. Bah, il fait du farming. Tracteur télécommandé. Mais non, il fait ça. Je pense qu'il fait du farming, mais sur console. Parce que c'est des live console. Ouais, c'est des live console ça. Ah, c'est ouf, les gars. C'est incroyable. Cure tes moutons, aucun rapport. Faudrait qu'on se voit un jour. Ah, c'est touchant. Pour que je te Fortnite, venez parler. En vrai, je pense qu'il faut qu'il leur donner sa confiance en soi. Parce Il a déjà 2200. Ah, c'est ouf. Bon, voilà, mec, je te laisse. En vrai, à la fin de mon live, je reviendrai te voir, je pense. Merci. Donc voilà, GG à toi. Puis on remercie Farming, les gars. Allez, à tout à l'heure, mec. Tout à l'heure, Damien. À toute, mec. Allez, let's go, on reprend Farming. Regardez-moi comment c'est beau ce jeu. Bon, maintenant, les chevaux. Tu les mets en PLS. Bah, en fait, je voulais pas. En fait, il est venu me raid. Du coup, bah, je suis revenu pour lui répondre en mode tiens, c'est qui le papa ici? Non, en vrai, pour lui faire plaisir quoi. Et bah, il a pleuré. Puis du coup, je suis revenu le voir. Et du coup, bah voilà, on s'abonne quoi. Incroyable cette réaction. C'est ouf. Allez, on remplit la baignoire. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton don de 20 balles. Merci beaucoup, mec. Merci à vous vraiment. Ça fait plaisir pour tous vos dons. Il s'affiche pas, mais voilà, merci à vous. Allô? Oui. Oui. C'est bon, on a remonté le négatif. Vous avez combien? Il est temps, wesh. 22 000 euros, allez! Merci pour ton nom, merci beaucoup pour ton nom. Zero, il a été fait le trotteur. Non, Non, en fait, le soja, on aurait dû faire du soja comme j'avais vendu 2 tonnes de soja, 6 000 euros, je crois, la benne. Ah, 2 tonnes de soja dans un. Ah, quand même, ouais. Bah, ça vaut le coup. Après, il faut pas le dire, mais j'ai planté de la bûche chez Jérémy. Oh, il passe en l'air, il est malade. Oh mince, c'est vrai! C'est. Ah, des melons, d'accord. Oui, des melons, des concombres. Ah, les melons, Attends, les gens, ils vont croire des trucs, arrête.
Heureusement que ça n'existe pas dans Farming, mais voilà. Coucou non, à mec, c'est pas possible. Mais tu sais qu'il y avait un mod qui est sorti, il y avait Malo qui avait fait une vidéo. Et il s'était fait ban de YouTube. Tu parles des melons? Non, il avait fait une vidéo sur. Voilà. Mais évitez de le dire parce que quand on dit ça après YouTube il dit non. Enfin tu vois donc non. Ah bon? Il dit non maintenant. En fait là actuellement si je dis genre Covid quelque chose, ben ma chaîne elle va être moins référencée. Genre, le robot dit tout ce que tu dis. Bon, vu que je parle vite, il comprend pas. Ah, mais mec, c'est vrai, non, mais je rigole pas. Hein. Non, si pendant... ça marchait que pour les insultes que ça. Nous quand tu parles de. Mais en fait, le robot YouTube, tu sais, il y a la traduction automatique. C'est compliqué quand même. Du coup, bah YouTube détecte tout ce que tu dis, il le détecte. Donc, bah voilà. Du coup, bah bref, vous avez compris. Bon, maintenant, on va enlever parce qu'on n'est pas là pour chier dans la moule. Non, dans la semoule. De quoi? De quoi? T'as dit qu'il y a un gros mot, ta chaîne. Et d'où il sort ça? Mais moi, je sors pas dans la semoule, de se tromper. Oui, bah oui, il y a une syllabe qui va passer. La team Roddy, ils diront non, c'est pas ça que t'as dit. Ah oui, team Roddy dans les commentaires. En plus, il y en a plein. Team Rediff, t'as dit quoi Starview à 1h05 1h05 à 1h05 et 10 secondes, t'as dit quoi? Chier dans là. Ah les gars, s'il vous plaît, mettez ceux qui regardent la rediffusion, les gars. Mettez le timecode, comme ça je cliquerai pour regarder et ça me fera rire. Voilà. Allez, ça charge, Loli, allez, let's go. C'est ah là là, les gros mots, excusez-moi les gars. Starview aux parents. Voilà, c'est Starview aux parents, voilà. Et voilà. Encore un mot. Bonsoir ceux qui en arrivent. Non, t'inquiète, ma mère est au courant. Que l'insulte? Ah. De quoi? Non, pour le don, je pense. Ah, ah oui, d'accord. Ok, Aurélie, d'accord. Non, mais au cas où. Okay. D'accord. Bah, dis-lui merci parce que c'est gentil quand même qu'elle a accepté. Je pense pas Aurélie, c'est Swan. Swan. Bravo. Merci. si, il y a le bout de bois à les vendre. 600 euros de salaire. Mais il s'est passé quoi, là? Bah non, mais moi, j'ai gagné. Ah non, moi, c'est... Bah, moi aussi. Mais en fait, avec les... Bah, c'est tes ouvriers, Bastien. C'est là, ça doit être les ouvriers. Mais il n'y a pas d'ouvriers. C'est à moi, bah, non, je sais. Mais mec, c'est pas la moissonneuse qui galère là? Elle en est où la batteuse? Bah, elle a fini pourtant. Elle est peut-être bloquée? Bah, elle a fini. Non, elle s'est éteinte. Mais mec, attends, c'était quoi 600 euros là? Bah, moi aussi j'ai des 600 euros. Rapporte beaucoup. Vous inquiétez pas, à la fin du live on prend les chevaux les gars. Mais moi aussi j'ai eu moins 605 euros. Ah ouais? Peut-être c'est le coût de la propriété de quelque chose, on sait rien. Ah non, mais moi ça, c'est fou. J'ai perdu 600 euros mais j'ai gagné 3000. Ah, excuse-nous. Hein. Il est en larmes le pauvre. On ira peut-être le revoir après. Arrête, on ira raid après. Hein. On ira raid après les gars. De qui en larmes? En fait, j'ai raid un gars. Raid. En fait, non, ah, le mec est venu gars me... raid. Le mec est venu me raid. Et du coup, je suis revenu le raid. Du coup, bah, il a pleuré. Et après, je suis revenu sur son live. Et parce qu'Alex m'a dit, ah, le gars, il pleure et tout. Je suis revenu, je lui ai fait passer 2000 abonnés. Et à ce qui paraît, il repleure. Voilà. Ouais. Fou de ma vie. Hein. Ah, voilà. Attends, par contre, c'est chaud quand même de pleurer, quoi. Oh, moi j'ai eu mes 2000 abos, ouais cool, les couilles. Oh pardon, mais non, mais pas c'est les... Non en vrai moi j'ai pas... Non, en vrai j'ai pleuré pour rien moi. En vrai j'ai... Merci à toi, bienvenue à toi les fous pain marche. En vrai mes amis, vous vous rendez compte, tous les subs qu'on a sur cette chaîne c'est énorme. Oh là là, merci à vous. Mais quoi? Mais mec, je dis merci. Plein d'avoine, plein d'avoine. D'accord. Non mais t'as pas compris? Non. Plein d'avoine, mais tu sais pas du quoi après? Plein de... Plein de flouze. Oui, bah moi je dis abonne. D'accord. Achète un épandeur à fumier car plus de fumier. Ne t'inquiète, prochaine vidéo, épandeur à fumier, nouvelle cube à lisier, la plus grosse du jeu qu'on va prendre. Ça va y aller, ça va y aller. Red ni. Hein? Oh d'accord. Bon en tout cas, n'hésitez pas à faire péter les... En vrai les gars, est-ce que ceux qui sont là, je pense qu'il y a sur les 4000 personnes, il y en a forcément 500 qui n'ont pas laissé leur pouce bleu. Si vraiment ça vous plaît, ce petit live bien sympa, n'hésitez pas parce que j'aimerais qu'on arrive aux 6000 likes en vrai, voilà. Pour si jamais vous passez un agréable moment, non, en vrai, n'hésitez pas à lâcher le like. En vrai, ça fait plaisir. Allez, non, j'attends que ça monte. Ah bah non, mais c'est en fait, c'est buggé. On a 5700 likes en fait, mais ça affiche que 5006. Ouais, 5008. Non, 5008. Ouais, en fait, ça le compteur il déconne en fait. Pourquoi il y a un ribanos par terre là que j'ai shooté d'ailleurs. Il est à 2024 abonnés. Ah, nice, c'est nice. Bah, du coup, de 2240 plutôt. Bon, le compteur est bugué, mais on est actuellement à 5900 likes, donc on a pris 400 likes en 2 secondes. C'est nickel. Attends, récupérer la benne. Bah oui. Ah non, j'ai oublié le tournesol. Bon, il y a un peu de tournesol qui reste là. Mais voilà. Hey, coucou Starview, salut à toi. Salut à toi, mec. 4000. Oui, on est 4000. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est moi aussi. 6000 likes, merci. Non, pas encore. Pas encore, bientôt.
Ah si, 5971. On y est bientôt, 6000. Ah, ça fait voilà. Du bien de se mettre. Ouais, ça lag là, il se passait quoi? What? Ouais. Ah non, c'est moi. Ah si, ça lag. Quand je regarde vers chez moi. Ah ouais, c'est bizarre. 6000 likes. Merci, ça y est, on est aux 6000. Waouh, yes. Yes, yes, yes. 6000 petits pouces bleus. Ça fait plaisir. Voilà. 6000. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire qu'il y a au moins 6000 personnes qui sont passées sur ce stream ce soir. C'est fou. C'est fou. 6000 personnes. Ah non, 6053 personnes. Oui, bien sûr. Mais elle voit plus, même s'il y en a qui like pas. Il y en a qui viennent, il faut. Oh, c'est nul, ils repartent. Attendez, les gars, je vais revoir le bonhomme. C'est pas un jour à arriver. Au... Déjà, les 1K, c'était dur, mais là, frère. Oh. Frère. Je promets. Eh frère, je suis à 2000. Non, je... Comment vous préférez quoi, les gars? beaucoup de farming. Écoute, Zeng. Ça va. Oh, c'est ouf. Il y a encore 80 personnes sur live. Bon, on reviendra après le voir. On reviendra après le voir. Alors, on ferme ça. Bah, du coup, la batteuse, on va la ranger. Parce qu'actuellement, bah, prochain truc, ça va être du soja. On a dit à faire que du soja. Comment s'enlever du membre dans. Bah, tu cliques, je pense, sur le truc rejoindre. Bah, du coup, normalement, quand t'es membre, il y a marqué avantage. Et du coup, tu cliques et tu fais genre annuler. Il doit avoir marqué un truc genre annuler l'avantage ou un truc comme ça. C'est, tu peux l'annuler. En gros, tu peux. Ce que les gens font souvent, ils se sub et puis à la seconde où ils ont sub, bah, ils annulent. Bah, du coup, c'est nul, ça sert à rien, mais ils le font. Voilà. Elle est pas vide. Oh non, mais. Ah oui, j'avoue. Mais pourquoi je n'ai pas. Mais. Oh là là. Mais ouais, tu peux. La batteuse. Bah oui, en fait, elle est pas vide. Je pensais l'avoir vidée, mais je l'ai pas vidée. Ah. Ah. Mais pourquoi j'ai pas vidé? C'est vrai que je l'avais vidé, ça a bugué en fait. Le lait! Mais oui, le lait! T'as pas vidé, mais je sais. Tu pourrais m'aider, j'ai un gros problème de volant. Ah! Ah! Moi je fais du labourage. Vas-y, non, tu mets un coup de sous-solage. Du sous-solage-âge. Ah! 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 Ça lag! Ça lag! Pourquoi je lag autant là? On a les gars, deux secondes, ça lag. Pourquoi ça vide pas surtout? On démarre ta box. Bientôt un roleplay. Il se pourrait que. Hein? Un roleplay, il se pourrait que. Non. Voilà. Non. Non, pas de roleplay. Nico, il a eu peur. Quoi, un roleplay, sérieux? Oh, tu m'as. Ouais, arrête, tu m'as fait trop peur. Hein, parce que... Dis ma phrase, dis ma phrase. Ouais, tu voulais un roleplay? T'es malade, toi, Bernard. Mes chers compatriotes. Pardon. C'est ça qui est toujours LSC. C'est quoi? T'es malade, toi, Bernard. Bernard. Et tu sors tout le temps ça, lui. Oh, que fait ma cube ici? Il y a une cube à lisier. Ah oui, mais c'est moi. Mais attends, faut que je la ramène. Et mon écran qui est toujours est en train de déglinguer là, il sait pas ce qu'il fait. Oh, Mysterio, change ton matériel. Je vais d'abord passer un coup de Karcher surtout parce qu'il est. Change ta box. Oh, coup de Karcher sur l'écran. Bon, heureusement qu'on va prendre des pendeurs à fumier parce qu'il est. Je l'ai pété. Clairement, il est mort. Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, bonsoir ceux qui arrivent, un passage. Bonsoir à vous. Bienvenue mes chers. Allez hop, 40 000 euros. Je pense que quand quelqu'un va rejoindre la chaîne, ça va être. Quand quelqu'un rejoint la chaîne, ça va faire. On va tous mourir! Voilà. Non, je sais pas, faut faire un truc marrant. Mais le truc qui gueule de loin là, tu t'appelles comment? Quand un mec se sub, ça fait. Quoi? Comme ça. Mais c'est bien fort pour bien indiquer les oreilles. Non, t'es en train de jouer et puis tout d'un coup t'entends. Alors, du coup, les amis, ce qu'on va faire. Quoi? Hein, quoi? Non, je sais pas. Trop bien ta vidéo, merci. Mais non, non, tu. C'est marrant. Non. Pourquoi? Mec, t'imagines le nombre de fois que. Alors là, on va monter aux 500 subs en 10 minutes. Hein. Ça va faire. Ça va faire que. Les gens vont se sub, ça va faire que ça. Je participe. Mais non, mais en vrai, par contre, n'hésitez pas à ceux qui veulent se sub en vrai. Voilà, ça se quoi, Jérémy? Et vous êtes, on va dire, abonné plus plus. Il est en train de s'occuper de CSR, le maraîcher. Je suis en live. Ah ouais, je fais un petit coup de carton dans la cabine. Hop. Bon, nos serfs, je viens d'y penser, mais nos serfs, il faut peut-être qu'on s'en occupe aussi, Nico. Il est parti. Ah. Ça la pique, moi. Voilà, ramenez-moi ce tracteur. Il a jamais été aussi propre. Ça brille comme mille feux. On va ranger ça maintenant à l'abri. Et, ah, mais voilà, voilà. Mais forcément, qui laisse ça en plein milieu? Et ça aussi, il faut nettoyer. Il y a l'air, ce qui est dégueulasse. Oh là là. Mais Nico, attends, mais Nico va la bourrer tout le champ, là. Il est sérieux? Avec la petite sous-solace toute petite. Nous sommes en guerre. Je viens d'arriver. Jérémy est revenu. Attends, mais qu'est-ce. Attends, voilà. Marling va revenir. Qu'est-ce que vous dites là? Jérémy est revenu. Il est revenu d'où? Ouh là là. Il y en a qui ont loupé des épisodes. Ah bah, j'ai pas compris tout non plus, mais ouais. D'accord. Damien parle de toi. Bah, j'irai le voir après, t'inquiète.
En même temps, tout le monde parle. Oh la météorite. Non, ça c'est oh, pas la météorite, ça, est forte. Hein. Ah la montgolfière. Ah mais le meule. Mais oh là là. Attends, la Mongolie, quoi. La Mongolie. La Russie. Ah t'es mongol. Non, j'ai c'est marrant de se montrer. Arrête, on devient fou. C'est mongolien. Hein ça va, c'est on devient mongol qui te ramène. Bon, ça, ça y est. Ce qu'on va aller faire, déjà on va le dépanneur à fumer, on va le remettre à sa place. Le lait, mais oui, le lait. Le lait, c'était quel créateur qui devait. Allez, qui devait vendre le lait. C'est le classe. Attends, on va regarder parce que là. Attends, déjà on va laisser ça là, le lait. Ok, le lait, c'est parti. En avant, 18 000 de lait. T'as vu le commentaire ça, de qui? T'as pris de melon ou quoi? Oui, maintenant je veux que des émoticônes melon ou pastèque, s'il vous plaît, merci. Enfin, un truc qui est rond en fait, peu importe. Tout ce qui est rond, vous mettez dans le chat, c'est parti. Elle essaie une chaîne, non. Enfin oui, non. Mais non. Ouais, non, t'as pas de chaîne. Non. Ah si, mais avant... Oui, mais tu fais rien dessus, quoi. Ouais, voilà. Voilà. C'est quoi ton TikTok? C'est Starview officiel. Voilà, voilà, ceux qui voient la rediffusion, il y a quoi? Il y a des pommes, il y a des pastèques. Voilà, change ton ancileuse. Non, en vrai, pour l'instant... Oula. En vrai, on peut la changer. Oh, ça spam, ça fait bugger mon ordi, le fait de spammer. Merci, hein, merci. Il y en a qui a carrément mis des sacs de dollars, carrément. Il a tout compris. Il a dit quoi? Il a mis quoi? Il a mis des sacs de dollars, un peu des gros. Ouais, t'as raison. Voilà, du coup, stop parce que mon PC il bug. Allez, 18 000 de lait, je sais pas comment ça va faire. J'ai pas regardé si le prix du lait était élevé, par contre, du tout. Mais bon, ravi de te savoir. Let's go. En vrai, tu es zéro là. Ouais, le prix bouffe, hein. Ah, le prix doit être dégueu là. Oh là là. De quoi? 1300. Ah non. Non, rien. Oh mec, tout est bleu, tout est fertilisé, ça fait plaisir ça. Oh yes. Sauf le 58 et le 67 et le 69. Ah ouais. Ah ouais. Il faudrait fertiliser le 69. Ah ouais, le 69. Ah ouais, faut le fertiliser là, les gars. Nico, tu fais quoi là? Mais je suis en train de labourer. Encore? Attends. Bah ouais, il y a la parcelle, t'as vu? Tu laboures là? Bah oui. Et un bug, hein. Pourquoi? Parce que ça dit doit être labouré. Ah non, j'ai rien dit. Ouais, dis rien. Oh non, ça fait. J'ai cru que c'était un bug. Non, mais je crois que t'avais fait la moitié du champ et que c'était encore en mode tout doit être labouré. 24 000 de lait de plus, allez, ça c'est magnifique. Non, allez, j'ai fait les deux petits champs, ils sont labourés. Et là, je m'attaque à la grande comme ça. Ouais. En vrai, mec, le champ là, oh mec, viens, on prend celui-là, ce champ. Lequel? Ça nous ferait un peu de route, ça ferait stylé, je pense. Le. Vas-y, lequel? Le 50. Le 50. Ah, mais le prochain, c'est quoi que tu dois acheter? Ah non, c'est... ouais, mec, le 50. Ah, ouais, bon, mec, le 50, il me donnerait trop envie. Il est où le 50? Mec, en vrai, c'est trop bien parce qu'en fait, t'as en bas. Ah, ouais, le 50, c'est à côté de la COP, c'est nickel ça. En plus, et ça ferait ça nous fera grandir un peu. Ah, ouais, mec, ça serait. Franchement, les gars, le 50, le 50 ouais. Me plairait bien parce que le 25, c'est vrai qu'il est sympa, mais ça nous ferait aller un petit peu chez les voisins. Non, mais ça nous ferait changer un peu d'emplacement et ça serait pas mal du tout, je pense. Le 50, moi il me plaît bien. Je pense que c'est le prochain champ qu'on va s'acheter. En plus, il faut le moissonner. Achète le 25. Non, le 25 plus tard. En vrai, le 25, en tout cas, je pense qu'on va être les seuls à l'acheter parce que bah, c'est le seul champ qui est près de chez nous. Donc, enfin, je vois pas Dylan qui va acheter ce champ. Ça sert à rien. Il va au bout de la map pour moissonner un vieux champ. Ça sert à rien. Mais regardez, le champ il arrivera jusqu'ici. En plus, on voit l'éolienne du voisin là. Magnifique. Yes. Allez, let's go. On va aller vendre du coup le lait qui nous reste. Enfin, ouais, ils sont pas fréquentables. Ouais. Bah les gars qui ont l'éolienne sont pas très sociaux. Ouais, non, c'est des... Bon, bah, je sens que toi tu vas reprendre le panneau solaire, mais je vais reprendre la moissonneuse aussi. Non, ouais, on va se calmer. Alors, forcément, c'est pas par ici, alors on repart par là. Le 50. Mais le 50, du coup, vous dites maintenant? En vrai, le 50, moi, il me plaît trop, en vrai. C'est bien, le 50, il est sympa, là. Moi, il me plaît, celui-là. Combien de temps de live? On va encore faire. On continue, hein, on n'est pas fini. Bah ouais, vas-y, go. Eh les gars, c'est confinement, ça se trouve dans 3 semaines, ça va plus être le confinement, alors voilà. Non, en vrai, je sais pas. 3 semaines, si, à mon avis, apparemment, ils parlent jusqu'à fin mai quand même. Hein. Mi-mai, je crois. T'inquiète pas. Ouais, mais même déjà, le temps que tout se remette en route et tout, voilà quoi. Tu peux le dire. Il y aura trop. À mon avis, ça va durer. Ah, mais j'ai que 10 000 de lait à vendre là, pour 10 000 euros, ça sert à rien. Ouais, pour 10 000 euros ça sert à rien. Fait encore une heure. Bah ouais, on va voir. Bah sinon, est-ce qu'on achèterait pas le 50 maintenant en fait? Mec, j'ai d'acheter. Bah vas-y, hein, franchement, vas-y, Bastien, vas-y, go. Faut faire après la banque, j'achète le 50. Les gars, on le prend le 50 ou pas?
Allez, allez, go, go, go. De toute façon, c'est bon. Si c'est pas là, ça sera dans le prochain épisode, mais vas-y. Et y a quoi dedans, du coup, en vidéo, ça fait faire quoi en... Au pire, non. En vidéo, on le resèmera. Bon, tu sais quoi, c'est acheté. Et je veux des GG 50. Non, je l'ai acheté au même moment. Je veux des GG. C'est sérieux, tu voulais l'acheter? Mais mec, c'est vraiment. Bah oui. Non. T'es vraiment un bâtard. Bon. Oh, ah oui, c'est vrai que j'ai ce mode. Ah ouais, t'appuies sur une touche. Ça te... Regardez, la caméra se tourne. Ah oui, c'est trop bien ce mode. Allez, t'appuies sur une touche et hop, tu regardes arrière. T'appuies sur une touche et hop, tu regardes devant. Trop bien. J'ai voilà, GG 50. Bon, bah du coup, c'est ce que ça veut dire. Hein? Hugo, enlève les moisse-battes. T'as quoi, toi? Oh, t'as quoi? Non, voilà. Bah voilà, du coup, les gants, on l'a pris. Hein. Est-ce que ça vous fait plaisir? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oh, le labo. En vrai, ça va assez vite, en vrai, le labo. En vrai, ça va. Ah, Nico. Mais quoi? Excuse-moi, je... Le labo, en vrai, ça va assez vite, hein. Mine de rien. Ouais, voilà, ça va être les grandes longueurs, ça va être assez long. Ouais, ça va être assez rapide. Rakaï de Shanghai. Ça va être assez long? Ouais, ça va être assez rapide. Oui. Non, aujourd'hui, on fait de la musique. Quoi? Ça, c'est top ça. Et quand tu pars sur une très grande longueur, ça, est-ce que ça fait ça? Avec ton truc là. Attends, avec ouais, attends. Avec le. Ah. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça fait quoi? Bah genre ça monte, ça descend, ça monte. Je sais pas comment dire. Mais... D'accord, Nicolas. Non. Ah bah ok, dès qu'il y a un don ou un sub, je remercie avec cette voix. Et t'as un abonné qui merci te regarde beaucoup sous pour une tente. Ton don. Quoi? Il y a un abonné qui a dit je te regarde sous une tente. En même temps il fait chaud, il y en a. Sur une tente. Quand déjà. Sous une tente. Sous une tente. Le mec est sur une tente. Ok. Bah il fait chaud dehors, c'est vrai. Salut que... Papa Gifit. Bonjour, je suis Papa Gifit fermé. D'accord. Oui. Là tu mets le de Xero. Tu sens ta blague elle est nulle. Attends. Ah. Ah. Est-ce que vous voyez? Ah je m'entends en double. Ah. Attendez. Ah. Oh putain. L'effet. Vous savez que si, mais... si Bastien arrive là à ce niveau de live, c'est que le live dure depuis déjà un bout de temps. Il pleure encore. Ah ouais. Dis-lui qu'il vienne sur le live, je vais lui chanter une comptine. Je vais chanter. Ah non. Anna fait chaud, moule moule moule. Salut. Voilà. Nico demande à Starvio le nom de son drone, s'il te plaît. Sur mon site, Starvio, c'est vous quoi, avez. Le nom de ton drone. Oh, c'est le DJI Phantom 4 Pro. Mais vous avez tout sur mon site, starvio.fr. Il y a tout dessus, les gars. Vraiment, il y a tout. Il y a mon matériel. Et sauf mon casque qui n'est pas à jour. Mais tout, mon micro, ma perche, mon clavier, mon volant, mon souris, mon téléphone même. T'as dit quoi? Mon et tout ton renseignement sur www.starvio.fr. Voilà, le lien de mon site est actuellement dans le chat. Et mon écran va s'éteindre. Mais voilà. Vous êtes encore 4200, mais mec, c'est énorme. Ah oui, alors ça c'est fou, hein. Ça c'est fou. Oui, c'est fou. Je stocke les cultures. Bah, ouais. J'avoue, on a un silo, il sert à rien, mec. Bah, si. Encore il nous raid. Ah, DG2 nous raid. Est-ce que ça veut dire qu'on va de retour? Ah là là. Attends, mais du coup, je fais une comptine. Du coup, pour toi, DG2, je te fais une petite comptine. À la pêche chaude. Damien. D'accord. Non, ça veut rien dire. Attends, mais où est notre champ? Ah non, il est là-bas le champ. Il est là-bas. Mais mec, mon écran, mais vraiment, il se fait que se couper. Oh là là. On se fait raid. Waouh, on se fait raid. Bah, du coup, merci. Hein. Je viendrai te voir après. Si tu es gentil. Si tu pleures plus. Au revoir. Il existe-t-il des modes barre de coupe repliables? Bien sûr que oui! Grâce au magnifique site tao.fr, tu peux retrouver la barre de coupe. Non, attends. T'es pas terrible. C'est les Cressoni. Tu marques sur mon site Cressoni, C-R-E-2-S-O-N-I, et tu trouveras il y a un pack de barres de coupe gros, petit. T'as dit pas de... Hein? Hein? Quoi? Hein? Hein? Mais quoi? Hein? Attends, par contre, c'est Jam qui bosse avec ça? Ah ouais, mais Jam, il est chaud, hein. Ah ouais. Mec, t'as vu la parcelle géante qu'on est en train de se faire? Bah en vrai j'avoue que mec on a une grosse parcelle en vrai. Trop bien, là, ah non c'est pas chez nous bien, ça, hein. Chez nous c'est là. Ah ouais, mais... Oh, ouais mais elle est énorme. Non mais coupe ici. Coupe ici là, hop là. Non, non bon, que... tu veux. Non je sais pas, bah, en vrai ça va faire bizarre. On passera même pas avec la barre de coupe. On passera pas avec le tonneau et puis non, ouais. Non bah non. Allez du coup c'est parti.
On rattaque les amis, go la moisson. Nico. Quoi, bah oui, je vais moissonner. Salut à Dark. Bastien. Quoi? Non. Quoi? Aïe. Quoi? Ah putain. Merde. J'avais la voix. Ah oui, c'était marrant. Attends, vas-y, tu fais tous dans la voix. Ah non, je fais la voix, mais je m'entends en double. Alors, ah non, ça fait mal aux oreilles. Ah non, je suis Keblo. Ah, allez là. Mais merde. Ah, tu peux pas, c'est cette voix là. Ah non, parce que j'ai pas le retour de ma voix. Live tout le temps avec cette voix. Oui. Oui. Attends, vas-y, je fais une voix grave. Alors, bonjour à tous. ça donne quoi? C'était bien ou c'est nul? Ah là là. Entre les deux. J'ai bugué. Nous sommes aujourd'hui en guerre. Nous sommes en guerre. Est-ce que ça marche avec les fous? Non. Nous sommes... T'en as combien des voix différentes? Attends. En vrai, tant que je veux, parce que si je peux en créer si je veux, mais sinon, logiquement, je peux en avoir genre une trentaine, voire une quarantaine, mais là j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 sur mon stream deck là. Qui sont réguliers. Est-ce que t'as la voix de Gollum? Bah, la voix de Gollum, bah, je peux, en fait, je peux avoir tout ce que je veux, faut juste que je le règle quoi. Mon précieux! Non, c'est pas si c'est nul. Non, d'accord. Je vais faire un Nico. Par contre, on va se mettre où pour la barre de couple? Oh, j'ai baissé la sous-soleuse sur la route. Oh le. Ah bah. Va falloir appeler la DDE. RX, faut qu'il vienne. Ah merde, comment on fait là? Non, mais je suis vraiment nid ou quoi là? Oui. Mais je sais pas comment me mettre. En plus, regarde, mais j'ai foutu ça en plein milieu moi. Oh là là, c'était un vidéo. Comme un Nico, comme j'aime dire. Piting. Ah oui. Pas de crédibilité. Vas-y, je m'énerve. Oh Nico, c'est bon là, c'est fini là, arrête là. Oh. D'accord. T'es pas du tout crédible. Je veux dire, ouais. Allez, hop. Oui. Oui. Allez, au travail. J'ai bien mis tout ça en plein milieu. Tu t'appelles comment? Personnellement, alors ça, c'est fou. Moi, je m'appelle... Quoi? Ah non. Jean. Voilà. Alors, laisse la fin. C'est bon, c'est vrai qu'il y a que ça qui fait mes guillemets. Bah voilà. Oui. Allez, la moisson. Ouais. Ah, Zero! Ah, Zero est là! On vend le plateau ou pas de paillettes? Par contre, on fait avec deux moissonneuses, hein, les amis. Nico, t'as fini ou pas bientôt? Non! Parce que clairement, je prends les deux moissonneuses pour les moissonner. Hein. Je les vends les bottes! Tu vas où moissonner là? Bah, les 50, hein, moissonne, hein, d'abord! Ah, bah attends, je finis mon sous-solage! Bah, sinon, tu finis après, on fait la moisson pour l'instant, non? Enfin, comme tu veux. Allez, si tu veux, ouais. Bah, attends, la barre de coupe, elle est où? Par contre, j'ai sous-solagé la route là. Mais y'a plus de route. Bah, la route, elle est oui. J'ai sous-solagé la route. J'ai sous-solé la route. Je prends la classe pour une fois, tiens. Elle est où? Vas-y, prends la classe. Je vais récupérer la petite barre de coupe. On met les gyrophares et on est parti. Elle est où la classe? Oh, dans le champ, elle travaille déjà. Non. Enfin, elle travaille, pour l'instant, elle travaille pas, mais elle va travailler. Le mec a pas le temps. Ah, mec, on est là pour faire du flouze. Du flouze? Ah, ouais, d'accord. Faut qu'on achète des serres. Ah. On fait de la paille ou pas? Non. Ah non, c'est oula, mais ça va être limite pour passer ici là. Attends, mais quelle idée de tourner comme ça, moi. Mais ah, oh, c'est sérieux ça. La paille avec le soja. Non, mais j'avais pas vu que c'était le soja. Oh, ça va carrément pas rapporter. On est à 1% alors que je suis déjà au bout. Ah ouais, ça. Le champ, il rapporte pas. Bon, en même temps, c'est s'il pas faut le labourer, tu pourras le sous-soler hein, si tu veux. Oui, bah oui. Attends, déjà, je vais finir celle que je fais, on verra. Et après. Par contre, le soja est un bon prix. Ah ouais. Bah, 1800 euros la tonne. C'est arrivé à quoi un tuto beauté sur ta chaîne? Oula! Merde, je marque quoi? Bah, je sais pas. Tu sais pas conduire? Bah, arrête, oui, regarde, hop, tout droit. En fait, quand je veux, je peux rouler très bien. Mec, elle est hyper large la moissonneuse par contre. Oh, ouais, les roues arrière, mec, elles sont d'une largeur. En vrai, c'est comme ça en vrai, hein. Mec, ça a l'air vachement large en fait. Oui, ça doit être ça en vrai. Comment ça se fait que je peux moissonner l'autre champ à côté? Ah! Ah, parce que la coupe elle est tellement grande que quand je suis dans le champ, je peux moissonner un peu le champ d'à côté. Bah vas-y, prends. Ah, c'est excellent. C'est ce que j'essaie. Mec, alors là. Merci pour ton nom, Gérald. Toutes tes vidéos sont bien. Merci beaucoup, mec. Ça fait grave plaisir. Et voilà, merci à toi. Et merci pour les 6300 pouces bleus. Aïe. Ouais, elle est large, effectivement. Alors, en fait, qu'on va commencer en bas cette fois-ci. On va essayer de mettre. Au pire, on peut aller chez Jérémy. Ouais, c'est bon, Jérémy, il va être content. Oh la vache, comment je gratte. Bon, Jérémy il bosse, hein, ça y va. Hein.
ça travaille. T'as loupé un don. Non, c'est bon, j'ai loupé un don, ce qui paraît. Ah, si, j'ai loupé un don. Alors, qu'est-ce que ça donne les dons? Ah, mais attendez. Attendez. Deux secondes, les gars, pour pas louper les dons, je vais faire un truc. Merci. Mathéo qui m'a fait un don de 1 franc en Suisse, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Mathéo. Ça fait plaisir, merci à toi. C'est quand la map de France. La map de France? Qu'est-ce que c'est, ma map de France? Attends, deux campagne secondes, de France, peut-être plutôt. Campagne de France, oui, ça doit être ça. Allez, deux secondes, je vais juste poser à mon live. Et au moins, je verrai les, hein, les dons et tout. Activité des spectateurs. Ça ne marche pas. Ah, j'ai de la chance que ça marche pas. C'est une blague, ça marche pas. C'est un truc de ouf, comment j'arrive à moissonner complètement à côté. Ouais. Bonjour, excusez-moi, il y a une barre de coupe qui est dans mon champ. Ah non, attends. Attends. C'est quoi ce mort que t'as déjà? Je croyais que t'avais peur parce que moi je suis en train de moissonner chez le voisin et cool, alors que je suis dans mon champ. Et laissez, du coup j'arrête. Ok. Vous avez tourné votre vidéo? On a acheté un sauna. Ah, bah non, on a acheté. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça fait déjà une heure et demie qu'on a tourné, moi. Ah déjà, vous avez tourné, ok. Oh, allez, c'est parti. Merci bien. Du coup, les gars, j'ai tout pressé, j'ai tout vendu. On a dépassé les 50 000 euros. Full RP, Bastien MDR. Bah, carrément, mec. Oh, tu fais quoi, toi? Du coup, t'es où? Ah, t'es là où, je te vois là-bas. Oh, Nico, triche. J'arrive à moissonner à côté. Mais si, mec. Ah, ouais, mec, t'as pris les voisins. Oh, mec, il a pris les voisins. Je peux pas aller plus loin. C'est sérieux, Nico? En plus, tu vois, je voulais me l'acheter. Descendre là. Bah, tu l'achèteras, il faudra ressommer, par contre. Oh, mec. On va aller me payer ce monstre. Oh là là. Je peux pas te faire de dons, mes parents ont acheté une voiture de l'entreprise, mon père gagne plus rien. Mais les mecs, il y a vraiment pas aucun souci. Mais mec, vraiment, c'est vraiment pas obligatoire. Et nos soucis, voilà. Du coup, n'hésite pas à regarder mon live pour avoir un maximum de divertissement. Hein? Quand on se voit. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Hein? Quoi? Eng? Eng, qu'est-ce qu'il y a? Sting. prends la classe. Non mais j'ai fait... je sais trop bien moissonner, je fais des oublis de tous les mètres. Comment j'ai carrément gratté. Mec, en vrai c'est trop bien. Oh, bah oui, bah là je me suis fait 15% de trémie grâce à ça. Ah ouais. Bon, moi j'ai pas beaucoup de rendement, moi. En vrai, en plus on aurait pu. Attends mec, on aurait dû moissonner à côté, ça aurait été stylé. Attends moi. Non Nico. Non, bah, le voisin. Alors, attends, champ 49, acheter terrain. Hein? Non, je rigole, on va pas les sous. Mais le 49. Il est cher. Ah, il est énorme, le 49. Hein. Et 109 000 tu rassembles. Alors là, mon gars. Ah, oui, non. Voilà. Non, en vrai, non. On a déjà assez. Déjà, mais qu'on a celui-là, c'était même pas prévu. C'était même pas prévu qu'on l'achète de base, le champ. Et on a déjà. Ah, j'avais même pas vu qu'elle était à chenille, la classe. J'avais même pas fait attention. Non, Nico, tu vas pas acheter le champ. Non. Non, bah non. Non. Attends, je rejoins le serveur. Le mec, il a pris la moitié chez le voisin. Oh là, le mec, t'abuses. Bah non, je suis intelligent. Est-ce que. Oh non, j'aurais voulu te vider dans ta trémie. Parce qu'en vrai, t'aurais pu vider dans ma trémie, logiquement, ça fonctionne. C'est un petit bonhomme. Ah, mais en vrai, genre. Je peux vider dans ta trémie? Bah ouais, normalement, tu peux. Mais là, elle est trop large en vrai, c'est dommage. Attends, bouge pas au pire, juste pour test. Arrête-toi. Logiquement, tu peux. On peut pas, mec. Non, pas bien que tu peux. Non, on peut pas. Si on peut. Je te jure que la vie de ma mère qu'on si peut. Si on peut. Alors, non, on avait déjà fait cher. Attends, bouge pas. Non. Enfin, avance. Pour l'aventure des trois fermes, c'est loin, on se faisait avec. Oui. Sérieusement. Stop. Non, mais c'est... Vas-y. Elle est trop basse. T'es trop basse. Attends, mais c'est en collision ou pas? Ah, attends, mais c'est mort. Non, on peut pas. C'est mort. Mais sinon, on peut. Vraiment, on peut. Je pense, vous, avec votre. Ah, j'ai rejoint. Je pense avec vos moissonneuses, vous pouvez le faire parce que c'est deux trémies, enfin deux mêmes moissonneuses, deux mêmes moteurs, je pense que vous pouvez le faire. Je suis sûr. Défi de la plus grande ferme. Non, c'est le défi d'avoir le plus de champs. Enfin, le but de la série au final, c'est d'avoir le plus de champs, quoi. Donc, voilà. 4400. De visuel. 4400, c'est ouf. Merci d'être là. Vraiment, c'était des. Waouh. Merci à vous, vraiment. Waouh. Coupe la forêt. Je ne sais pas. Ah, si ça fonctionne, j'ai des trucs pour les dons. Je vois tous vos dons. Oh yes. Je suis heureux. Rémi qui a fait un don. Les Crypto qui a fait un don. Frédéric qui a fait un don. Je vois tout maintenant. Je peux tout voir. Je vois tout. Du coup, je ne sais pas faire de don. Yo, j'espère que tu vas bien. Je te regarde depuis que j'ai 40 000 abonnés. Et continue comme ça. GG. Merci à toi, mec. Ah là là. En vrai, je voulais pas faire un live trop long. On a 2h30 et j'ai pas fini. Mais vous êtes encore 4400. Je vais pas faire. Bon, les gars, merci d'avoir suivi ce live. À la prochaine. Voilà. Yo. Bon, la synchro de Zero, là. 6h30. Allez. Ah, c'est bon. Hop.
Allez, on est mon kiff. Ouais, carrément de fou. J'adore les éparpilleurs de la classe, c'est terrible. Ouais, ils sont jolis, ouais, ils sont sympas. Bah, moi j'ai les vieux trucs de base, quoi, tu sais. Voilà. Et c'est normal. Ça qui marche. Oh bah, Sieng. C'est ouais, bon. Les gyrophares là, on dirait des Américains. Ah, je les ai enlevés. Par contre, ça bug parce que les textures de broyage elles apparaissent après. Le serveur il veut plus, là. Le serveur il galère là. Ah, c'est ouf parce que je vois le live à droite, je vois ta vision à droite et puis je vois ma vision de la classe. Il y a du décalage dans le live, mais moi il n'y a pas beaucoup de décalage. Hein. Non, y a pas là, il n'y a pas beaucoup là. Là, je te dis bonjour. Coucou. Là, voilà, tu me dis quand tu me vois. Il y a 10 secondes d'écart quoi. Ouais. Pour ma part. Ça attends, va. Attends, là t'es au bout. Red Duo, on verra, ouais, on verra. Bah attends, mais déjà j'ai pas envie de faire toute la mouasse. Quoique niveau rendement, waouh. T'inquiète pas, beau Titi. T'inquiète, moi je vais reprendre. Hop. Je vais remonter par là. Hop. Ah ouais, d'accord. T'es chaud, toi. T'es chaud. Attends, mais je vais récupérer tes bouts, là. Ouais, je vais récupérer ce que t'as oublié. Parce que monsieur est trop grand, alors il doit faire les grandes lignes. Excuse-moi, par contre, tu rayes pas la peinture de ma Fiat. Parce que sinon, tu vas te faire convoquer. Mon père. Alors, j'ai tapé un muret tout à l'heure. J'ai tapé. C'est vrai? T'as une mare là-bas, je vais essayer l'aquaplaning de la classe dans la mare. Avec les chenilles, ça marche pas. Ah, bah c'est con ça. Ah, c'est con. Sinon, je peux essayer quoi de. Sur FF19, ouais. J'ai acheté quoi? Ben rien acheté. Le jeu est gratuit. Enfin, j'ai acheté. Ben rien en fait. La classe. Les DLC. Ah, mais non, mais attends, tu parles quoi? Dans les DLC ou dans la série? Dans la série. Parce que dans les le DLC. Jeu j'ai... Tous les DLC de farming. Bah, en fait, je crois que vu que je suis partenaire farming. J'ai fait, même moi j'ai fait gaffe, mais j'ai le DLC John Deere, j'ai tous les DLC de farming, alors j'en ai acheté bah, au final aucun, parce que bah, soit c'est farming qui me l'envoie, bah, soit enfin, en vrai ici j'en ai acheté tellement de DLC parce que j'en ai acheté pour les abonnés, mais au final le DLC qui me sert pour avoir la moissonneuse là, bah, c'est farming qui me l'a envoyé, mais comme je vous en ai fait gagner on va dire 20, une dizaine, quinzaine, bah, j'ai bien acheté, donc voilà, j'ai acheté environ 10-15 DLC bah, avec mon code promo, et ça c'est cool. Non, en vrai, les gars, ouais, bah, ça, j'ai un code de. Non, j'ai pas un code promo. Non, c'est pas un code promo, mais en gros, quand t'achètes avec mon code, bah, je récupère 5%. Donc, sur un DLC qui coûte 20€, bah, 5%, c'est déjà bien, quoi. Ça fait pas beaucoup, mais vu que vous êtes très nombreux à avoir acheté avec mon code, en vrai, du coup, merci à vous. Bah, du coup, ouais, merci à vous. Mais là, y a pas de DLC, donc c'est con. Mais par contre, pour les prochains DLC, ouais, n'hésitez pas parce que vous savez pas à quel point ça m'aide. Et en vrai, le fait que vous achetez avec mon code, bah, ça me fait que bah, je récupère un peu d'argent. Donc, bah, je peux vous en faire gagner. Donc, c'est cool, ce que j'avais fait, quoi. Donc, voilà. Mince, mes oublis! J'ai raté quelque chose! Oh bah t'as raté un peu quand même là! 2h30 de live quoi! 2h36 de live! Mais bon, non, c'est pas grand chose! Non, t'as raté un peu! T'as raté un petit peu! Ah, mon casque! Et le chant, on a pas eu longtemps! J'aime bien, j'ai moissonné à côté, ça me fait trop plaisir! Ah mec, en vrai, ouais! Et y'a du rendement ou pas du coup? J'ai 6 tonnes dans la trémie! Moi j'ai 2000, vraiment, c'est pas ouf le rendement! Il aurait pu y avoir largement mieux! Ouais, rendement mec, ça, je suis déçu. En même temps, le champ on l'a acheté, voilà, t'as compris quoi. Choqué et déçu. Hein. Mais le champ est déjà plié, donc c'est nickel. Oulala, t'arrives vite. Ouais, j'ai oublié de faire une pointe derrière moi. Une pointe. Une pointe. Sérieux. Une pointe. Si, regarde là. Quand même, faisons les choses propres. Hop, on tourne, hop. Ouais, punaise, je l'ai baissé trop tard. Ouais. Par contre, merci, tu vas te calmer. Attends, ma vie, ça est longue, hein, t'inquiète pas. Ah, ça se trouve, je peux vider au-dessus de toi, mec. Ah non, si je me colle, franchement, il y a vraiment moyen. Vraiment, il y a moyen, mec. Attends, vas-y. Par contre, vite, parce que. Ah, et voilà. Mec, ça marche. Bon, ça marche pas. Attends, moi, je suis un bande un petit peu limite. Bah, ça va pas vider, moi. Ah, voilà. Alors, allez-moi ça. Là, ça y va. Les Américains. Par contre, la benne serait. Vraiment, on aurait trémi pleine, ça aurait été tellement stylé. Ouais. Mais non. Bon, ben voilà. La moisson a été terminée. Ça a été rapide. Merci d'avoir contribué à celle-ci d'ailleurs. C'est exact. Allez, moi je repars en bas. C'était gentil. Oula. Allez, ciao. C'est cool. Allez, la moisson. Tu repars où? Il y a plus de boisson en bas? Non, il y a plus de boisson là, mec. On a fini tout. Ah, t'es venu sur le chariot, ouais. D'accord. Non, le chariot est là. Il est en bas, le chariot. Mais on a fini toutes les moissons. Bah là, de toute façon, il va falloir qu'on prépare. Est-ce que ce champ il faut le labourer? Non, t'as de la chance. Ah, fini le labour de l'autre là-bas. Sinon, non, par contre, je vais peut-être prendre un peu de chaud pour changer. Bah, mon plateau il est. D'accord. Où? Oh non, je sais pas, mais le plateau il est sous l'impôt. Oh non, mec, il m'a foutu. Ah, ok, j'espère quand il a tourné, il y a les traces de tournant là. Il a tourné, il m'a foutu mon chariot dans la. Oh, mec, mais il est sérieux là? C'est qui a fait ça? Bah, je crois que c'est Jérémy ou Borom. Ça, c'est Jérémy, parce que c'est pas Borom. Ça va mal se passer, hein. Moi, franchement.
Ouais, moi je dis ouais, c'est grave. Oh, comment ça m'accuse là? Plateau. Oh mec, c'est toi. Non, oh, le belge, là tu te calmes. J'ai dit que c'était Jérémy parce que j'ai que Jérémy qui peut faire ça. Non, c'est quelqu'un qui était en vocal avec vous depuis tout à l'heure. C'est sérieux, Hugo? Non, c'est pas Jérémy. Ah, t'es vraiment un drôle de gars, Hugo, quand même. Pourquoi on l'a recruté, lui? T'es pas fréquentable comme gars. Hugo, ouais. Non, c'est pas moi. Regarde, je roule sur ces Smith, c'est marrant. Hugo. C'est vraiment satisfaisant. Attends, il va me ban. Au revoir, les gars. Hugo. Eh bien, Hugo. Quoi? Au revoir. C'est pas moi, en plus. Non, oh, quel gros mytho. Allez, j'étais en train de semer. Oui, bah tu sais, avec Non, tu sais, il y a des plateaux de barre de coupe, c'est rare ça maintenant. Non, maintenant, je suis dans mon fond. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que t'as des preuves? Est-ce que t'as appelé le FBI? Non. Bah non, tu sais pas. Alors, voilà, FBI. Quoi? Je vais appeler monsieur Macron. FBI, chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Bon, on fout de lui. On va tous. Alors, dans la benne, mec. Oh, mec, j'ai pouvoir voter cette année pour le président. Non, c'est quand? C'est l'année prochaine. Je crois que c'est l'année prochaine. C'est 2022. Ah, ouais. Vas-y, on fait un straw poll, vous me direz. Non, pour qui je vote? Non. Un straw poll. Ah, et Borom, pour te calmer, ne me fonce pas dedans, Mars. Ouais, mais il est belge. Mec, il y aurait ce chat à acheter, tu penses pas? Il est belge. Bah oui, non, mais si, ah si, ouais, carrément, Bastien, en plus, il est à côté. Oh, ça serait quand même quoi, il pourrait pas s'agrandir. Oh, ça serait bête. Donc, eh, Bastien, ça serait bête quand même. En vrai, mec, on veut pas s'agrandir, donc on s'en fout. Allez, ça, c'est fait. Ça, c'est un sacré live quand même. Je suis pas du tout influencé par vous, mais il y a. Oh non, mon plateau. Oh, le chariot, bon. Par contre, si Borom, s'il a vraiment envie c'est de du soja chier, il va dans notre ferme, ils vont le prendre, ils rachètent derrière. Non, c'est de l'avoine, ça, je crois. Bon, non, on aura de la paille à presser, c'est nickel comme ça. On ne voulait pas ce champ-là. Bah, dans nos pires. Ouais, c'est ça, il cache sa rage. Il cache sa rage. Il était trop petit pour notre matériel. Allez, ça, c'est fait. Après, nous, on n'a pas un smart simé, toi, après, les gars. Après, je vous en veux pas, toi. La benne, elle est où, la benne? C'est toi qui as la benne? Oui, mais attends, je la vide. Bon, l'ouvrier veut pas. Merci beaucoup, Siri, pour ton nom. Ouais, GG. Merci à toi pour ton nom. Ça fait plaisir. Et pourquoi je peux pas voir Siri a fait un don. Ouais, mais je veux pas. Je veux pas vous don sur mon écran là. Comment ça se fait? Bon, du coup, merci à toi en tout cas. Garde l'avoine. Ah oui, l'avoine. Bah, justement, on va le garder l'avoine. On va le garder l'avoine. Ça sera nickel. Ah bah voilà. Il y aura eu beaucoup de rendement ou pas? Ouais, il y aura eu beaucoup de rendement ou pas? On a 254 millions. Non, pour. De soja, on a eu combien de soja, Nico? 8 tonnes 520, 47%. Et là, je suis en train de le vendre. Bah, va le vendre, comme ça. Mec, ça rembourse le champ. Super bien en plus. Non, je pense pas quand même. Ça remboursera pas le champ. Le champ, on l'a acheté combien? Aïe. Pardon, je l'ai dit. 15 000. Le champ, on l'a acheté 26 000 le champ. Bon. Il y a du lait à vendre. Il y a 10 000 de lait à vendre, donc au pire. Je pense que c'est 10 000 de lait, ça fait la fin. Mais avant, au pire, si tu veux aller le vendre, le lait qui reste, ou je vais aller le vendre si tu veux. Peu importe. Putain, mais l'ouvrier, mec, je vais pas mettre d'ouvrier, ça me dégoûte. Bon, bah, ça veut dire que j'ai le faire tout le champ. Y a de votre. Bah, il est pas très grand, ça va. Ouais. Oh, Burom, ça pose pas de problème que je roule sur tes semis. Non, vraiment aucun souci. Le mec, mais casse-toi. Il a raillé la peinture du Ford. Oh, casse pas le Ford. Oh, le Ford du Seigneur. Non, il casse pas le Ford. C'est le meilleur fort de vente. Pour la peine, tu fous de la paille dans chez toi. Ah ouais, mais dans les serres, là, tu pailles les serres. Tu pailles les serres. Je vais pailler les serres, mais après, ça va pousser encore mieux, donc on va aller plus tard. Zébi, il paille les serres. Oh non, j'aurais dû faire un dé. Par contre, il me faudrait une benne, c'est possible. Mais je suis là, regarde mon titi, je suis derrière toi. Ah, nice. Ouais, voilà. Si tu veux venir presser, tu peux venir presser. Hein. Ça, attends, je finis mon labour, j'aimerais bien le finir quand même. Ah, vas-y, finis ton labour, j'irai presser après le reste. J'irai vendre le lait qui nous reste à vendre et après, ben voilà, ça aura fait un live de qualité de 2h43. Oh. Ben en gros, on va faire 3h de live à peu près. Donc en gros, encore 20 minutes max, mais max vraiment pas plus parce que j'ai pas envie de faire un truc trop long non plus. Après, comment la rediff. La rediff, ben les gens regardent, mais le pire c'est que les gens regardent 3h de rediff. Hein. C'est ça qui est ouf. Bon, en vrai, soyez là demain, hein, nouvelle vidéo. Demain, les amis, sur les pays en français avec Zero. La vidéo va être pas mal, vraiment grosse vidéo demain, ben un peu comme tout le temps, mais voilà. Mets du fumé devant le porte désert. Dessert. Ah, LSC, tu m'as tapé. Ouais. LSC, fais pas le con. D'accord, il m'a tourné les roues. Ça
Nico, hein, calme, Nicolas, calme-toi. Oui. De quoi? Non, je me calme. Je sais pas. Ah bon. Mais je vais me calmer alors. Je vais suivre vos conseils. Mais tu es déjà très calme, donc je comprends pas. Oui. Je sais pas. Il m'arrive parfois d'être un peu fou. Désordonné. Désordonné. Tu arrêtes quand? Bah on va finir le chant tranquillement. On va aller le presser. Et après, je te ferai une bonne fin. Alors en vrai, on ira peut-être revoir celui qu'on a raid. Damien, je pense. C'est ça. Oui, bien sûr. Mec, oh les andins, comment ils sont tellement alignés, mec. Oh là là là. C'est un beau labour quand même. Ouais, mais c'est pas des beaux andins que je fais, moi. Je sais pas, oh là là, comment j'ai moissonné ça. Oh, tu sais, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais andins en fait. Oh, bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être, à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose, Victor Hugo, fait, le beau geste, parfois on trouve pas Nicolas. L'interlocuteur. Nectar. C'est ça. Ah là là. C'est des choses qui arrivent. Pardon. Nicolas, tu veux venir nous parler tout après ce... Ah oui, sur Discord. Bah tout à l'heure, j'irai sur Discord, ouais. Mais pas trop longtemps non plus. Mais ah oui. Ouais, j'irai sur Discord. Vous inquiétez pas, les amis, ça va le faire. Quelle heure demain? Demain, 17h30. Redémarrer du haut. Hein? Hein? J'ai pas compris. Je pense qu'il faut dire redémarre ta box, mais ça a dû changer. Box, duo, ouais, ça doit le faire. Mais. Bon, Hugo, si tu veux venir presser de mon champ, tu peux. Hein. Ah, je suis en pleine vidéo montage, s'il te plaît. Le mec, il est à côté de moi, il me regarde. Je suis en montage, mec, là, c'est en train de laguer. Oh là là. Non, Nico, c'est le boss en fait. Je suis en train de faire des points de vue. Voilà. Nico le boss. Pardon. Dio. J'ai pas de micro. C'est trop bien, tu as par contre des plans avec un volant. C'est trop propre. Ouais, c'est clair. Mec, il y a du rendement en train. Tu sais que j'ai plus de rendement sur ce champ que l'autre tout à l'heure. Impeccable. Bah, en vrai, ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire comme connerie? Non, je rigole, non. Oui, bah, tu vas faire une connerie, t'en feras pas deux. Oh, ça me menace là. Ça c'est de la menace. Ouais, c'est de la menace, je portais plainte. Oui, la menation, mec. Oui. J'ai appelé mes cousins de la CIA. Tu arrêtes quand? Bah, je vais appeler tous les strats. Vraiment que j'arrête, ça. Non, mais là il faut que vous allez là. Comme ça, prochain champ, ah, on aura. Bah, en fait, après, prochain champ, il y aurait de la moisson à faire, mais il y aurait aussi du semis ou alors de l'épandage ou quelque chose à faire. Eh bah, que de la moisson, ça va être chiant. À côté après, plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Le champ d'herbe qui est à côté du champ où t'es là. Faudra l'acheter plus tard. Ouais. Oui. Bah mec, l'acheter, pourquoi faire? Il va être petit, champ. Mais un arbre là. Et en fait, moi je me rends compte que qu'on a de plus en plus de champs et que le matériel va commencer vraiment par finir par être juste au final. Ouais. Heureusement qu'on a pris deux batteuses, hein, sérieusement. Ah, en vrai, ouais, deux batteuses. Tu sèmes tout là. Et pour mais le semoir, va falloir le changer parce que tout semer avec le petit semoir, ça va être une cata, mec. Ah, ça c'est clair et net. Et clairement, le semoir que je voulais prendre, je me demande si maintenant il est pas trop petit parce qu'en vrai, il commence à être petit ce qu'on veut prendre. Donc autant prendre un semoir de genre comme un peu Hugo ou le Lemken ou enfin. Affaire à suivre. Non, pas Hugo, Jérémy plutôt. Mec, la plaine que ça fait là à côté de la ferme, c'est incroyable. Ah, la plaine, ah bah oui. Mais passe à côté, t'as, mec, t'as 12 000 ondins, il passe au suite, tu sais qu'il y a la baie. Mais non, non mais Ouais, ça c'est les gars de la Manche, ils sont pas très futés. Par contre, tu m'insultes, pas de manchon par contre, s'il te plaît, je suis pas de la Manche. Oh, oh des mec, en vrai, l'ensemble avec le fort de la petite baie et la moisson, on dirait qu'on est dans du petit matériel dans la ferme alors qu'on mais a dans une les grosse, années 80 un peu, ouais. Alors qu'on a la plus grosse moissonneuse du jeu, mais tout va bien. Non. Allez, on est parti, on rentre au sort. Non. 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 Ah là, demain Macron, l'ami. En vrai, je pense, en vrai, j'ai envie de faire un live juste parce que pour me foutre de sa gueule. Non, j'en ai. Ah, live en direct avec Macron sur ta chaîne. Non, mais pour écouter ce qu'il va dire en mode. Sur la chaîne secondaire, tu fais un live direct, tu regardes Macron. Voilà, je regarde Macron. Tu commentes. Et on débrief. Et on fait on fait le commente comme si c'était un match de foot. Et il trappe dans le ballon et tout d'un coup, il dit qu'on va rester chez nous pendant 6 mois de plus. Non, et après, on va voir le bruit. Quoi? On mangeait du bruit. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Ok, d'accord, allez. Moi j'ai compris, on va manger du brie, mais j'ai pas compris. Oui, j'avoue. Non, après, non. J'ai dit après on va voir brie. Ah, oui. Ah, la brie, oui, d'accord. Brigitte. Après, c'est Jérémy, t'es. Après, de base, toi, tu vois le temps que ça monte au cerveau, toi, c'est bon. La Birgit.
La birgue. Ah mais toi faut suivre en même temps. La birgue. Ah non j'ai dit bribri. Oui. Faut pas dire son nom. Bribri. Ah bribri. D'accord. Oui. C'est oui. Exact. C'est bien. Oui. 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 Fin enlève sa chaîne secondaire. Non mais là ce soir les gars on aura fin enlève de 3 heures. Voilà, c'est bon. Voilà voilà. Non, je, veux dire, je veux dire voilà, mais j'ai. Putain, t'es vraiment moche une presse massée, putain, c'est qui. C'est quoi cette. Mais marque, alors toi, mais toi, mais. Mais mec, on n'a pas d'autres moyens, mec, en vrai. Oh. Oui, c'est vrai. Bah, je pense on n'a pas. Pas. Nous, on n'a pas une éolienne, on n'a pas. Oh, oh. Voilà, même que on nous. Être dans le contracteur qui est à côté de toi, de R1. Ah, bah voilà. Jérémy, t'as. Ça va. Ah, c'est moche. Oula. Ça pense pas. De quoi. Allez, ça, c'est fait. Ça va. Oui, ça va très bien. C'est quoi la. Fire. Pourquoi ça clignote ici? Vous avez laissé Giro au plateau, hein, c'est pas au courant, vous aurez plus de batterie. C'est pas grave. Non, c'est LSC qui a fait ça. Oui, c'est pas grave. Bah d'accord. Okay. Alors, on va. Bah au pire, je vais aller vendre un peu de lait, non? Bon, je crois que non, le lait on s'en fout, il n'y a pas encore assez. Je vais aller récupérer du coup les bottes que fait LSC, et après ça partira en full semi, je pense. Hein. Oui, là il y a du chemin. Il y a un problème là. Ouais. Oh non, nos tomates elles ont cramé. Non. Et il y a plus rien ici. Oh non. Oh non. Il leur manque quoi? De l'eau. De l'eau. Ah peut-être. Il leur manque de l'eau. En fait. Ça me semble logique. Oh non. Bah, ouais, on a du lait. Ouais, donc... Bah pas le choix. Pour 95. Bon bah pas le choix. On ira faire ça. Enfin, c'est quoi ces andins là? Bah c'est les andins de la piste. Hein. C'est pas la. C'est pas la. T'es bien. T'es bien avec du sud. Tu moissonnes pas droit. Hein. Non mais ça je sais. Où est le plateau de pour les bottes par contre? Ah, il est dans le bâtiment, non? Au fond là-bas. Pas du tout, mec. Non, j'ai vu, il est à côté du vendeur de palettes de laine. Du point de vente. Pardon. D'accord. Palettes de laine? Ah oui, c'est là-bas. Ouais, là où tu vends tes palettes de laine. Ouais, ouais, parce que là, c'est trop fort. Bon, l'arme, il va falloir qu'on le dégage un jour. Bon, là, ça va sauter. Wouh! Non, c'est bon. Wouah, la masse, elle pèse plus que. Oh, la masse, comment elle pèse? On dirait le Ford là. Oh, mais mec! Tu regardes le live, Nico, regarde la masse, qu'est-ce que ça me fait sourire. Ah, oui! Je préfère ma presse. Ah, j'avais compris. S'il faut labourer ce champ là, tiens. Ah, attends, parce que du coup, nos champs, pour te faire un petit peu de truc, il manque de la chaux dans celui-là, juste. Mec, après, tous nos champs vont être nickel. Il faudrait labourer les 67, 60, mais tu veux. Non, ça va être trop long. Ah, si, c'est parti, go. Attends, je suis 67 parti. Et 69, faudrait labourer. Ouais, mon gars, t'inquiète. Tu veux que je fasse des niveaux tout le live. Ah, j'avoue, mais moi j'aime bien faire des tâches sur le terme comme ça, c'est une passion. J'adore passer du temps à me faire chier, j'adore ça. Voilà, c'est une passion de père en fils. Du coup, tu veux que je t'aide? Pourquoi? Tu t'as une taille à. Pourquoi j'arrive pas à parler. J'ai eu bug de latence. J'ai eu de la latence dans mes vocales. Oh non, c'est qui a poussé l'arbre? C'est toi qui a poussé l'arbre? On va le vendre peut-être. Bah attends, tant que j'y vais plutôt. Autant aller vendre l'arbre. J'ai pas fait exprès. Non, le temps que j'y arrive. Oui, bon, ouais. On est dimanche, oui. D'accord. Et le dimanche. C'est Jérém. On ne sait plus parler. La suite. Moi, c'est toute la semaine. Ah, Nick Zebby. Oula, on est où là? Y'a pas zéro. Bah, t'as mieux, ça me fait du bien d'ailleurs. Oh, ça que la balle réelle. Ouais, c'est bon. J'ai fait une vidéo demain, je vais faire un live demain avec lui, c'est bon. Et là, il arrive dans le vocal. Bonsoir! Et là, t'entends Zero. Alors, ça parle de il moi, arrive, hein. Il fait. Ça, t'imagines. Non, c'est mec, il faudrait enregistrer Zero en train d'insulter des gens. Ce serait marrant, je pense. Zero. Week-end de 3 jours. Bah, les gars, week-end de 3 jours, ça fait là, c'est actuellement un week-end d'un mois, là, ça. Donc, bon, le week-end. Seule personne. Mais t'as ça comme semoir? Ouais, niveau semoir, en vrai, faudra voir. Qui c'est moi? Mais c'est nul! Oh bah là, oui, on va passer un bout de temps, je pense. Mais faut qu'on le change, hein. On va le changer. Mais ça veut dire qu'il. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut le changer avant la prochaine vidéo, donc c'est mort, non? Faut le semoir. Parce que là, mec, on aura fait trop d'achats dans la vidéo, les gens vont pas comprendre. T'as acheté ce champ là, t'as acheté ce champ là. On a acheté 3 champs, mec, on a tout labouré. En vrai, c'était le live de Pâques. Voilà, ça c'est Pâques. Voilà ce qui se passe à Pâques. Tous les ans, on fera ça à Pâques. Stervio, tu veux qu'on vienne semer chez toi? Franchement, mec, j'aimerais bien. Les trois semoirs réunis, les trois fermes. J'ai fini mes parcelles donc. Allez, j'arrive. Mais gratuit. Ah non, mais c'est pas là. Mais les semences, au moins, juste fournir les semences. Ouais, c'est tout. Fournir les semences. À nous? Bah oui. Bah oui, mais ça voudrait dire que ça soit. Ouais, bah moi, oui, en vrai. Hein. Fournissez les semences et. D'accord. Franchement, oui. Mais par contre, votre semoir, il déchomme? Non.
Faut non, mais c'est lui qui a passé le labour, c'est bon. Hein. Mais si c'est sur la bourre. Si ah, mais non, mais il y a toutes nos chances sont pas labourées. Mais ouais. Mais si, je suis en train de tout faire. Mais celui que Nico, Nico est en train de faire, on peut le faire en quoi? Je sais pas, c'est le champ. Bah, en avoine, hein. L'avoine, c'est le mieux, mec. Bah, vas-y, go, mec. Mais il était déjà en avoine, je crois, donc c'est nul. Vas-y, attends, Borom, j'arrive. Non, pas en avoine, alors enfin en quoi? Encore une rotation. Faites du colza ou un truc comme ça. Du colza, Borom? Bah, ouais. Limite, j'ai l'essence dans le semoir, on s'en fout. Colza, ça peut le faire, colza. Du colza, mec, du coup, on se prend du colza. Je veux pas bénévolement. Oh, ouais, ça va être magnifique le champ, mec. Tout jeune, quand même. Oh là. Ouais, mais t'as des big bags, Stervio? Bah non, il faut que je. J'ai des. Bah, tu vois, tu sais, dans mes 8 ta palette, tu fais R. Ouais, mais faut que je vienne dans ta ferme alors. Ah oui. Parce que sinon, c'est nous qui allons payer. Soja. Bah, soja, ça rapporte de la thune, mais le problème, c'est qu'on a déjà fait. Et faire sur. Non, mais colza, ça rapporte pas mal, colza en vrai. Donc, colza. Et dans la très grande parcelle, tu veux faire quoi, Bastien? Bah, celle-là, c'est quoi ça? Dans la très très grande? Dans la 56? Dans la 56, c'est la plus grosse, ça qu'on a. Ouais, mais celle que j'ai reliée, les trois là, dans le centre. Oui, mais c'est. Colza. Ah, d'accord. Non, ouais, colza. Tout ça en colza, mec. En vrai, le colza, ça rapporte quand même pas mal. Hein. Ah, oui. Donc, colza, ça peut le faire. Ouais, colza. C'est là qu'il dit soja. Mais non, mais soja, par contre, on peut en faire dans le champ. Ah, mais non, le 50. Sinon, on fait du colza dans le 50 et dans le 56, on peut faire autre chose. Et pas de faire des céréales, hein, ça fait chier. Enfin. Bah, faut faire de la paille, hein. Ou alors. Bah, ouais. Sinon, on part sur du blé orge. Hein. Toi, t'aurais pas pu commencer au début du champ, non? Toi, t'avais pas. Oh, rien. Du coup, vous dites quoi? Soja. Non, mais, bah, soja, une équipe, tout le monde dit soja. Bon, soja, soja alors. Hein? Soja. Oui, soja. Non. Bah, oh, soja, non. Ça va carrément rendre, mec, c'est un truc de malade. Hein. Bon, soja, et du coup, dans la parcelle qu'on a acheté dans la toute dernière, on fait du colza par contre. Ça changera un peu. T'as commencé à se mettre quoi, Hugo, toi? Colza. Il y aura un bout de colza. Ah non, mais. Bah, oui. Ah ouais, mais par contre, ça chôme pas là. T'as semé du colza? Colza. On a jamais été aussi déter sur les trois fermes, les mecs. C'est vrai. Ouais, je sais quoi. Au pire, je sème une partie en colza et une partie en soja. À partir des arbres, là, c'est en colza et ah non, partie, on fait tout pareil, comme ça y va. Ah ouais, mais. Non, mais au pire, j'ai passé un coup de. Non, t'inquiète pas, j'ai passé un coup de décompacteur, hein, ça va y aller. il est où mon tracteur là? Borom. Vas-y, Borom. Viens, tu vas payer, Borom. Je vais dans sa ferme 2 secondes. Non, enfin, tu vas quand même payer, moi j'ai quand même payé pour vous. Attends, non, je vais semer ferme, du soja non, là non. Pour récupérer ce que t'as mais fait. Mais c'est pas, ils vont nous redonner l'argent si ça. Ça, c'est un on est plus sous-traitant de chez nous, Jérémy. Mais nous sous-traitant. Allez, ça c'est du soja. Ouais. Ça, c'est à vous toutes les serres. Non, c'est à Borom. Toutes les serres qui sont là, c'est à Borom, les gars. C'est la femme de Borom qui a tout ça. Borom, viens, je t'attends. Ah, nice, merci. Oh, les Américains. Qui? Voilà, on a l'impression d'être des gros Américains. Vas-y, tu peux commencer, bah, allez, voilà. Tu peux commencer. Tu fais du soja et. Tu te trompes pas, c'est du soja. Ça part dans quelle ferme? Je crois qu'il y avait un épi de colza dans la nôtre. Quoi? Dans la nôtre? Bah, regarde. Ouais, bah, attends. Oh, mais comment ça sème? Oh, lolo. Oh, ça travaille. Moi, je suis en 4100. Bah, mais voilà, quand je pense qu'à la base c'était un champ ce qu'on avait en face, hein. Il y a des chevaux, il y a... Bah, on l'a acheté en début, comme si on est tranquille. Tu te rappelles, on l'a acheté en début du live ce champ. Ah non, on l'a acheté au dernier épisode. Ah non, ouais, mais au pire, il y aura quelques fois de colza, on va dire que le semoir ça a buggy. Hop, voilà. Ah, c'est incroyable, comme on a avancé. Mec, c'est ouf. Voilà, allez, ça c'est bon, je repars. Puis vous êtes encore 3007 quoi. C'est quoi que tu veux, ouais. Bastien? Soja, que du soja ici. Par contre, nous on peut respawn le temps donc. Si, moi je vais le lancer. Il y a une partie du champ qui a déjà pulvérisé à 100%. Ah ouais, il est pulvérisé. Comment il a volé ton semoir dans le. Ouais, attends, moi j'enlevais mes semences. Oh. Ouais, attends, les chevaux, les gars. On va terminer par les chevaux. Et on va s'arrêter parce qu'on est déjà à 2h58 de live et j'ai pas envie de faire plus parce que ça va. Au pire, c'est pas grave. Bah, par contre, moi j'aime de l'engrais, c'est pas grave ou pas? Non, non, mais c'est bon, si on sera à 100%, et ça peut être que mieux de toute façon. Par contre, vous pouvez me donner un petit billet comme c'est mes. Oui, on se donnera un billet si tu veux. Un gros bon bah du coup on aura fait pas mal de choses en vrai, amis. Alors du coup pour expliquer, on ressèmera celui-là en full colza. Ça donc ça c'est que du colza partout. Soja. Donc soja tout ça. Le 69, le 67, le 58 on essaiera de voir ce qu'on fera. Faut voir. Donc Nico laboure lui, il faudra labourer le 69 et après on sera bien. Il aura de la choix à mettre. Ouais. Non rien. Quelqu'un veut faire un tour de cheval avec moi s'il vous plaît? Pour faire du live. Oh, j'aime pas les quiétons.
Non, moi non plus. Pas mort. Jérémy, viens semer. 30. Mec, t'es un. Mais déjà, pour commencer, on a déjà 60 000 euros de cheval. Déjà, pour commencer. Je suis en plein engrais. Allez, let's go. Mec, on a 60 000 euros de cheval déjà. Au pire, tu sais, moi. Mec, c'est ouf. Eh, le million en vrai, mec, qu'on aura tout récolté là, on aura tout moissonné, on pourra arriver franchement à 600 000 euros, je pense, pas loin. Je vais faire courir poney. Ton cheval ou qui? Ah bah l'autre. Ah. Le tien, on s'en fout. Mais je sais pas, il venait. Sinon après, il faudra acheter aussi lui en face, mais voilà quoi, ça commence à faire quoi. Là je pense, au niveau achat, faut quand même se détendre un peu. Parce que si on va acheter gros épandeur à lisier, gros épandeur à fumier et gros semoir, va falloir se détendre le slip, je pense, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais ça va, il y a le compte en banque qui tient la route quand même, je trouve. Hein, ouais, il tient, mais... ouais. Bah, parce qu'on est raisonnable, on fait des bons investissements. Dylan, il aurait été content. Bah là, il va pas reconnaître la partie quand il va revenir. Non, mec, en vrai, il va revenir. Ah, mais what, on a ça en plus, il y a ça. Mais what, quoi mais... Il va faire quoi? Il va arriver, mais. Quoi? Et moi, je vais lui répondre. Non, je rigole. Non, je rigole. Cheval ou chevaux? Ben, un cheval, des chevaux, mais du coup, ben, pour l'instant, on fait courir que lui. Hein. L'autre, il courira pas. C'est pas grave, il aura moins de puissance. Jérémy, notre cheval, il est là. En tout cas, ça aurait été un live de fou, clairement, les gars, parce qu'on est monté à 4200-4300 constants dans tout le live. Là, on est encore 4950. On est monté à 4900. Donc, c'est ouf, mais merci pour tous les dons qu'il y a eu. Merci, Gégaro, qui refait un don. Comment rejoindre Discord? Bah, du coup, t'as un lien en description pour rejoindre Discord. Tu cliques et tu vas dans le channel discussion 1 ou 2 ou 3. Mais il y a un channel, c'est que vous pouvez pas parler. D'ailleurs, je viens de penser que je l'ai pas enlevé, donc c'est à dire que tous les gens qui vont sur ce channel, ils ne peuvent plus parler. Bah, c'est bien ça, du coup, parce que du coup, si on est là, on peut les démuter un peu. Oui, mais oui, mais du coup, mais, sauf que je suis là qu'une fois par semaine, donc toute la semaine, ils peuvent pas parler. Oui, il y a pas grand monde encore sur le Discord. Non, mais du coup, si vous voulez venir sur Discord, on y sera là. On y sera. On va faire un tour. Attends, on va les raids déjà un petit peu. On lancera un scribble.io. Yes. En tout cas, merci pour les 6000 likes. N'hésitez pas à liker encore une fois ceux qui sont pas, bah, ceux qui ont pas liké. Les ceux qui viennent d'arriver, du coup. Oh, il y a ce champ qui est aussi sympa là. On achète, c'est parti là. Non, mais c'est lequel d'ailleurs? C'est le 18. Ah ouais, mais ils sont tous très bien en fait. Hein. Mais là, cette map est bien. Cette map est full fun, Tasmé. Bravo les gars. Bravo. Bah oui. La map, vraiment, je suis content de la map. On n'a pas choisi une map pourrie. Vraiment, la map, on a bien choisi. Ouais, elle est bien. Elle est très bien pour ce genre de série. Et en vrai, je me suis vraiment cassé le cul à modifier la map pour qu'on puisse placer des enclos parce qu'à la base, on pouvait pas. Et le mode Global Company n'existait pas encore, donc on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà. Donc ce champ est à nous, les gars. C'est à nous tout ça. Mais il sert à quoi Global Company? Parce que justement, à faire que tu peux arriver, enfin, avoir le max d'enclos. Là, je crois qu'il doit avoir une limite de 10 enclos et ben, du coup, tu dois avoir le Global Company. Tu fais quoi? Ctrl G ou Alt G ou quelque chose comme ça. On l'a pas sur la partie, ce mode-là? Non, on l'a pas sur la partie. Si. Bah, ah, mais il fonctionne pas. Mais what? Il fonctionne pas. Oui, mais il est pas compatible au serveur, il me semble. Si, c'est Ctrl G. Ctrl G, tu vas là. Et là, tu fais activer le placement d'un objet amélioré, et du coup, tu peux avoir plus de 10 enclos, enfin, tu peux faire plein de trucs qui sont bloqués. Tu peux y arriver, donc voilà. Voili, voilou. Bon, attends, je vais là. Salut. Je vais y arriver. Oui. Ton champ est déjà bientôt fini. Oh, mec, c'est ouf. Oh là là. Vous avez pas tout fini encore, il reste encore un petit peu. Oh, celui que je suis en train de finir de labourer le mien, là. Ok. Toi, on va faire 3 heures. Oh, vous avez fait les oublis. Il y en a un qui met de l'engrais, un qui met pas d'engrais, ça va être bien, ça. Pour... Ah bah allez, suivez moi, on voit les riches, on voit les beaux. Oh mec, par contre, vos champs, ils sont tous bleu foncé. Vous allez faire du rendement, mec. Oh là là. Champ 67, LSC. Ouais, 67 à semer, si jamais. Voilà. Non, moi j'ai pas fini de semer, mais. Et bonsoir tout le monde, je suis en train de regarder toute la série, c'est trop bien. Bienvenue à toi, André, salut à toi. Et merci pour ton don de 10 euros, 11 euros même. Merci à toi, mec. Enfin, mec ou meuf, du coup, je sais pas. Bah, du coup, merci à toi, ça fait plaisir. Oh, par contre, c'est, je sais pas c'est qui a laissé un petit trou là près du concessionnaire. C'est toi, Nico, ça, qui a élaboré ça? Ouais, j'ai tout élaboré. Non, mais je suis pas encore 100%, les gars. Attends, on a pas fini. Ah là là. Attends, je vais aller voir Nico, on va voir ce qu'il fait. J'ai jamais autant labouré, je crois. Bah, ça va, en vrai, heureusement qu'on a la. Vas-y, au pire, pour la souceleuse, je l'aurais jamais fini à la charrue. On aurait la charrue, ça aurait été une merde. Oh là là. Vas-y, finis le champion, je m'en vais. J'ai les yeux éclatés, les gars. J'ai deux spots dans la gueule là avec mes écrans à fond. Bon, heureusement, j'en ai un qui s'éteint de temps en temps, donc ça. Mais ouais. Nico, fais des appels de phare avec ton cheval. Tut tut. Bon, et toi, tu fais quoi dans ton champ, toi, Nico? Regarde, je klaxonne. Là, c'est du colza ici. C'est mon klaxon, c'est du cheval. Mec, je vais aussi vite que toi. Mec, tu vas jouer chef. C'est aussi vite que moi. Oh non, il s'est bouffé l'arbre. Bon, voilà, je suis à 100%. Oh bah oui. Pas, 92, pas encore. Au large.
trop large ce soir, trop large. Oh lolo. Bah je pense pas en mettre. Il déplie sur la route le mec. Tu bah peux oui, agrandir trouve, ça passe pas. La soucholaise. La soucholaise, on peut l'agrandir ? Mais non. Non. Non pas celle-là. Mais je sais que dans la série de Zero, ils ont un soucholaise qui est énorme en vrai par contre. Donc peut-être on pourra. Il était sympa sur live. Ah nickel, je suis à 100%. Voilà, c'est ouais, terminé. C'était vraiment cool. Ça aurait été un long live, mais de qualité, je trouve. Voilà, désolé de me lancer des fleurs, mais des fois, des lives, je suis pas content. Ah non, mais on a, voilà. Fait beaucoup de on a fait beaucoup de choses. Là, voilà, on a fait beaucoup fou. De choses et tout. Et donc, dans la prochaine vidéo, il y aura aussi de quoi faire. Hein. Il y aura beaucoup d'achats, parce qu'aujourd'hui, il nous reste encore 270 000 euros. Si on vend nos anciens épandeurs, on va avoir récupéré de l'argent. Il faut qu'on fasse les serres aussi. Pas trop d'argent, tu dois retourner dans le négatif. Non, vrai, par mec, contre, là, tu vas voir, Hugo, mais ça attends, fait un trou, là. On peut quand même faire un prêt à 150 000 euros, déjà, de base. Hein, parce qu'on a zéro prêt encore. Hein. Donc voilà. Pourquoi soit un total moins 63 000 ? Il y a un trou là, Hugo, donc tu pourras pas semer. J'étais un peu trop loin. Ah non, on a dépensé. Ouais, mais... Achat de terrain 149 000. Construction 40 000. Par contre, Hugo, tu viendras m'aider à semer, putain. Bah. Voilà, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Attends, bah non, attendez, on va aller voir qui c'est qu'on peut raid. Et bon, un écran qui se réteint, hein, pas possible. Alors, oh est-ce qu'il est encore en live ? Dans l'après-midi, je pense. Bah, il est encore en live. Allez, go sur le YouTube, les gars. On a des débuts. Les amis, on va le raid hein, encore une fois. On met re, on va voir s'il va faire. Oh, Starvio. Allez, c'est qui c'est encore cool, t'as les 4000 heures de. Allez, on écrit tous Starvio dans son chat. Allez, let's go, les gars. Je sais pas. Bon, c'est un mec. Vas-y. Bah, je me mets du revers, les gars. D'avoir une chaîne comme ça, il reste au bout de la partie. D'accord, allez, les gars. Il y a trop de chances de se faire. On va le raid, on va voir un petit peu ce qu'il va dire. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous aura plu. J'ai tellement kiffé ce live sur YouTube. Allez, go, les gars. Et un jour, tout paye. Damien, tu as des ban. Ah, il est sur les pays en français. Enfin, sur la map des pays en français. Je sais pas, putain, mais ça va trop vite. Ah bah oui, tu quand peux voir ce qui a marqué Yo Starvio, oh non, ça non, y non. Est, tu te fais rad. Mais t'as, regarde, t'as trop de chance, mec. Le mec, oh, t'as trop de chance. Oh, what? Ok, mec, c'est bon, vous êtes 100, c'est sûr. À 1000%, vous êtes 100. Vas-y, mec, vous êtes 218. Non, j'allais dire abonnez-vous à ma chaîne. Starvio, parle, Starvio, si t'es sur live 200, oh enculé. Oh enculé. Si t'es sur live, Starvio, je suis là. J'aimerais te mettre modo. Ah mais non, on s'en fout. Je veux voir si... À quoi ça sert ? 205 ! 205 ! Voilà, 200 personnes ! Mais t'as trop de chance ! T'as trop de chance ! En vrai, j'aime trop. Pas comme ça, frère. Tu m'as éclaté les oreilles. J'adore vos raids, les gars. Voilà, ces réactions-là, je trouve que c'est sympa. J'allais dire abonnez-vous à ma chaîne. Le cheval, j'ai fait courir un cheval, la flemme de faire l'autre. Attends, je crois que Starvio, il a marqué un truc. Oui. Je le vois pas. Oh, le chat est bug, frère. On va aller voir si d'autres gens les raids, les gars. T'as 205 viewers, la tête de ma mère. Attends, la tête de ma mère, je sais plus où j'en suis. Merci. Qui c'est qu'on peut aller raid, les amis? 118, you très bien. Starvio, je le vois pas. C'est le deuxième plus gros youtubeur dans Farming qui stream. Là. Viewer. Starvio, après Starvio, il a parlé. Écris-moi. Je te mets modo, Starvio. Mais ça sert à rien. Pigam Vlog. Bah, let's go, on va aller voir Pigam Vlog. Je suis quatrième tendance, les gars, je suis quatrième. Bah là actuellement t'es deuxième logiquement parce mais que non t'es... là t'es plus c'est sûr là t'es non t'es plus. Deuxième normalement bah Starvio est-ce que tu peux parler s'il te plaît oui je parle mec t'as trop de Duo vous voulez qu'on aille raid parler Starvio pour que je le mette bon voilà du coup bah en vrai ça a été marrant au moment c'est qu'il a chialé ça a été un bon moment alors qu'est-ce qu'on peut aller raid LBDT VGR bah Duo mais Duo on a attends Duo ils ont que 100 personnes de plus que nous les gars. Vas-y, on va dire bonjour à Duo, les gars. Allez, on spam Starvio chez Duo. Let's go, les gars. On spam Starvio chez Duo. Et non. On écrit juste... Non, attendez, les gars. On écrit juste salut. Juste salut, les gars. Parce que sinon, à chaque fois, il sait que c'est nous, donc c'est nul. Écrivez juste salut, ok? Juste salut, vraiment. Vraiment pas Starvio, vraiment. Zéro mot Starvio. Allez, go, les gars. Non. Ils écrivent Starvio, faut pas. Vas-y, j'écoute le live, mais non, écrivez pas Starvio. Métis, là, oh métis. Non. Oh, je non, n'écrivez pas Starvio, écrivez juste salut. Non. C'est merde, bon. On est cramé. Tu l'as expulsé. Tu fais Thompson. Bon, je suis fatigué. Pas tu me lâches, gros. Ah voilà, salut. Thompson. Ah vas-y, voilà, c'est pas bon. De Starvio. Mais buvez pas Starvio. Des poissons, les gars, il y a du bon sens. Gros, lâche Thompson, je rigole. Buvez pas de poissons, les gars, il y a des bandages. Mais buvez pas de poissons. What the fuck. Ah ouais. Ah merci, c'est vrai pour le raid. Merci. Merci, frérot. Allez, le chat. Et c'est quoi ça, ce mode de jeu bizarre? Y'a Starvio qui nous raid, Bob. Oh, merci, non, merci, bienvenue à tous les viewers, les potes, ça fait plaisir. C'est merde, j'avais pas vu. Merci. Bah, de rien. Bon, on est cramé. Shite, t'es là. Mais j'ai bien fait une Narcisse Thomas, wesh. Fais gaffe, les gars, il y en a encore un qui s'est fait. Ah, yes. Bon, voilà.
Le Ferdi, il est pas mort. En même temps, il y a pas écrit que c'est un boss continue chat, à pêcher, donc, les gars, voilà. Continue à pêcher. C'est quoi ce jeu, c'est qu'il faut pêcher, quoi. Ceux qui arrivent, les potes. C'est bon, c'est il bon, me retue, mais gros, il y en a un autre. En fait, je crois qu'il croit que les gens ils disent salut, genre ils disent salut en mode de salut. On vient sur son live, quoi. Non, non, c'est salut de chez moi. Bon, bah, du coup, voilà, dommage. Allez, salut. Ah, il y a lui. Oh, la qualité de ce live. Oh, la fluidité. Jusqu'à, on dirait jusqu'à 45-50. Après, bon, bah, je. Mec, on va le raid. Je sais pas si je l'avais déjà raid. Je suis pas du tout. Je crois, mais je suis pas sûr. Les gars, let's go. On va le raid. Marquez tous Starve dans son chat. Bon, la qualité, c'est hyper fluide son live. Oh, j'adore. C'est pas comme moi. Oh, la même moissonneuse que moi. Ah non. Non, c'est pas la même. Let's go, les gars. Du coup, faudrait qu'on achète des vaches. Allez, dernière raid de la soirée, les gars. Bah, d'abord, faut mettez un pouce bleu. Oh non, je me suis enlisé dans la boue. On n'oublie pas. DG2 veut te parler. Ah, ben. Non, après. Ah si, il y a du monde sur Discord, tu vois. Je sais pas si j'irai sur Discord après. Alex, ah y'a Alex. Mais Alex, il est encore là, je savais pas. Est-ce qu'il comprend? Il bouge plus. Ouais, c'est Biro Gamer. Bon, bro, c'est quoi tous les messages qu'il y a? Je savais pas, mec. Wesh. Stervio. Mais what? C'est quoi ça? Ça je savais pas. Non, c'est quoi le délire? Oh non, moi ouais, c'est pas grave. Non. Bon, bon vraiment la qualité est ouf. Hein. Oh Dieu. Si, il vole quand même qu'on le oh non, je savais pas, Borob. C'est quoi ça? Oh non. C'est ouf, mec. Vous spammez comme des fous, pardon. Mais what the fuck? Fuck, c'est quoi le délire? C'est moi. Attends, va voir Stervio sans son live. Bon, bah, du coup, voilà. Ah ouais, mais. Bon, du coup, il fait sa vie, quoi. Bon, du coup, bah, c'est pas grave, il a pas réagi, il a réagi en mode ouah! Mais voilà. Bon, bah, les gars, on va s'arrêter, je pense. Attends, je me débute. Oh non. Allô? Oui. Oh, oui. Ouais, me revoilà. Tu savais pas? Bravo. Ah non, je savais pas. Je savais pas. Bon, ah, bah, les gars, voilà. On va s'arrêter, hein. Ça a été un bon live, hein, mine de rien. Non, ça a été un bon live. En vrai, c'était vraiment cool. Oui. Je termine de se mettre chez vous. Je mange le micro. Ah, vous avez fini? Attends. Non, moi je suis encore en train de labourer, moi. Ouais, on a fini. Ça bosse. On a fini les deux champs, mec. Je suis chaud. Allez, tu veux 70 000 euros. Merci. C'est ça, ouais. Ah, vous avez fini. Non, 5 000 pour l'instant. Oh, il y a déjà des mauvaises herbes. Oh, non, avancez pas le temps, par contre. Je sais pas, d'accord. Bon. Du coup, les gars, on va s'arrêter. Mais du coup, merci Borom, merci Jérémy, merci LSC, merci Nico d'être venu et même Zero tout à l'heure qui était là. Donc voilà, merci d'être venu les gars, c'était bien sympa. Merci pour le chant que vous avez semé. Bah de rien aussi, c'était sympa. 4000 euros s'il vous plaît pour les semences. D'accord, bien sûr. 4000. D'accord. Bon allez, je reviens. Enfin, je reviens après. On va te l'heure. Ça marche. Allez, bande de quoi. Non, bon voilà les gars, yes, on a fini ce live. 3h et 12 minutes de live, c'était sympa. Bah du coup, alors les amis, ce qu'on fait, c'est que je sais pas si je vais sur Discord parce qu'il est assez tard et je suis claqué. Je vais revenir voir quelques minutes DG, enfin Damien un truc, enfin je connais pas son pseudo, juste en vocal 30 secondes, par contre ne parlez pas trop dans le chat sinon ça va être impossible de, bah de enfin il pourra pas prendre mes messages, voilà, et après j'irai sur Discord abonné si vous voulez après, voilà, bon les amis c'était ouf ce live, vraiment c'était un live énorme, que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live comme ça, donc voilà, merci à vous une fois. Et voilà, c'était cool. Donc bah, demain, soyez là, 19h30, 17h30, nouvelle vidéo. Mardi soir, je serai en live, mais du coup, pas sur cette chaîne. Hein. Je reviens sur la chaîne secondaire mardi soir sur les paysans français. Si jamais je me chauffe demain, non, je pense pas que demain je mangerai. J'ai dit faire un live pour avec Macron, mais ça sert à rien, c'est nul. Donc non, voilà, du coup, bonne soirée. C'était ouf. Merci pour tous les dons, merci pour tous les subs. On est actuellement à 176 subs, donc faut enlever 5, donc bah voilà, on a... Oh, bah voilà, bah du coup faut enlever 4 maintenant. Merci à toi The Wolf, merci beaucoup d'avoir rejoint The Wolf, ça fait plaisir, vous êtes trop nombreux. 6800, merci à ceux qui auront regardé la rediffusion jusqu'en entier, parce que mine de rien, voilà, ça fait stylé, enfin, ça fait trop plaisir, donc voilà, merci à vous. Bon écoutez, bonne soirée à vous, c'était Starvio, passez une bonne nuit, j'espère que vous avez mangé du chocolat, je vais manger du chocolat maintenant parce que j'ai faim. Et du coup, rendez-vous sur le live de Damien, voilà, je vais aller vite fait voir un petit peu en vitesse. Donc voilà, bonne soirée à tous. Venez sur Instagram. Je vous rappelle que je vous ai mis une photo sur Insta. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, liker et tout. Déjà, je vous ai fait un live Instagram hier. Donc on a parlé avec quelques abonnés. Vous étiez 400, 500. Donc c'était vraiment cool. Donc voilà, merci à vous. Donc voilà, bonne soirée à tous. C'est Starvio. Bonne nuit. Et à demain, 17h30 pour une nouvelle vidéo. Sinon, à tout à l'heure sur Discord. Allez, ciao les gars. Salut. Et le Discord est en description. Salut les gars. Ciao.
bonne soirée. Et je vois des cœurs partout. Encore une fois, des cœurs. Voilà, des cœurs. Ciao.